Bonjour à tous et bienvenue pour la deux, le deuxième volet euh, du challenge Bankroll. Je ne sais pas si vous avez suivi le premier, il s'appelait Make Your Bankroll Great Again. Euh, cette fois-ci, un peu différent. Ça sera simplement un challenge avec sur les plus hautes limites, puisque nous partirons ensemble. Avec une banquerolle cette fois-ci de 500 euros, donc 5 fois le capital que j'avais la dernière fois. Ça nous permettra d'avoir un champ des possibles un petit peu plus euh, élaboré, puisque j'ai pu voir la grille de tournoi et c'est vrai que euh, elle est un peu plus étoffée que sur les petits buy -in. Vous savez par exemple que je serai friand des 180 max qui sont parfaits pour monter ces euh, petites banquerolles et nous les jouerons ensemble. Ça seront non pas moins de 12 streams. Presque d'affilée, et j'espère que vous serez nombreux tout au long. Comme vous avez pu le voir, vous pouvez essayer de pronostiquer mon niveau de bankroll chaque semaine sur one Poker. Il y a beaucoup de tickets à gagner, mais aussi pas mal de goodies, des mugs, des trucs comme ça. Si vous voulez voir ma gueule dès le matin, je ne sais pas si, euh, si c'est très kiffant, mais bon, pourquoi pas. Il y aura bien évidemment Lolo et les modérateurs que je voudrais déjà remercier, et bien évidemment aussi vous remercier d'être là, je l'espère, nombreux, euh, pour ces 12 sessions de streaming. Le but, le seul, but c'est de vous montrer une méthode pour approcher ces petites limites de manière plus entre guillemets professionnelle et c'est pour ça que par exemple dès cette première session nous n'allons pas la commencer directement par du poker pur mais nous allons la commencer par par exemple euh, vous montrer quel filtre adopter, quelle taille des mises, quel, euh, il va falloir vous que vous, que vous précochez certaines tailles de mise pour vous rendre tout simplement le logiciel plus ergonomique et vous permettre ainsi d'essayer de, de maximiser vos profits. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer un peu tous ces petits tricks, tous ces petits secrets qui font que vous allez être plus efficace. Vous êtes déjà nombreux, Dimonia, Bête, GUIG, Julien Mars, Luna. Merci à tous d'être là. Nous allons jouer toute la grille entre les Lolo, On joue quoi entre les 2 et les 5 euros, allez. vous allez voir, il y a plein de petites choses à savoir pour que votre approche du poker soit plus efficace. Que je sais que vous êtes beaucoup, beaucoup à être un peu empêtré dans ces micro stakes Là, on sera plutôt sur du low-steaks. Et sans plus tarder, nous allons nous plonger dans le lobby de Winamax. Que vous devez voir, c'est magique ce que tu me fais loïc maintenant en plus j'ai un petit truc où il y a que des boutons comme j'étais trop bête pour cliquer moi-même ils m'ont fait plein de petits boutons donc euh, voilà alors pourquoi est ce que je vous montre ce lobby la première des choses c'est que là ça peut paraître un petit peu en fait il va, il va y avoir beaucoup beaucoup de tournois déjà la première des choses qui vont s'afficher donc là vous pouvez voir vous avez les expressos, le cash game nous on va se concentrer sur la première des choses le premier volet on va se concentrer sur le poker de tournoi donc on va aller dans cet onglet là et ensuite, on va essayer de réduire un peu toute cette offre de tournoi vers ceux qui, nous, euh, sont le plus intéressant en termes euh, de V, c'est-à-dire en termes de profitabilité et, quel sur... et aussi, deuxième truc, en termes de gestion de bankroll. Donc là, les 1€, euro, ça ferait 500 buy-in, c'est un petit peu beaucoup. On va jouer quelques 1€, euro, par exemple, pourquoi pas en fin de, de session turbo, d'accord et puis après, on va notre principal cœur de cible, ce seront bien évidemment les 5 euros et les 2 euros. Euh, si j'avais une, une gestion de bankroll extrêmement stricte, là comme j'ai que deux sessions, je pense que je vais quand même pas mal de 5 euros pour vous montrer un petit peu ça. Euh, si j'avais une gestion de mon crawl extrêmement, extrêmement stricte, si par exemple je descendais à 400 euros, j'arrêterais de jouer les 5 euros et je jouerais que les 2 euros et les 1 avant de remonter et là de recommencer à inclure certains 5 euros dans mon set. Alors comment est-ce qu'on va faire Déjà, on va mettre l'onglet en haut à gauche qui s'appelle Variante. Est-ce que nous voulons jouer du stud high low, du raz, etc. Je ne pense pas, ce n'est pas notre point fort. On va se concentrer sur la variante qui nous intéresse le plus, qui est la plus populaire, qui je pense vous parle, le, qui vous, qui je pense vous parle le plus, c'est-à-dire le no-limit hold'em. Et déjà, vous voyez que ça fait un petit peu le tri. Deuxième chose, on va voir les buy-in. On a dit qu'on ne voulait pas jouer les hautes, pas jouer les moyennes, pas jouer a priori les micros, à part peut-être certains... Pardon, pas jouer a priori les micros, c'est-à-dire les 50 centimes, les 25 centimes et les gratuits. On ne veut pas jouer tout de suite les 15 euros, les 10 euros, les 8 euros parce que ce serait hors bankroll management. Et là, vous voyez qu'on a déjà réduit beaucoup, de beaucoup, beaucoup, beaucoup le champ des possibles. On a dit que les 1 euro, a priori, on les laisserait pour la fin de session. Puisqu'en fait, le problème, c'est que sur un 1 euro, si vous avez par exemple un retour sur investissement de 100%, bah, ce tournoi ne va vous rapporter que 1 euro. Alors que vous avez par exemple 50% sur un 5 euros, ce tournoi va vous rapporter 2,5 euros. Donc deux fois et demi plus profitable alors que vous avez un ROI euh, inférieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va enlever les 1€ euro pour l'instant et ça va nous laisser une, un éventail de prix, notre cœur de cible, entre 2 et 5 euros. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va, comme l'offre est plus étoffée, on va essayer de jouer les tournois qui maximisent notre profitabilité. Et on sait que ces tournois-là, en début de session, on a pléthore de tournois à jouer. Ce seront les non-turbo. D'accord? Donc, on va tout de suite enlever les semi-turbos et les turbos de la grille. Si jamais vous aviez une manquante de 1000 euros, bien sûr que vous pouvez faire des 5 euros turbo, etc. Ce sera encore profitable, mais ce ne sera pas les plus profitables. Et là, vous pouvez voir que vous avez déjà réduit comme peau de chagrin le nombre de tournois possibles et que vous y voyez déjà plus clair. Troisième chose, on va dans le type qui est au milieu. Et est-ce que nous décidons de faire un grind qui comprend des satellites Non. Pas de... <laughs> MDR, le mec en bas qui rampe. <laughs> ouais. C'est logique! Ok, on ne veut pas jouer pour l'instant de satellite, donc on va enlever qualificatif, hit and run, satellite live, également les déglingos. Et là, vous pouvez voir que, comme par magie, vous avez à peu près une grille qui correspond à notre cœur de cible, c'est-à-dire étant à 2, 5 euros non turbo, et que vous allez pouvoir ensuite euh, comment dire, les choisir euh, selon vos envies, et, selon, et on va essayer de les choisir les plus deep stacks possibles, bien évidemment. En essayant de très peu light-reg, notamment la frange haute de nos bains, les 5 euros. Donc, on va très peu light-reg, les 5 euros, puisqu'on n'a que 100 bains pour les jouer. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on va voir On va voir que là, alors, on va aussi enlever les ligues. Voilà, club, communauté, on ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer Ah oui, pardon, excusez-moi. Deuxième chose, nous allons avant tout aussi aller dans options et pour aller, en fait, après, essayer d'aller gérer nos mises. Alors, ça, c'est très, 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 très important. Lorsque vous commencez le poker, il faut que vous maîtrisiez le soft. Et il faut notamment. Parce que, en fait, sinon, vous allez devoir à chaque fois faire plus de clics pour dire je relance à trois fois la grosse main, ou à deux fois et demi, ou à deux fois, etc. Là, vous avez dans Gestion des mises. Ensuite, vous allez dans Tournoi, à droite. Et là, vous allez pouvoir présélectionner vos tailles de relance pré-flop. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Parce qu'après, sur chacune de vos tables, vous n'aurez plus à vous soucier de ça. Ça va automatiquement vous faire vos mises. Alors moi ce que je vais faire c'est min raise la plupart du temps. Lorsque je suis au-dessus on va dire entre 15 et 35 blindes je veux faire 2.2x. Et lorsque je suis au-dessus on va dire allez de 40 blindes je veux faire 2.5x et je n'aurai pas de sizing 3x a priori à part si je suis très deep mais bon. Post flop, le pourcentage du pot sur lesquels je vais miser ça aussi c'est hyper 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 important. Alors possible je vais avoir un sizing à 20 du pot par exemple, un sizing à 33 du pot, un sizing à demi pot, un sizing on va dire à 80 du pot et après un sizing à 100 du pot. Et là ça m'a l'air pas mal. Alors attendez, je vais mettre un peu plus de sizing en fait comme ça ça va être encore plus 2,2 2,5. C'est pas mal, 3 par exemple, 3.5. Ok, là vous voyez que j'ai encore augmenté la, la, la complexité de la chose et j'en ai mis 7. Pourquoi pas, comme ça je peux faire 25% du pot, ça, ça me l'air très bien. 35, donc un tiers du pot, très bien. Demi pot, là je vais plutôt mettre un truc, ouais, là deux tiers pot. Un, trois... voilà, parfait, ça m'a l'air très très bien, c'est sizing, et voilà. Et là vous allez voir que vous allez pouvoir euh, vraiment euh, être le plus efficace possible sur vos tables. Alors maintenant, nous allons tout simplement lancer nos tables en essayant d'être les plus efficaces possibles. Vous le savez, j'adore pour euh, ce genre de challenge bankroll, essayer de limiter la variance. Et pour limiter la variance, ce qu'il faut faire, c'est jouer absolument, par exemple, les tournois 180 max, surtout si c'est la frange haute de vos buy-in. Donc, on va lancer en priorité, par exemple, ce tournoi-là à 5 euros, 180 max. On va regarder quand même le niveau de blind. Il a commencé à 20h15, c'est parfait. Allez, c'est parti. On va commencer à lancer nos tables. Et on va passer, du coup, en quatre tables. C'est comme ça que je vais faire Ah merde, d'abord, il faut que je lance mes quatre tables. Excusez-moi. Donc, cette table-là. Après, on va se faire. Là, je vois un Deep Stack holdem à 2 euros. C'est pas mal du tout. Je vois un 180 max à 2 euros. C'est pas mal du tout. Tac. Parfait. Deep Stack holdem à 2 euros. Il n'y a que 7 joueurs. Ça, c'est parfait pour prendre la confiance. Et ensuite, on va se lancer. Allez, un petit Quattro à 2 euros max. Et ça m'a l'air vraiment d'être la session. Parfait pour commencer. Ouais, attends, je me mets sur un, un playground 4. parfait. Et après je me mets en quatre tables. Ah ouais, parfait. Ah. Tac. Et ensuite quatre tables. Et voilà, on est nickel. On a nos quatre tables lancées. Alors si vous étiez seul euh, à faire euh, ce challenge et que vous n'aviez pas d'impératif comme moi de streaming, ce que je vous conseillerais, c'est d'arriver à minima. À jouer environ entre 6 et 8 tables a game surtout sur le début de tournoi et comme vous allez pouvoir le voir je vais vous préconiser une comment dire une une stratégie qui est quand même assez tight à la fin du challenge je vous publierai Bien Évidemment, les ranges que j'avais fait pour le dernier, il faut simplement que je vois après deux ans si jamais euh, comment dire les plaies n'ont pas changé et si jamais ces ranges sont toujours d'actualité, je vais essayer d'un peu les, 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 les dépoussiérer et sans plus entendre. C'est parti. Allez, nous comme nous sommes très profond, je vais relancer à 2,5 x et ici avec Asdam 200 blind deep table 3. Nous avons un 3 bêtes facile pour value. Alors, comme ce de je vais faire des assez gros sizing. Là, en plus, après un, 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 un raise et un call, table 3. Donc là, je vais squeeze à ans. En plus, je pense que c'est vraiment euh, des, des, euh, des limites où les gens vont trop coller 3 bêtes. Donc je vais être quand même assez, euh, assez value, euh, assez orienté value sur, euh, sur ces genres de tournois. Table 1. Ok, la compte pote, on va folder. Table 1, un call facile avec ma paire de 5. Et sur un flop valet de 4, nous allons ces bêtes à hauteur d'un tiers du pot. Et là, table 4. Un là, vous pouvez voir aussi que il y a des plays qui sont quand même très peu orthodoxes. Hein. Là, on a quand même un joueur qui a call call de grosse blinde, le 3 bêtes. Et nous allons tout simplement coller avec 4 et 5 suite. Et nous allons... En fait, sur ce genre de limite aussi, on va jouer assez propre. On va assez peu bluffer. Ok là. Un 3 bêtes classique sans blindes deep. Mm -hmm. avec Asdame de Carreau pour Pure Value et on turn une superbe carte vraiment euh, avec notre 4 et 5 de pique. Valet 9, c'est une main que je vais relancer au cut-off. Et ça va coller. malheureusement la rivière est une brique et avec notre hauteur 5 nous allons passer, on, a une on, on, on aurait peut-être pu bluffer mais sur ces limites comme ça faut le jamais de pair etc. Je pense pas que ce soit optimal. Voilà, n'oubliez pas que je serai présent sur tous les chats Twitch ou YouTube. Euh, euh, sur les chats euh, Twitch, Youtube et euh, Winamax TV bien évidemment pour répondre à toutes vos questions, c'est vraiment le but et il y a aussi euh, des tickets à gagner, voilà, surtout si vous pronostiquez bien cette bankroll Valet 9 table 2, un bottom de range, ici je vais folder as de suité euh, sur une table full ring, euh, je le reopen bien évidemment 6 max, d'ailleurs autre chose je pense que je vais mettre on la remarque. On, peut aussi, on aurait pu aussi envisager de mettre euh, des tables full ring en haut et les tables six max en bas, mais là comme j'ai presque que du full ring. Nous allons nous concentrer là-dessus. Et au fur et à mesure, si vous prenez des notes, vous allez pouvoir vous définir après des ranges d'open assez précises. Vous allez par exemple voir que là, UTG par exemple à 8. Les premières mains que je vais ouvrir sans un deep comme ça et plus, ce sera As 10 g par exemple. Alors que je vais ouvrir beaucoup plus As suité, As de suité. Ok, première prime de la journée en bas à gauche. Allez les gars, on a paire de dames. Wow. Que nous allons relancer. Et un spot aussi favorable, table 1, c'est-à-dire qu'on est très deep et nous avons une main comme 4 et 5 sur des tournois ice Ce sont des, des mains. Euh, on Ce serait des mains avec lesquelles on aurait envie de trois bêtes pour des raisons de euh, balancing, etc. etc. Euh, maintenant, ok, donc là, table 3, nous sommes sur un petit buy donc je pense qu'on peut commencer à parpiner, surtout qu'on est très deep. Euh, je crois qu'on peut envoyer assez cher. Et nous flopons la ventrale, c'est une main que l'on doit check raise avec le backdoor flush. Euh, pas contre un gros sizing ici, je vais simplement payer et essayer d'aller réaliser mon équité. Euh, s'il avait misé un tiers du pot, j'aurais check raid. Et la turn est un roi qui est absolument désastreuse pour moi, Elle ne... enfin pour nous puisque. Et donc on va simplement abandonner notre main à part s'il avait fait un sizing extrêmement petit à set off ici, une main que l'on va call. Euh, vous allez voir que je vais avoir une stratégie qui est quand même assez tight euh, de small blind, notamment euh, dans les... sur les petits buy-in. En fait, le problème, c'est que simplement les spots de small blind euh, vont générer assez peu de V. Euh, et que du coup, si je veux vous apprendre une stratégie où l'on multitable beaucoup, eh bien, il va falloir, en fait, simplement, on s'en fout de perdre un petit peu de V de small blind en foldant une main comme Valet 4 off. Euh, de toute façon, on veut jouer beaucoup de tables, essayer de les jouer le plus propre possible, et c'est tout. Quoi. Euh, là, A7, une main qui va être foldable quand même à l'arrière. Il a checké, voilà, et là vous voyez que c'est là où on fait lever, c'est qu'il a check back A3 ici, euh, ce qui est vraiment pas bon. Il a énorme, énormément de value contre beaucoup de mains. Et si vous pouvez prendre des notes. Le flop master, back, back, sur 40 donc vous allez voir que ce, cela, ce joueur sera très, ce qu'on appelle très polarisé à la rivière, c'est-à-dire qu'il pourra miser que des très, très bonnes mains ou rien du tout. Encore un grand merci pour ce contenu Pierre. Et bah, franchement, ça me fait très plaisir. Si vous avez des questions, vraiment, là, là ce stream, c'est vraiment fait pour vous. Si vous avez des questions sur quel tournoi à jouer, sur comment euh, aborder ce, cette session de grind pour être, pour être euh, plus efficace, vraiment, c'est hyper important. Là, ce que je vous ai expliqué, par exemple, sur les tailles des mises, c'est vraiment important. Si vous avez une stratégie, vous avez préféré. Euh, euh, comment dire euh, à par, par exemple euh, avoir une stratégie aussi où vous allez choisir les couleurs euh, de table que vous préférez, ça c'est hyper important aussi, euh, as, dame c'est une main que l'on va bet euh, pour value en fait, euh, avec le backdoor flush c'est une main aussi avec laquelle on pourra coller un check confortablement, aussi deep euh, et je vais aussi laisser la option euh, montrer, euh, passer, euh, montrer la main euh, montrer la main euh, au showdown, même, même, si, euh, même si effectivement il n'y a pas de showdown. De, de montrer ma main parce que ça peut exciter les joueurs, notamment la game. Donc je veux pas m'en priver. Oui, Lolo. Rampe, Lolo, rampe. Une petite seconde. En prie. En fait, je prie. Le bruit des trop fort pour les gens. Ok, pardon. Et voilà, Lolo arrive et nous flopons trips. Oh là là, il va sit out, ça va être terrible. Il va sit out, ça va être terrible. OK, donc là, c'est un bête, un tiers du pot garanti. Et si notre adversaire paye, ça va être un parpaing, mais là, on va pas trop dévier de la théorie même de sur les tournois à plus haut baïne, hein. Pas trop de raison et en fait, là, surtout ce qui est hyper important, euh, C'est de prendre des notes sur beaucoup, beaucoup de joueurs. Je sais qu'il y a beaucoup de réguliers, en fait, même sur ces petites limites que vous allez croiser, et surtout, ce sont des notes où les joueurs vont énormément dévier de ce qu'ils devraient faire. Par exemple, cet As-Roi, il aurait dû miser, et donc ça peut me sauver dans plein de situations où je vais rejouer cette personne. Un joueur qui décide de call-call euh, 5-6 suité, euh, après un raise et un 3 bet depuis la petite blinde, par exemple, ça, ça peut arriver. ça, c'est des notes qui sont hyper importantes parce qu'après, vous allez pouvoir le squeeze, il va rajouter de l'argent la, mort, etc. etc. Donc, c'est hyper important. Voilà, les off, un fold. ici, par exemple, 4 et off. On va simplement, on va pas beaucoup, beaucoup, on va pas énormément aussi défendre de merguez, de grosses blindes. Et à la pause, on va en profiter pour étudier les tournois qu'on pourrait jouer et après définir une session type d'amis de cœur. C'est une main que je vais ouvrir par contre. Et j'adore en fait parce que par rapport aux, aux sessions où jouer les 1-2 euros, c'est vrai quand même que le champ des possibles est quand même bien bien supérieur. On se fera quand même un petit kiffer le sud, se faire kiffer un petit le sud reste versus le reste du monde. D'une part parce que ce n'est pas un turbo et d'autre part parce que c'est un chaos qui permet de réduire la variance et ça c'est assez sympa. As9, on va ouvrir tranquillou. Mythe de cœur, allez. On va être attentif. Et là, vous voyez un truc qui me fascine, par exemple, c'est que... Nos couleurs, on, va checker, on va simplement passer. Deux Grands As, par exemple, il a fait une erreur pour moi. C'est qu'il me semble qu'il a mis l'avatar de Adrien. Donc vient mon agneau. Et en fait, ça, ça va déjà me donner des informations sur, euh, comment dire, sur son niveau de jeu. C'est-à-dire que je sais que à minima c'est un joueur qui a regardé les vidéos d'Adrien. D'accord C'est un joueur qui, a priori, est déjà éduqué et qui ne qui, qui va pas être celui que je vais cibler en priorité. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que vous donnez de l'information gratuite. Voilà, ça peut, être, ça peut être plein de petites pistes comme ça. Ça, et 7 off, non merci. As de off, non Voilà, ça sera beaucoup un jeu de patience également. Hein. Oh merde J'avais gardé le badge d'un employé de Wina, le pauvre. Ah, ça qui est notre suité. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de magie Top faire, Why not Là, on va, on va quand même naviguer en eau trouble. Et donc si ça fait bête et call... Un gros bête et un call. Peut-être que je vais foller directement. Là, c'est un petit bête. Donc là, c'est intéressant. Un petit bête, ça, c'est intéressant. Donc là, on va simplement payer. Hein, parce qu'on n'a pas non plus de possibilités d'amélioration qui sont énormes. La terre, est un 6. On pourrait la donquer éventuellement. Mais j'ai pas envie de créer des games que je maîtrise pas. Oh, salut Royal Gambas. eh bah ben, tu vois, tu es déjà sur le stream. Bon là, sur ce 6, on va pas foller tout de suite. Et la rivière est un roi, pas la meilleure, parce qu'il peut avoir des mains comme as -Roi avec un cœur. Et allez, alors. Asdame de carreau, il faut, il faut vraiment, on regarde gamba, si tu regardes le stream, que tu joues plus euh, passivement cette main-là, parce qu'en fait tu es contre deux ranges qui sont complètement uncapped, et surtout tu n'as aucun out clean, euh, c'est-à-dire que tu n'as aucune carte qui te donnera virtuellement le nuts, et tu as beaucoup beaucoup de mains à barrer en semi-bluff avant, en semi -bluff avant. Euh, une main, par exemple, comme... Euh... Euh, roi Dame avec un cœur par exemple. Et là, simplement payer Oh le moumou, hein, putain mais tout le monde regarde, c'est incroyable. Salut Pierre, c'est pas un peu bizarre de jouer en sachant pertinemment que l'argent que tu vas gagner ne te permettra pas de te faire plaisir euh, Ben, en fait, euh, je sais pas, non, je kiffe streamer, je kiffe streamer et je kiffe le jeu. Euh... Okay, je vais check cet high et je vais essayer peut-être le bluffer rivière quand même pour faire fouler une main comme paire de 7, paire de 6, paire de 5. Okay, okay, je vais pas seulement passer. Euh, je kiffe streamer et je kiffe, euh, je kiffe partager euh, simplement. Et je kiffe aussi me mettre un peu la pression et me dire euh, allez, on va euh, proposer un challenge qui soit ambitieux. Un challenge où on dit on va vous apprendre à faire des résultats. Et ça, c'est vrai que ça met une énorme pression parce que si tu fais pas de résultats, ben, t'es un peu. Euh, un peu tout euh, à l'air un peu ridicule quoi alors bien sûr sur 12 sessions il y aura énormément 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 de variance mais euh, voilà j'aime me dire la pression et me dire allez on va faire des tapes finales on va faire des résultats on sait que c'est très très difficile je me souviens du premier volet c'était très très dur mais voilà c'est pour ça qu'on joue ok à ce de suite et ok la vie pipe 0 ouais, je vais simplement payer cette main là on est assez deep à 3x on pourrait éventuellement folder je vais vraiment jouer hyper propre pourquoi pas Si vous avez par exemple 6 8, 10 tables, simplement folder ces spots. Parce que ça va être difficile à naviguer post-flop, etc. Donc aucun problème. Euh, au niveau du multi multitablique, que pensez-vous 12-16 C'est très très bien. Plus vous jouez de tables, mieux c'est. Le problème c'est qu'en fait vous allez arriver à un point d'infection où l'étape tables... suivante, en fait, il faut quand même que vous jouiez, hey, que vous jouiez bien au poker. C'est-à-dire que euh, si vous jouez... C'est quelque chose de jouer 20 tables, mais si vous jouez n'importe comment les 20 tables parce que vous avez 5 mains en même temps, ça ne vaut pas le coup. Tout le truc c'est de vous connaître assez pour se dire, bah là... Je joue un maximum de tables pour maximiser mes gains et réaliser mon ROI sur, un, sur plein de tournois. Mais en même temps, je veux maintenir un certain niveau de jeu qui me permette justement de maintenir mon, mon ROI. Quoi. Donc euh, généralement, je dirais que si vous, vous commencez le poker, ça sera deux tables. Ensuite, si vous êtes un amateur bien éclairé, ça va être quatre tables. Et si vous êtes un, un, vraiment un joueur chevronné qui jouait souvent, ça va être jusqu'à six, 8, 10 tables. Euh, le, le, le 16 tabling, c'est quand même chaud, il faut vraiment avoir des stratégies extrêmement bien léchées. Combien d'ABI dans, b... dans sa BR tu conseilles Alors, si vous jamais vous avez une stratégie comme moi qui consiste à pas jouer les turbos, vous pouvez avoir, on va dire, euh, sur, les petits b... sur les low stakes, on va dire 150 buy-in, 100 buy-in, et vous... et vous redescendez ensuite la frange haute de vos buy si jamais ça se passe mal, comme je vous ai expliqué au début. Euh... Si vous jouez les turbos, vraiment 300 buy des choses comme ça, parce que ça, c'est vrai que le... les turbos, il y a très peu d'edge déjà, et ça rajoute beaucoup, beaucoup de variance, quoi. Donc euh, je déconseille quand même les turbos au début. Euh, les turbos là vous faites, vous avez 500 euros, faites les 1, 2 euros en fin de session et c'est parfait quoi. Mais commencez pas par en 15, euh, 15 turbos à 5 euros quoi. Quand vous avez 500 euros de bancroll, c'est vraiment pas bon. Ouais ouais, tu penses que jouer tight et un poker abaissé suffisant à 5 euros Oui, parce que en fin de tournoi par contre, on va complètement changer notre fusil d'épaule et là on va jouer beaucoup plus de mains généralement, on va jouer beaucoup plus exploitant etc. On va jouer beaucoup plus agressivement parce que les joueurs vont commencer à se chier dessus généralement et c'est là, là où on fait nos différences. Allez, on va faire 2 trois bêtes ici. Oh, de grands as Si c'est possible, les gars, quand vous êtes sur le chat des tables, de passer sur le chat de Winamax TV. Ce serait cool comme ça. Parce que je ne lis pas le chat des tables, mais par contre, je lis le chat de Winamax TV, YouTube, etc. Donc ça serait, ça serait plus interactif, je pense. On va valer. Allez, on va réaliser ça. C'est la plus mauvaise main que j'aurais ici. Roi 10 off, j'aurais simplement foldé. Notez qu'il y a un joueur de moins à la table. Hein. Si jamais vous êtes vraiment 8 à table ou en live 9 ou 10, là simplement foldé, vous revallez off ITG. Hein. Salut, message, ça fait plaisir. Ok, 7, 8, 10, c'est un board qui est plus pour lui. Ok, Roi 9, 8, par contre, c'est un open, surtout Six Max. Donc on va simplement essayer de réaliser ce qu'on appelle réaliser notre équité. Là il check deux fois par contre, ça m'a l'air d'être quand même un, un assez bon indicateur que je peux miser. Petite parpinette, euh, simplement pour faire des mains comme As2, As3, des choses comme ça. Une paire de deux, une paire de 3, vous la mettez en grande difficulté. Important aussi de regarder là, les gens qui vont systématiquement miser leur paire au turn et qui vont checker quand ils ont soit rien, soit une main très faible, ça vous permettra de mettre la pression, etc. Là il n'y a pas eu de showdown, je ne peux pas en tirer d'enseignement, mais être très attentif surtout si vous avez que 2 3 4 tables ça peut être très intéressant ça peut être très intéressant les gars. en fait c est, c est, je me rends compte que c'est un peu dans aussi quand euh, parce que c'est vrai que c'est tentant quand euh, tu n'as plus beaucoup de tables de te mettre une série et c'est vrai que par exemple même moi je le, je le, moi même je le fais souvent quoi mais le truc, c'est qu'en en fait, auras deux, deux types de joueurs, quoi. Le mec qui va regarder sa série et le mec qui sera à fond, qui va noter tout. Et sur le long terme, ça va faire une différence énorme en termes de, de, de gains et aussi en termes de comment tu fais les choses, quoi. Ça, c'est vrai qu'avec l'âge, bah, j'apprends quand même plus là-dessus. Euh, perte de 2, je vais la relancer ici parce que c'est vrai que ça squeeze moins que ça le devrait. 7 et 3, je vais folder ça. Euh, sur une stable de high stack, je l'aurais limite foldé directement. 2% 14 c'est payé. Et la Terne est un roi malheureusement. N'améliorons pas. Ça va être simplement un fold. J'ai dit ça limp. Et on va miser une blinde sur ce flap hein, classique. Je pense que ça va beaucoup avoir fold. Voilà. Peut-être qu'il y avait simplement euh, 8 et 2. Hein. Enfin, pas 8 et 2 sur des trips, c'est donc. Ok, 5 rois valet Ok, là j'ai pas besoin de bluffer, je pense. Euh, bon, on va essayer de les choper le 2, hein, franchement, pour une blinde, pour un 11ème du pot. Et on va flat ici, à 9. 5-7 de cœur. Vraiment, une main que j'aime bien. Call en position, là, plus de 100 blindes deep. Et là, par contre, je vais commencer à bluffer. Ils, ont... Ils devraient pas avoir trop d'as dans leur range. Hum. C'est vraiment la meilleure carte pour moi ici. Hein. On va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Euh, là. Allez, là Le premier bluff qui passe. On va pas se priver, les gars. On va montrer un petit quand même. Ok. Ça bête sur 3 vallées, Valet 6 avec 2 piques. Table 2. Ah, toujours la même organisation. Table 1 à gauche. Table 2. Voilà, on va simplement passer. Table 3 en bas à gauche et table 4 en bas à droite. Allez, paire de 5. On va relancer. 3 et 4 suite et... On va la folder. On va être bien. Et nous allons c'est bête cette paire de 5. En fait, ici, par exemple, si on avait une main, j'ai envie de vous dire une main qui a moins besoin de protection euh, euh, que cette paire de 5, on pourrait éventuellement checker une main, par exemple, euh, quelle main que Par exemple, on va plus checker A suite que paire de 5, parce que paire de 5, en fait, il y a quasiment tout le temps une overcard qui va tomber, alors qu'avec avec As-suite, pas tout le temps. Par exemple, si vous avez un 7 au turn, ce sera une overcard à la paire de 5, mais pas à votre a suite euh, Donc là, on va simplement c'est bête pour protéger Roi-8. Elle est un tout petit peu trop faible. Là encore, ne vous faites pas chier sur vraiment les bottoms de range. Euh, Ce n'est pas hyper important de savoir si vous openez Roi-8, 8, 8 et G ou pas. Roi-8, 8-T. Ok, 8-9-3, Dame. C'est un adversaire qui a quand même beaucoup de mains fortes ici. Et on va passer notre main. Euh... Ça dépend aussi quand même pas mal de la capacité de notre adversaire à folder. Là, dans le bénéfice, je vais lui laisser le bénéfice du doute parce que quand même, c'est des cartes qui l'améliorent beaucoup, mais… C'est quand même facile de flotte euh, un peu n'importe quoi contre un tiers de pro sur 8-9X, euh, donc euh, vous allez quand même devoir bluff catch pas mal. Euh, Sensei Mila, moi je, je joue depuis un an 5 6 franchement c'est très bien. Là le but c'est pas de devenir milliardaire avec le poker, et ça c'est vraiment, j'insiste là-dessus, le but c'est à minima si vous êtes joueur perdant de faire de vous un joueur break-even sur ses limites. Franchement c'est pas compliqué, c'est juste avoir un peu de structure. Il y a plein de gens par exemple, ils arrivent sur leur session, ils font, bon qu'est-ce qu'il y a à jouer et jouent au hasard, quoi. C'est pas bon, c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir le stream par une étude du lobby. C'est vraiment pas bon de faire ça. Il faut se dire, moi ça m'arrive. Par exemple, je sais que par exemple quand je joue online, c'est on va dire la frange très basse de mes buy-in, Donc je joue. Des fois je joue des tournois où je sais que je vais perdre de l'argent. Par exemple j'arrive au Battle Royale qui est le euros KO, et je le light trade à la dernière minute parce que je vais me faire kiffer une table. Mais je sais que c'est EV moins parce que il y a trop de KO qui sont déjà partis de la nature, et on ne peut pas gagner en faisant ça sur ce tournoi. Même si FILA IV ou je ne sais pas qui, personne ne gagnera en faisant ça. Je le fais parce que dans ma session, je suis en mode, allez, je vais me faire kiffer un petit tournoi et tout, je pas joué depuis longtemps, patati patata. Oh, <laughs> incroyable. C'est un bâtard. Là, je vous apprends une méthode pour maximiser vos gains. Et c'est ça qui est important. Salut Pierre, comment faire si on n'arrive pas à vibrer sur les tournois qu'on devrait normalement jouer en gestion de BR? Je joue trop cher, mais je m'ennuie en 1-2 euros. Là encore une fois, c'est tu dois. Euh, allez, je vais passer, je vais réaliser. Ah, c'est neuf. Minimum. Là encore une fois, c'est tu dois savoir ce que tu veux. Est-ce est que tu joues pour vibrer ou est-ce que tu joues pour gagner de l'argent? Si tu joues pour vibrer et que ça va avec l'aspect financier, déjà, il y a un petit côté qui n'est pas ouf. Ouais, il y a un petit côté qui n'est pas ouf pour moi, c'est que en gros... Normalement, tu dois vraiment jouer avec ta raison et ton cerveau et pas jouer avec ta pulsion de gagner de l'argent et de te mettre en danger financièrement. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Hein. Moi, j'adorais me broquer, et repartir de zéro et après être full bécasse sur les, les 100 balles et tout. C c Mais tu peux pas construire une vraie carrière de poker là-dessus et surtout, tu peux pas construire une réussite financière comme ça. Ça, ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas un mec qui te dit, il n'y a pas un mec qui a monté de l'argent qui t'a dit, fais tapis sur cette affaire, ça, va, c est, c est, c est, ça marche pas comme ça. Il y a des questions de gérer le risque. Il y a des questions de gérer son capital et de, maxi et de maximiser ses investissements, en fait. As-9, non, je vais réaliser à partir de as 18 et j'ai en bas à droite, là, c'est important. Ouais, j'ai souvent entendu dire qu'il ne fallait pas hésiter à miser très fort en value à ses limites. Conseil OK pour toi Ça dépend. Ça dépend sur quel board. Si tu as carré d'As sur As-As de rainbow, euh, ne mise pas quatre fois le pot, quoi. Tu vois ce que je veux dire Si tu as par exemple Brolanda sur As dame 9 et que tu sais que le mec a priori te colle n'importe quelle paire, n'importe quel tirage, là tu peux bombarder, ça s'appelle le style de jeu exploitant. Il faut faire attention. Si vous montez de limite et que vous misez cher sur un board AsDam 9 quand vous avez et petit quand vous n'avez pas, ça va causer des problèmes d'équilibre. C'est-à-dire que le mec qui le sait, il va dire Ah là, il mise cher, je vais foller directement madame Ah la il mise petit, je vais relancer avec Valet 8 pour ma gutshot. Voilà. Donc, voilà. Salut charcounette Ah bah ben voilà, ici on lit c'est mieux quand même. Oh Deux as craqués par Asrois. Terrible. Non, pas de péter Barcelone parce que j'avais vraiment envie de, de refaire un. Ça fait chier d'un mallet de hein. cœur. J'avais envie de refaire un de ces, un de ces challenges. Euh... J ai, j ai eu, je ne vous cache pas que j'ai eu des périodes très très difficiles. Euh... Euh, à Vegas, ça s'est pas bien passé du tout. J'ai perdu pas mal, enfin pas énormément perdu du coup, mais j'ai perdu quand même pas mal d'argent. Euh, ça a été vraiment dur. Euh... Ok, on va checker. Et surtout, bah j'ai été t'es quand même coupé du grind online. T'es quand même coupé d'un peu tout. Euh... T'es quand même coupé d'un petit peu tout. Euh... Pendant longtemps quoi, t es coupé de, de l'Europe, tu es coupé de chez toi, t'es coupé de ta famille, t'es coupé de tes amis, c'est pas si évident quoi. Ok là il fait tout petit, donc là on a un call facile, il dit que c'est Et donc là j'avais vraiment envie de renouer un peu avec, euh, avec euh, le streaming, un peu avec euh, euh, échanger avec vous... Euh... Euh, et, euh, et ouais, réavoir, euh, ré beaucoup de fun parce que pour moi, ça c'est beaucoup de fun. On me dit souvent, mais comment tu fais pour repartir sur les petites limites Une des plus grandes émotions de ma carrière, c'est quand j'avais gagné ce tournoi pour euh, sur le, le sur la, la première euh, la première partie du, du challenge quand j'avais gagné ce tournoi où ça m'avait cagoulé complet. C'était dire, c'était dur et je vais gagner ce challenge et ça c'était incroyable, c'était incroyable. Ok, allez, au-dessus de 40 big blind, on va faire 2.5, N'oubliez pas. À partir de 42.2 et ensuite raise quand tu sera plus short. Oui, les replays de session seront disponibles sur Twitch et YouTube. Valet 8. Ok, pas de raison de miser le turn. Euh, ils ont plein d'as de leur range. Euh, on a de la showdown de value avec notre tweet et notre, et notre ventral. Euh, on n'a pas besoin de trop de protection non plus. Donc, on euh, va checker. Là par contre River... Si on bluffe, ça serait pour faire folder une dame. Je vois pas trop l'intérêt honnêtement. Il va pas miser une dame lui-même. Ça veut dire qu'il est très polarisé. Je vois pas bluffer dans deux joueurs. Allez, c'est un fold. Euh, du coup, un choix de ne pas lancer de chaos Au pur hasard, on va se laisser le petit sud versus le reste du monde. Euh, non, en fait, c'est que je voulais privilégier les Hold M 180 max. Parce qu'en en fait, il y a peu de variance là-dessus. J'aurais dû d'ailleurs peut-être lancer celui-ci. Tac, tac, 137 joueurs. Mm -mm, 14 niveaux d'enregistrement. Ouais, 400, 800, c'est un peu short quand même. 20 blindes pour un 5 euros, donc je ne vais pas le faire. Mais... Là, je veux simplement montrer que ces tournois-là sont les meilleurs. Parce que même si ça atteint le cap, c'est-à-dire que c'est un tournoi très demandé, vous n'aurez que 180, 179 joueurs à battre pour, euh, pour accrocher une gagne. Et ça, c'est quand, quand même hyper cool. Là, j'aurais bien aimé qu'il y ait un carreau, mais on va quand même bluffer. Je pense que hors position, ça va plutôt overfold que assez tranquille je pense que là s'il si a une main comme Valé dame il va foller directement par exemple donc c'est quand même pas mal j'ai une ventrale et si il me raise j'ai vraiment pas d'équité donc je peux simplement tout folder ma main et je vais la remise au turn ça je vous le dis tout de suite c'est plutôt une bonne carte pour moi Je crois que c'est mon recours. Je vais devoir quand même bluffer parce qu'il y a quand même des mains qui vont. Là, c'est pas bon pour moi. J'ai vraiment R. Euh, je bloque 9 et 10. Je bloque 10 Valet. J'ai vraiment R. Il a quand même pas mal les ça. Ouais. Ok, parfait. Je doute que ça aurait marché. Je pense pas que ça aurait marché. Mais euh, j'aime bien, bien mon plan. Et ça nous a pas coûté trop cher. Là, les questions, c'est est-ce qu'il fallait bluffer la rivière Et c'est vrai que la question est assez peu claire. Euh, sur ces limites là, d'ailleurs vous pouvez m'aider, vous qui les jouez souvent, est-ce que vous pensez que notre adversaire là, dans ce coup typique, va, va plutôt trop call cool, ou va plutôt trop fold As-Valet, non, nous n'avons pas touché. Attends, je vais mettre un peu, non j'ai pas de gel, j'ai pas de gel. La coiffure ça va. Ça va, je vais, je vais aller chez le, ah bah tiens, coiffeur dès demain. Valet 9, multi-way là par exemple, c'est des erreurs que je faisais mais il faut absolument pas défendre. C'est moi qui est trop dominé. Surtout euh, 50 deep comme ça à la limite si on est très deep On peut simplement les, y aller pour aller flopper euh, Les nets ou rien Si si le sud Là en fait la les gars je suis capé parce que je peux faire que 4 tables Dès que je bosse le sud Je, je le lance avec plaisir ouais. Et ce qui est cool, c'est que là, regardez, on joue pas de turbo. Regardez, quand on a le temps de développer un peu de poker, un peu de kiffer, un, un peu de, de. On en a pour son argent, quoi. Et on peut développer des pokers un petit peu plus deep, quoi. Donc ça, c'est assez cool. <laughs> Moi, j'ai trois assassins différents. Une bébé pote ou au lit, au moins, c'est ça. <laughs> c'est une bonne technique. Ok, roi dame. Là, c'est des spots intéressants. Par exemple, si c'était par exemple contre un joueur qui avait raise euh, en early euh, full ring, c'est une main qu'on aurait plutôt tendance à 3 bet ou call ici contre cut off, Je vais plutôt la coller parce que je veux garder les mains dominées. Je veux garder les mains dominées des blindes aussi. Donc ça, c'est plein de petits ajustements que qu'il faut apprendre. C'est pas c'est pas c'est pas une main qu'on va choisir en bluff à chaque fois. Euh, là, as 9, ouais. UTG plus de c'est bon, on va raiser. Ok, parfait. Et là, avec un SPR. Aussi petit c'est une main avec laquelle on va broquin. Euh, S'il a mieux, bravo à lui. On a de la valeur contre pas mal de mains. Et surtout c'est contre une range du cut-off. Donc euh, qui devrait contenir pas mal de dames dominées, des 10, des R. Et la terre n'est pas mal pour overbet shove, hein, je pense. Ouais, c'est vraiment pas mal pour overbet shove. Euh, on a plein de draws. Allez, c'est le premier gros coup de la journée. Allez, colle-moi ton 10. Allez, colle moi ton AS10. Et si tu suck out, ça va lancer le challenge. On peut vraiment avoir un tirage à pic ou un carreau ici, donc ce qui fait que il va plutôt... Je pense avoir tendance à call que foldé. 7-9-8. C'est un petit peu trop faible. J'aurais rayé 7-8-8, 8-9-8. Allez Bien foldé. Mais un pot qui nous permet de repasser au-dessus de la moyenne. Salut Falcon Steven oui, bien sûr qu'on se croise euh, à Bratislava, mon yaqué, bien sûr. J'ai trois fois l'average, un gars aussi stacké que moi fait tapis avec des merguez quasiment toute l'année. Je fais quoi avec mon s queen sous-titre Merci, de fou. Alors, il faut, il y a plusieurs trois, trois fois l'average. Par exemple, là, tu vois, il faut que tu sois plus précis. Est-ce que c'est trois fois l'average à 30 left d'un EPT Ou est-ce que c'est trois fois l'average premier niveau du Sud versus le reste du monde où, il... où tu couvres le mec qui a un KO tu vois, c'est complètement différent. Donc là, il faut vraiment être précis. si Vous avez des questions comme ça. Soyez précis parce qu'en plus, plus vous êtes précis, plus ça montre à quel point vous avez une compréhension du jeu. En fait, ça c'est hyper important. c'est un tout petit peu trop faible. Il y a trop de gens qui me disent, par exemple, putain, j'ai As-Roi, est-ce que je colle tapis Bah, j'en sais rien. Euh, est-ce que c'est premier niveau d'un de sur sur 500, le mec te fait tapis 3000, 30 c'est une barre Bah non, tu fold. Ou est-ce que c'est 20 blind deep euh, Oui, là tu vas coller effectivement. Ouh, salut Pierre, où c'est c'est au poker? Au vrai autour de Paris, budget tight. Euh, je pense que Pierre Charon, mais j'avoue que je suis très peu à Paris donc euh... Euh, 5 et 10, non? Un fold à 3 contre Royal Gambas. Ouais. Simplement passer. Ça aurait été intéressant de voir si c'est mieux de limper ou raiser sur ses limites. Est-ce que ça va trop folder sur un raise Est-ce que ça va trop coller sur un raise Trop être agressif Je pense que ça va trop folder a priori. Donc euh, on peut quand même raiser un peu la small blind avec des bloqueurs par exemple. qui Roi suité, ça, ça sent bon. Ça, c'est des mains qu'on aime. Et donc là, moins de 30 blindes deep. On va faire 2,2. Et si on était moins de 25 effectifs, on est simplement mineriser. Ok, roi suite on va la jouer tranquille. Euh... Flop, la middle pair. Un flop descend. Pas ne plus le meilleur. Il a quand même beaucoup d'as, mais on bat aussi pas mal de mains. On va recheck le turn et bomber la rivière si jamais on est collé. Ok, là, on va 3 bêtes et foldé sur un 4 -bet. Et là, on va miser assez cher. Euh, sachant que nous avons la meilleure main extrêmement souvent, il a souvent une paire de 10, une paire de valets ici, euh, une paire de dames. Oh Oh, une paire d'as, hein Est-ce qu'il n'aurait pas une paire d'as, ce coquin euh, Je ne vois pas du tout de... pourquoi est-ce qu'il blufferait comme ça. Tout simplement passer. Et si jamais il bluffait, bien joué à lui, mais j'ai pas beaucoup vu de lignes comme ça. Je pense que ça ressemble plutôt à une main comme paire d'as ou euh, une paire de 8 qui aurait décidé de checker deux fois. Ok, on va simplement coller cette paire de 9. On a un très 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 mauvais flop là, et une très très mauvaise turn aussi avec notre As-Dame, on a vraiment rien touché putain. C'est bon, checké. Ok, 7, 8, 9, 10. Je vois pas comment il peut avoir un Valet ici. J'ai une main que je dois bluffer de sûr. Truc, est, est -ce que c'est est-ce que j'ai beaucoup de valets 18 dissuité. Et... Ouais, ça va être un peu cher. Je préfère utiliser mes jetons autrement. Putain, j'aimerais valer. J'ai plein de mains quand même qui contiennent un valet. Ouais, je vais être obligé quand même. Ouais, je check. Oh là là, putain, je pense que ça aurait marché contre cette paire de 5. Peut-être un peu weak là, mais j'ai pas envie de bluffer pour mon tapis. Je vais devoir le faire quand même à, à certains moments parce que sinon je vais être trop lisible. Mais... Ok, ici parfait, paire de 2, une... un spot qui était parfait puisque nous avions que 4 blindes à mettre. Et là, on va la jouer passivement. Ça oh, ressemble quand même à comme As -Dame. Ouais, je vais simplement check. Et là, 4 et 5, là vous voyez que là il faut absolument qu'il bluffe. Hein. Okay. Hyper important. Ok, voilà, donc là, ce c'est pas, pas important de mettre le, le, le board exactement précis. L'idée, c'est d'avoir une idée de ce qui s'est passé. Salut l'ami, quand on dit 3 bets, c'est miser 3 fois le pot. Bien évidemment, si vous avez des questions sur euh, le, le lexique du poker, n'hésitez pas. Vraiment, si vous êtes débutant, c'est un stream qui est fait pour vous. Dans 3 bets, c'est simplement une surrelance pré-flop, c'est-à-dire un raise et non une surrelance, quel que soit le montant. Après, le 3-bet, il y aura des 3-bet en value, c'est-à-dire des 3-bet avec une très bonne main, et des 3-bet light, c'est-à-dire des 3-bet avec une mauvaise main en bluff. Voilà, vous savez tout. SPR, c'est euh, le rapport entre le, la taille du pot et le tapis restant. Mettons que, le tapis, que votre tapis soit de 10 000 et que le pot fasse 10 000 à la rivière. Vous avez un SPR de 1. Oula, cette paire de rois elle, elle est assez en danger quand même. Et la terne est superbe. Si check, on va bomber là par contre. Donc protection. Là. Ça le fait checker. Je ne vois pas foller quand même tout de suite là. C'est chaud. Euh, J'ai pas du tout une belle rivière. Je vais passer. Il ne m'a pas montré. Et c'est l'heure de la première pause. Je vous dis rendez-vous dans 6 minutes. Allez, c'est reparti pour la deuxième heure de jeu. Bonne nouvelle, nous n'avons bust d'aucune table pour l'instant. Mauvaise nouvelle, nous n'avons doublé à peu près nulle part. Mais ça, on est toujours très très bien. Et c'est reparti. D'ailleurs, dans une heure, il y aura le retour. Et ça, c'est aussi un truc qui, pour moi, est vraiment utile. C'est ouvrir à chaque session votre bloc-notes. Et euh, vous, tout simplement vous euh, notez les points positifs et les points négatifs de chaque session. Si vous avez une main qui vous a posé problème aussi, ben vous, vous, euh, vous euh, simplement la notez quelque part et essayez de la résoudre avec soit des amis que vous estimez bons au poker, soit euh, à l'aide de solvers, soit euh, en posant sur des, la question sur des forums, des choses comme ça. Mais c'est comme ça que l'on progresse. Là, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé et je voudrais revenir sur un truc là-dessus, c'est que par exemple cette as-dame, bah, franchement j'aurais dû bluffer, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit putain si jamais je le bluffe et que je bust sur ce coup-là, euh, peut-être que les gens ne seront pas contents, etc. Et c'est euh, un truc que je voulais euh, dont, dont je voulais vous parler. C'est vrai que si vous avez regardé le, le, la série de vlog Le Vegas Fou, et ben en fait il y a eu un spot où euh, bah, j'avais dit que j'avais as-roi alors qu'en vérité j'avais un bluff. Et euh, si je regarde bien, en fait, j'ai fait exactement la même chose. C'est que en fait, je voulais simplement éviter d'être jugé dans un moment où c'était vraiment ultra, ultra dur, en fait, où j'arrêtais pas de perdre, pas de perdre, pas de perdre. En plus, est... enfin, j'étais hyper médiatisé avec les vlogs, etc. On faisait beaucoup, beaucoup de vues. Et c'est vrai que, en fait, j'ai flippé, quoi, tout simplement. Et c'est pas du tout la bonne attitude. La bonne attitude, c'est déjà, il faut avoir la force de conviction sur ses plaies. Donc là, par exemple, la force de conviction de, mon... de mes plaies, c'est que je vais shove. Il faut avoir la force de conviction de ses plaies, même si tu es jugé et qu'il y a des gens qui sont pas contents. Et ben c'est pas grave. Et surtout tu restes fidèle à toi-même et droit dans tes bottes. Quoi euh, Là cette paire de valets. Putain je vais la folder. Un peu sick mais bon euh, Là ouais ça c'est moi je vais réaliser à ce neuf parce qu'il y a un joueur en moins. Et euh, allez quelle folle Quelle folle Yes Ou le 9 Et euh, voilà et ça c'est vraiment c'est vraiment vraiment. Euh, vraiment euh, important euh, et, euh, et euh, c'est pour ça que je m'excuse vraiment de, de, ce, de cette connerie que j'ai faite et euh, voilà j'espère que vous que vous ne m'en tiendrez pas euh, rigueur c'était vraiment simplement de la peur et, euh, et du manque de confiance en soi et vraiment euh, et vraiment, euh, vraiment j'en suis vraiment vraiment désolé il euh, y aura bien évidemment le dernier épisode qui sera dingue sur euh, le 1006 000 max euh, mon seul deep run des WSOP il y, aura, il y aura des pots de mutants vraiment des pots de mutants peut affolé ça fait un peu beaucoup de V, ça et, euh, et euh, voilà j'espère et en plus il y aura vous savez cet épisode qui était complètement dingue où vous savez que Vegas alors qu'on jouait le 10 max qu'on était déjà itm euh, il y a eu cette alerte euh, au tireur fou il y a un mouvement de panique qui était énorme et euh, voilà il y a eu cet épisode où euh, ben Franchement, j'étais caché dans les cuisines, dans les plafonds. Enfin, c'était n'importe quoi. J'avais la main toute ouverte, j'avais du sang partout parce que dans la panique, j'en ai foutu partout. C'était vraiment dingue et, euh, et c'était un épisode un peu. Le, enfin, c'était un Vegas le plus incroyable. Déjà, je m'étais fait piquer mon sac à dos. J'avais l'impression que c'était euh, c'était irréel. Euh, et en fait, c'est aller crescendo à chaque fois, quoi. Et, euh, et euh, c'était très difficile. Et je crois qu'en fait, il faut garder la, la confiance, quoi. Il faut garder la confiance et euh... Ouh, très bon flop Et, euh, et trust euh, bah, le fait que... Là je réalise quand même. Que si on fait les choses sérieusement, bien, et bien de bonnes choses vont arriver. C'est assez catastrophique pour moi, mais bon, je suis quand même un peu obligé de le barrel avec l'écoutille euh, C'est une main qu'on va pas barreler la rivière bien évidemment. C'est une des plus mauvaises mains, puisqu'on bloque les bluffs adverses. Là, ce qu'on voulait faire folder, c'est une main comme Roi dame par exemple, au turn. On euh, va simplement foller la rivière. S'il la bluffe avec 5 et 6, j'en sais rien. Bien joué à lui. Tapis. Voilà, je peux pas coller, je, je le soupçonne d'avoir rien, mais bon. L'auteur neuf. C'est vrai que ça c'est des plaies qu'on voit pas trop en, en limite supérieure, ça. Ces plaies-là. Donc ça, ça je peux dire que déjà que c'est pas un très bon joueur, je pense. Hein, parce que là, il aurait dû checker toute sa range à la rivière. <laughs> Donc voilà, et ce qu'on peut faire, je me disais, c'est peut-être d'étudier une range par session. Est-ce que ça vous dirait ça Par bah, exemple, demain, on fait la range UTG et on la décortique ensemble selon les, selon, les, selon les profondeurs et voir quelle main on va réaliser UTG selon les différentes profondeurs. Bon, je vous, je, je vous dis tout de suite, c'est la plus facile parce que c'est celle en on joue le moins de mains jusqu'au bouton où là, ça va prendre deux, trois sessions parce que c'est vraiment extrêmement compliqué. Ça peut être sympa. Est-ce que ça vous dirait qu'on… Qu qu'on se fasse ça pendant peut-être 10 minutes, 20 minutes, chaque... peut-être avant chaque session. Un petit, un petit point technique sur on définit une range ou on définit un point du jeu. Et, euh... et voilà, ça peut être. Pourquoi pas, c'est cool. Allez, 7-8 de trèfle, ça, c'est une main qu'on va C'est pas non plus la panacée parce qu'il y a un ça qui peut nourrir Shove et là, ça sera assez catastrophique. Ah, mais bon, c'est quand même une main qui est trop folle pour être open folle que cut-off. Alors, c'est pas Tony Chan, hein, c'est Johnny Chan, Faisal. Tony Chan et le cousin de Johnny Chan qui joue au tennis. Allez, les gars, ça passe. Allez! Allez, une petite première. Là, on a perdu notre premium aussi. Hein. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage qu'on ait perdu notre premium. Oubliez pas, hein, je suis sur tous les chats. Franchement, bombardé de questions, les gars. C'est parti. Normalement, je devrais pas je devrais pas perdre dedans cette année. On voilà, perdre cette paire de 8. Un bon setup. Ils peuvent rien faire, les deux. Enfin. La paire de 7 ne peut rien faire, elle doit y aller. Ça aussi, c'est une des écoles, enfin, euh, des... un truc de la vie aussi, c'est que. Bah, parfois, tu prends la bonne décision, enfin, la bonne la décision qui est, par... est parfaite, entre guillemets. Là, il avait moins de 10 blindes, paire de 7, fallait y aller contre un open au bouton, et après, il y a eu le pire résultat possible. Ok, là, on a un spare qui est un tout petit peu trop gros euh, pour que je checkerai cette tasse. Je vais simplement check call. Je me vois mal passer, par contre, hein. après, de rivière Pff. Parfait, elle est superbe cette carte. On a un miss flash draw en plus qui nous permet de pourquoi pas avoir des bluffs dans notre range. Euh, non, pas de 2PT Barcelone. J'avais envie de vraiment partager cette aventure avec vous. C'était un truc qui me manquait de faire des streamings longs plutôt que de faire. Parce qu en fait, j'avais remarqué que quand même les streamings étaient pas hyper structurés, donc c'est un peu chiant. C'est à dire que tu venais. Je vais check back ça, ce flash draw. Donc tu viens, tu fais ton stream et après euh, ben, il se passe rien pendant... Ok j'ai bluffé la rivière par contre bien sûr. Après il se passe rien pendant deux mois. En fait c'est des sessions de streaming où tout tu... le monde oublie un petit peu finalement. Et euh, la période 3GFLD... Ouh top tout, ça c'est sympathique. Et euh, j'adore ces streams suivis, en fait, où il y a une aventure qui se crée, où il y a des émotions qui se créent, et, euh, et c'est voilà, hyper important pour, pour moi de les faire. Je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça beaucoup plus fun, en fait, à, à faire et à regarder, etc. Euh, J'aurais aimé avoir plus de streaming comme ça, qui soit vraiment, en fait, euh, où tous les soirs, tu peux te dire, où tous les soirs, tous les jours, tu as ton replay qui arrive après le boulot, et tu peux te faire un peu de, de poker et, et prendre des petits conseils par-ci, par-là. On va essayer de faire un beau bloc-notes pour que ça, par contre, des conseils un peu… Euh... Euh, pour avoir des conseils qui restent à l'écrit que vous voyez un peu fixé comme ça. Donc par exemple, là le fait de... Euh, par exemple, là je me disais, bah là il aurait fallu avoir le courage de bluffer. Bah. Et le courage si tu penses que c'est bon techniquement de le faire, putain. Ok. De cinq. Euh, paire de 5. Paire de 10, pardon. On va à gauche, une main avec laquelle on va go bro qui perd souvent. J'étais content de faire d'avoir fait de folder ma paire de valet, il était incroyable. C'était un beau fold. Salut Pierre, pourquoi peux-tu euh, nous dire pourquoi ne peut on plus jouer en mode paysage sur l'application et pourquoi ce choix de la part de vous Je t'avoue que je n'ai aucune idée. 5 6 valet, intéressant. Est-ce que je dois check ou est-ce que je dois bet J'ai plutôt choisi la check back, celle-ci, j'ai vraiment pas envie de me faire check raise à cette profondeur. Et c'est une main qui a moins besoin de protection qu'une main comme par exemple paire de 2. Une autre règle, c'est là notez la bien, ça c'est table 2, on a pu voir ça. On peut voir ça à chaque fois, c'est que quand il y a des short stacks derrière vous ou quand vous êtes vous-même short stack, on préfère de beaucoup beaucoup. ça euh... passer. On préfère de beaucoup 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 euh... raise des bloqueurs, d'une main comme A5 dépareillée plutôt qu'une main comme 5-6 suité ou 7-8 suité. Ce qui est pas vrai quand on est profond, simplement parce qu'avec A5 dépareillé, on va bloquer les ranges de rich adverse. c'est-à-dire que quand on a A5, c'est moins probable que notre adversaire ait As-Valet. As Dame As Roi etc et qui puissent nous faire tapis et nous voler notre équité Est-ce que j'ai retrouvé mon sac à dos Bah ben non 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 ils ont des... c'était horrible donc ça encore c'était je croyais que c'était le truc le plus fou qui me soit arrivé dans les vlogs et en fait non euh... euh, c'était euh, euh... un mec m'a volé mon sac à dos alors que je jouais à table et donc après, on va prendre les caméras on allait voir les caméras on le voit en train de voler mon sac à dos de se casser et tu peux rien faire en fait. Il faut attendre que le mec revienne dans, un, dans une des propriétés du César, du César pour le choper et il n'est pas revenu ces jours. Donc du coup mon sac à dos c'était adios. Et C'était hyper chiant parce que j'avais ma carte d'identité, j'avais des milliers de dollars et d'euros en cash. Euh, c'était déjà difficile, j'avais mes lunettes aussi, ce qui m'a forcé à porter les lentilles tout le temps. C'était chiant. Oula Jean est là. On peut floper de ta paire dans un peu trop bête ou c'est impossible Ouais, J'ai quand même un bord qui m'avantage beaucoup, beaucoup. On va le miser et on pourra faire tapis sur un trèfle. Euh, S'il me fait tapis, c'est pas grave, on va simplement passer. Oh, la dame, elle est belle Oh, mon Dieu Que tout est es belle, ma amour de ma vida Ok. 2-5-6, il a check-call. On a l'as de trèfle, donc c'est moins probable qu'il ait un flush draw. S'il a, de toute façon, une main comme d'avaler de trèfle, on n'a pas besoin de... Il va mettre tout à la rivière, il va coller all-in à la rivière si jamais je check. Donc là c'est très intéressant de checker. Protection. La rivière, as un roi de trèfle, complètement une random carte. Ouais, je vais call, je peux je peux pas faire autrement là. Voilà, il a R. Waouh. Putain, il m'a call quoi. Waouh. Qu'est-ce qu'il a fait? Waouh, waouh, waouh. Wow. Putain, et ça c'est vraiment des plays qui sont typiques des low limit qu'on voit plus sur les c'est bluff. ok j'ai raise 10 GG 3b3. Donc là déjà c'est très très mauvais. Il est trop dominé par les deux range Check checko board avec R et bluff River. Donc là, et là, on a vraiment pris la, la décision parfaite, puisqu'on a checké le turn. Là, il aurait foldé si on avait fait tapis. Et on l'a bluff catch correctement, même sur une des cartes qui paraissait les pires pour nous. Donc euh, vraiment, là, c'était vraiment une main qui était menée parfaitement sur les low stakes. Alors que si c'était sur des high stakes, ou les ranges sont un petit peu différentes. On aurait dû faire tapis au turn pour balancer notre range, parce qu'on aurait beaucoup bluffé sur cette turn, etc. Donc on a besoin de faire tapis avec des top pairs. Euh, Quoique, on aurait pu également la checker. Temps, mais... Bref, vous avez compris que là, on a vraiment eu un read qui était top. Donc là, je suis très content de ce coup-là. Et là, lui, il a fait vraiment une main... Une main qui était catastrophique, quoi. Parce qu'il a quand même check-call As-10 sur 6-5-2 sans trèfle, quoi. Et ça, c'est vraiment, les gars, vraiment pas bueno du tout. Allez, as trois table 1, on est un peu en danger. Ce serait bien de trouver un petit double-up, là. Ça joue propre. Pierre, as-tu vu le dernier épisode de un pronom je ne l'ai pas vu, mais ça m'a l'air standard. Hein. Ça, c'est encore des plays qui sont très peu compris par le grand public, mais ce sont des plays qui sont assez standards. Vous allez voir dans le prochain vlog, il y aura un play comme ça avec 8-8 contre Oh là là Et là, on y est, les gars. On y est. C'est un gros buy là. Il faudrait que ça tienne. Le Roi-Dame, c'est un petit peu ambitieux de sa part. Et let's go, ça tient sur cette as, est-ce que je peux folder Non, je peux pas folder tout de suite. Oh là là, je fais deux paires, ça c'est beau. On va check raise la rivière, hein, probablement. Mais c'est pas cher. Ouais. On va simplement la check raise celle-ci. Je ne la vois pas folder à 3 du tout. Il a comme as 10, ça se valait sur ces petits buy Donc, Je vais envoyer un énorme parpaing. Allez les gars, allez, allez Et vous voyez qu'on a le value là c'est si jamais il nous chauve, enfin qu'on fold par exemple, ou si jamais il nous colle avec deux paires, oui ça va arriver de temps en temps, mais songez à toutes les fois, où vous avez fait full value avec vos deux paires. C'est hyper important d'aller de, de, chercher de la value, les mecs. Allez, là, parfait, le 9 et 2 qui passe. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal, les gars. Ça se passe pas mal, les gars. Ça se passe pas mal. Salut Pierre, très bonne idée les chances sur les ranges de départ. Pourrais-tu rappeler les outils utilisés, tableaux, etc. Alors vous avez pas mal de, de, de ce qu'on appelle les rangers pré-flop pour, euh, euh, pour, les, pour les créer. Mais sinon en fait, euh, par exemple, si vous regardez souvent les top of the pack ou des euh, choses comme ça, vous allez avoir une bonne idée de quel range quel range relancer. Euh, moi ce que je veux, c'est pas que vous soyez très très extrêmement précis. Ce que je veux, c'est que en fait. Jouez un peu plus tight que ce que les, les solvers vous vont dire, c'est à dire qu'on va supprimer certains bottons de range par exemple, euh, raiser roi 8 suité ou euh, euh, utg full ring. Ça m'a pas l'air très intéressant sur ce type de buy-in. Autant folder ces mains et jouer un peu plus de tables parce que du coup on aura plus de temps de cerveau disponible pour les autres tables. Euh. Euh, par contre être savoir que par exemple as suite off c'est tout le temps un fold UTG à part si on a 6 blindes par exemple des choses comme ça bien ça c'est hyper important parce que c'est pas évident pour le joueur qui arrive il se dit As-8 c'est une bonne main tu vois savoir que Dame-10 c'est une main un peu pourrie dans la plupart des cas ça c'est bien évident quelle main 3 bêtes avec quelle main coller 3 bêtes etc là on a vu que le As-10 off qu'on a vu tout à l'heure bah ça lui a coûté tout son tournoi mais pour rien Salut Pierre, tu as des infos sur les fonctionnements du Mystery Main J'avoue que euh, je vais euh, m'y pencher. Mais là, j'ai pas trop vu. J'imagine que ce sera comme en live. ce que ça sera. Ouh, j'aurais peut-être pu donc bête, ça limite. Mais j'ai pas de carreau en main. Donc bon. On va quand même se calmer. Ok, là par contre. Je crois que c'est vraiment pas mal à donc avec un peu tout là. Je vois vraiment mal avoir une porte-main. Allez, d'avaler, ça passe. Au calme, les gars! Il y a tout qui passe là. C'est vraiment assez cool. C'est vraiment un début de session assez sympa. Ça fait plaisir. Ça joue propre. Et là, l'hyper importance de ne pas jouer les, les petits jeux. Je pense que sur le, le Mystery Man Event, ça sera à partir de Day 2. En fait, il y aura des, des bounties qui seront random, tout simplement. Ok, pour ceux qui prennent des notes. Un truc qui est important, c'est d'étudier le... comment est-ce que les joueurs se comportent en blind sur ces... sur ces low limits. C'est hyper important, hyper important de voir les joueurs qui fold toutes les small blinds ou qui call, euh, je sais pas, damcis six off de small blinds. Ça arrive aussi pas mal hein, d'avoir des joueurs comme ça, des ozos comme je les appelle, de voir les ranges de rechauffe, C'est hyper important, hyper hyper important. Allez, à off, on va lui donner le bénéfice du doute. Ouais, Mathéo, comment euh, digérer un bad beat Il y a un truc qui est hyper important, mais ça, je crois que ça vaut dans toute la vie. Dans toute la vie, c'est que généralement, si tu es sujet. Alors, si, si jamais tu à... si as du... des problèmes à digérer les bad beats, j'imagine que ça veut dire que tu as des problèmes de colère ou de gestion des émotions. Sinon, tu n'auras aucun problème. Et ça, une recette que j'ai appliquée dans pas mal de domaines de ma vie, mais c'est pas que au poker, hein, c'est dans tous les domaines. Par exemple, quand te, tu t'engueules avec ta meuf ou quand tu t'engueules avec tes potes, c'est de jamais réagir à chaud. Donc là, par exemple, ça serait de ne pas jouer à chaud une tonne de table. Par exemple, si tu joues en live, prends 5 minutes. Si tu out ton table, t'en fous, tu vas perdre une blinde, tu t'en fous. Tu respires, deep, grande respiration, et tu reviens et tu de te calmer. Tu essaies de te calmer comme ça, tu prends un grand molder. Là, on va simplement chauffer cette paire de 7. Ça peut être notre premier bust, mais on n'aura aucun regret si tel était le cas. Aïe 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 et on se fait instantanément catch et ça peut être notre premier posto. Bon, ça serait... Malheureusement comme ça, et malheureusement c'est... Oh 2550, on a 20 000. Bah oui on va se réinscrire sur celui-là, il est parfait. Hein. Allez, on va se faire un petit six max, non. On va se faire un petit six max. Ça va être plus sympa. Parce que là, on a quand même beaucoup de full ring. c'est vrai que. Le cocktail. Allez, un petit sud versus le reste du monde. C'est parti vous l'avez voulu, vous l'avez eu! Un suite versus les restes du monde qui s'est. Voilà, parfait, qui s'est lancé. À l'instant. 5-6 <coughs> suité. On va pas relancer, c'est. En late game, par exemple, si on avait un gros stack dominant, on l'aurait lancé, mais pas là. Allez, on va enlever le thème quand même parce que ça fait trop de En fait si vous jamais vous voulez multi-tabler c'est vrai que c'est important aussi de c'est important quand même d'avoir des codes couleurs qui soient un peu proches euh, c'est vrai que là le, le truc beige là c'est vrai qu'il est un petit peu agressif quoi on va raiser 38 à part si je serais une table d'excité et si j'avais eu moins de 10 blindes, j'aurais simplement chauve Ouh, le setup de l'espace, allez, ça prend les blindes tranquillou. À suite, contre un 2.5 qui je vais simplement passer, c'est une main qui aurait pu être intéressante à trois bêtes éventuellement. Que pense-tu des expresso? Ben, c'est un tournoi. C'est un format qui est un, très intéressant, mais évidemment, mais c'est pas le format que je maîtrise le mieux. C'est un format qui est très mathématiquement euh, euh, résolu. il faut beaucoup étudier euh, la mathématique du jeu, beaucoup de par cœur. C'est vrai que je trouve ça moins intéressant forcément que le. Là, on va réaliser, réaliser notre équité, bien évidemment. Turn est pas mal, hein. est pas mal quand même. Je vais checker ça, c'est souvent ouais, j'ai quand même. J'ai quelques 6 dans mon range des as. S'il faut une main comme valet 10, c'est nickel pour moi donc. Allez, ça se passe bien. Est-ce que le cinéma m'intéresse euh, Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, Faisal, mon père notamment et mon beau-père était enfin son féru de cinéma. J'ai grandi avec quelques classiques, de Fellini, de Cocteau, des choses comme ça mais c'était une autre vie. Merci Seb le breton. Est-ce que c'est toi Ragnar le breton Ok, alors là, sur le sud versus le reste, on a un spot cool, en fait de call hein, tout simplement. Hein. On a des bonnes odds, on a une bonne main. Si Q de Pool nous re-raise, on va simplement folder et c'est tranquille. 9-4-4, pas les noix là. Hein. Pas les noix du tout. On a pas... On a quelques cas dans notre terme, mais on ne va pas s'embarquer dans un bluff forway truc Que j'aurais fait plus jeune, mais plus maintenant. Oh là là, c'est magnifique! Putain, ils sont oh catastrophiques. Sont plaît là. Alors, cette pour qui a flat de la small blind et qui a pote. Catway là, c'est vraiment pas bon. Oh là là, il est Oh Oh! Oh là là, les gars. 4-4-9. Hein. Allez là, corse c'est pas le bord exact mais vous comprenez le... le délire. Il doit avoir 8 et 2 là, off je pense. Donc là chez de euh, 0 range de fall. Hein. Ouh perdre Putain, si le Yann, c'est beau. Allez, gagne-le, gagne-le. Oui Alors là il m'en fout de partout, Ced. Ced mon Ced. En plus, tu as deux bounty. Mon petit Ced, tu mérites ton ta pastille rouge foncé. Ça c'est la, ba... la pastille des déglingués, ça. Euh, ça, je dois shove chauve euh, valider suité pour 12 blindes, simplement parce que normalement ça ne va pas se faire folder des rois-valets, etc. derrière. Donc euh, c'est vrai que c'est pas mal à shove comme main plutôt que call. Et là, les 8 a défendre. Oh là là, on flappe les noirs. Aïe aïe, aïe. on est collé. Par paire de 8 standard. Allez, le flip. Ah, allez, non. Ce sera un deuxième busto. On va tout de suite folder cette main éviter avec le Valet de cœur, On va pas tout de suite, faut le main. La question c'est la rivière. Oui, il réfléchit. Ouais, bien joué de sa part. Euh, il aurait dû value probablement, je sais pas. <laughs> allez, allez. Et le small ball qui va certainement disparaître de la grille. Ouais, salut, c'est Bleu Reton. Il y aura bien évidemment les replays qui sera disponible, alors que là sur. Ce small ball ça risque de tourner au vinaigre. Allez un 6. Fall ici. Roi 5 suite. J'aurais 3 bêtes de roi suité en bluff ici de temps en temps. Ah, là je le couvre pas de la grosse blinde, donc du coup je vais simplement. Passer ah, ce 6-4. Et c'est la fin sur le small ball. Nous allons ouvrir une nouvelle table. Alors, dites-moi dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir, ce que je joue. Et on va, on va lancer des noms de turbo jusqu'à 21h25. Et ensuite, on va. Regarde-moi ces 180 max. Là, il me fait de l'œil quand même. 6 hein. max. Ouais, c'est pas mal ça. Allez. Je m'en fous, je lance des, des non-turbos jusqu'à. 2, c'est des non-turbos jusqu'à 21h30, je m'en fous. Si on finit, la... Dites-moi si ça vous saoule, mais si on finit à 3h du matin, je m'en fous. Je veux juste. Je... Vous regarderez le replay, je serai seul à la fin, mais je m'en fous. Le but, c'est de me faire kiffer, c'est de vous faire kiffer. On va se faire kiffer sur, le... sur, les... sur les tournois. Merde. Et après, à partir de 21h30, donc à partir de matin, je lancerai après que des semi-turbos, etc., etc. Donc on va changer les filtres. Bah, D'ailleurs, on peut le faire dès maintenant. Tac, on met semi turbo Super beau. Et là, on a plus que des 1€ et des 2€ à partir de maintenant. On enlève le 5. Et tac, c'est facile hein, le poker, vous voyez. Ok. Alors, on va fall sur un check-raise notre as -dame. ça Ainsi va la vie. Le truc, c'est qu'on a une rage qui est tellement forte ici que. Pas une carte incroyable, de... Ça fait rentrer 4 et 5, notamment. Ouais bien joué de sa part. Il donc trop cher par contre, c'est-à-dire qu'il se commit s'il a un bluff, ce qui n'est pas bon. Mais... Dans l'idée, pourquoi pas. Hum, mais il y aura l'afterfood qu'on pourra jouer au. Oh. Et voilà, après on va faire que les deux et les 1. 4 euros, il y a R je crois. Et on va être bien. J'aimerais bien quand même jouer jusqu'à 6 tables. Je ne sais pas si vous pensez que vous pourriez... Euh... Vous pourriez suivre aussi table ou pas Dites-moi dans le chat. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait, ID 3, oh là là, Pika, 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 Pika tu fais... Oh là là, le sujet je vais le jouer tous les soirs, c'est pas possible, c'est livraison sur livraison. Oh Catastrophique ce tournoi. Allez les gars, sur les 2 euros. Nous avons... Ok, chaque donnée, la Big donc c'est le nombre de. C'est ton tapis. Tu peux le convertir bien évidemment en jetons également. Donc par exemple, on partait avec 20 000 jetons. J'en ai plus de 18 000. Ok les gars, nous sommes à tapis. Avec cette paire de vallées, nous ne la faudrons pas quoi qu'il arrive avec ces positions. Alors que tout à l'heure, la faut vous voyez que la force des mains est, est absolument relative. Ouh elle est belle Full house Dommage que c'est un peu un petit chaos là, on serait bien pris un petit chaos, mais voilà, on monte des chelants tranquillement et ça ça fait plaisir. Et bah écoute Crazy Joe, ça va nickel. Ça va nickel. Ouh Mohamed Bah écoute, tu m'as l'air de bien maîtriser le... Ouais ça je vais le squeeze par contre, cette suite suitée. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il ne faut pas non plus trop squeeze trop light parce qu'on se prend beaucoup de tapis sans blindes euh, sur les deep stacks 2 de euros, ce qui est un peu chiant parce que du coup, vous perdez votre équité là où. Euh... Sur les gros bail, ça va beaucoup plus call. Des fois, tu te prends tapis ici sans blinde, Asdam, alors que ça va tout le temps call sur les, sur les plus gros bail. Donc, c'est vrai qu'une main comme ça, tu es, Si tu te prends tapis par Asdam sans blinde, tu as perdu ton équité, c'est un peu catastrophique. mais Voilà. Petite question, monsieur Perlalala. J'arrive souvent dans les places payées, mais à partir de ce moment-là, je m'écroule. Est-ce que c'est du fait que je joue seulement les turbos mmh, Je pense pas, non. Je pense pas, non. Mais donc, il a 2, 3, 7. Putain, pâte encore. Je devrais pas folder ça dans la théorie. Hein. Qu'est-ce qui me pote sur un 8 okay, C'est important que je slope les contre ces joueurs-là. Important que je slope les contre ces joueurs-là. Qu'est-ce que j'ai branlé Il manque une table encore. Ok, un roi 8, tac tac. On va bet, hein, tranquillou. Euh, là. Pourquoi j'ai enlevé le mode plein écran Voilà. Ok, là, on a trop de jetons. passer. Avec roi dame on a trop de dead monnaie. Et on a un beau spot. Ici, on va call parce que Mimi peut faire tapis. Allez, le flip-less. Ah putain, là c'est terrible, table 3. Il a quand même pas mal d'as. Ok, la question To be or not to be Est-ce qu'on call ou est-ce qu'on raise Ça va être plus facile, on va bête. va mais... Roi 3-3-10. Il peut avoir manqué un flash draw, donc je vais quand même call. Il a bien joué à lui. Il avait beaucoup d'as, on le savait. Il fallait quand même vérifier. Allez, On va 3 barres all in. Hein. Cette paire d'as. On va la 3 barrer l'all in. Là, on a trop d'équité pour pouvoir faire quoi que ce soit. S'il avait 7-8, il aurait ses bêtes, généralement. À part s'il a 7-8 de pique et là, il me recheck résoline. Vous savez. Parfois, il faut savoir qu'il a 7 et 9 une main qu'on va check call. <laughs> Ok, parfait. Ça s'évalue au calme. Euh... Ouais, il fait un carreau, Je me vois mal foldé. Par contre, là, je vais bluffer la rivière. Avec mon 7 et 9, c'est une des pierres moins que j'ai. S'il a une dame, ça va être très compliqué pour lui de call. Et puis, s'il a un carreau, bien joué à lui. Allez, ça passe au calme. Non, c'est pas une rediff, Cornelis-Frédéric. Je suis absolument disponible pour t'aider et pour te répondre à tes questions. Euh, je ne veux pas jouer le top of the, the pock parce que c'est vraiment trop trop un turbo en fait. là, je vais simplement réaliser mon diquité avec mon 8 et 6 de carreau. C'était un problème que j'avais avant, c'est que j'avais trop de semi bluff en fait. Euh, contre trop de joueurs et contre des ranges qui n'étaient pas assez capés. Et donc en fait ça faisait que bah, en fait, je me simplement moto, moto sabordais en me donnant pas un bon prix. Contre des, des ranges qu'il faut le pas. quoi Loïc, ça ne te dérange pas de rester jusqu'à 3 heures du mat. Ok, là il y en a un qui a foldé out of turn, je crois. Je vais simplement mettre tout petit ici. Là, je me suis juste faire folder des hauteurs races, des hauteurs rois. Ça, ça, ça snap, euh, snap pas bon là. Ouais, dame 10, classique. C'est de carreaux, on va call. Et là par contre, avec Casper de moins de 5, je pense que je vais quand même check raise. Euh, cette paire de valets, on va la check raise. Check ici. On va résoline tout simplement. aussi la breloque bravo à lui. Oh là, je pense qu'il a vraiment jamais mieux que moi ici. 38, 38 et ça tient. Ça c'est cool les gars, ça c'est cool les gars. Euh, je pense que là quand tu fais un tout petit bête. Euh... Je l'imagine vraiment avoir un truc genre valet 10, Roi 10, un truc comme ça. Donc je vais check raise et chauffe la rivière. Il peut vraiment se chauffer, je pense. Et la rivière, je... franchement, je l'imagine vraiment avec un truc genre Roi 10, valet 10. La question, c'est ce qu'il va call tapis Je pense pas. Par contre, je pense qu'il va call un bon petit 13 blind. On, call une... On a 12, il va call avec son Roi 10, là, je pense. Ah, allez, 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 il a foldé. Allez, c'est bien. Il faut que j'aille avec mes... mes intuitions là aussi. Il faut que je m'appuie sur mes intuitions, surtout sur les low stakes. Ensuite, Valet 5, 6. J'ai pas une bonne main à call. Pourquoi Parce que j'ai un 10 en main. Mais je pense qu'il peut avoir quand même pas mal de dame 10, de 9 et 10, de roi 10. De gros manqué. Je vais pas folder une perte. Je suis 210, je m'en fous. Allez, dame 9, les gars, allez Merci BP, ça fait très plaisir. C'est un race classique. Salut ouais, BP, ça fait trop plaisir. Euh, les niveaux pastilles, alors généralement, moi ça sera vert, un joueur qui est plutôt bon, plutôt tight. Euh, rouge, un joueur qui est assez mauvais, amateur. Et rouge foncé, un joueur amateur qui n'en a rien à péter et qui en fout de partout. Quoi. Bah, comme le mec avec 3-2 tout à l'heure de Small blind, j'ai rien contre ça, hein, bien évidemment, c'est cool, mais, mais voilà. C'est comme ça que je pastille les gens. 10 et 8. Là, j'ai la gut shot. Pas terrible parce que As-Roi, je suis Drink de Dead contre as 3 qui est dans sa range. Ça va simplement passer ce 10 et 8. On va avoir un spot compliqué sur les 2 euros, mais je pense que si jamais Utopia y va, je vais y aller avec euh, 4 blindes de Dead Money. la queue que 20 blindes. Voilà, j'ai que de poule. J'ai simplement passé en 10 là. Pff. Allez on va call 7, 7 et 8, il faut un peu faire un peu des deux donc je crois que là je suis s'est chauve maman. Je crois que je suis ma on va pas s'aborder tout de suite En fait je peux chauve jusqu'à 3 fois le pot je pense Dame 17 de 2 Est-ce que je vais y recall il peut y avoir plein de mains encore une fois qui, qui... Le problème, le problème c'est est-ce qu'il va vraiment bluffer après avoir bluffé tout à l'heure Il peut avoir une main comme 5 et 6. Il avoir une main... Là, il peut quand même avoir une... un 10 ou un 7, mais bon, c'est aussi très peu cher. On va y aller. Let's go, guys! Let's go Ok, très bien ça, cette paire de 4. Je vais la folder. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Euh, l'épisode 7 de Vegas bah franchement il est en cours il va être génial c'est un truc de fou il va être génial c'est un truc de fou je pense dans la dans une semaine dans une semaine Merci pas encore putain ça me fait trop plaisir ce que vous dites franchement parce que je vous dis c'était hyper difficile parce qu'en fait on avait genre 200 commentaires il y en avait 190 qui étaient hyper cool et 10 qui me disaient d'aller me faire enculer que ma meuf était dégueulasse que que j'étais que j'étais une merde tu vois et ça m'a franchement ça m'avait trop fait mal au cœur quoi trop trop fait mal au cœur Oh, roi 6 de cœur magnifique on va les six waouh ça envoie les gars. ok bon pour demain il faut que je me prenne une notif essayer de plus faire des six max parce que quand même là, j'ai plus conséquence six max là j'aimais bien faire des petits full rings aujourd'hui parce que Parce que c'est vrai que ça permettait de plus parler, mais. Ok, la vallée 7, c'est les qu'on va falloir. Putain, c'est un fou de partout. Cul de poule, il en fout de partout. Wow. Hmm. Salut Pierre, j'ai une question. On veut me stacker pour un main event. Mon adversaire doit directement payer le casino, me faire un virement, mais c'est ta réponse. Euh, le mieux. Je pense qu'il te fasse un virement pour des questions d'impôts, etc. Comme ça, toi, tu peux prouver que tu étais stacké et si jamais tu gagnes gros et que tu dois payer des impôts dessus, que tu puisses prouver que effectivement. Voilà, tu sais tout. Une main que je vais value bête Table 4, si jamais c'est foldé. Je pense qu'il va toujours miser une main meilleure. Là, j'ai un bon bluff catcher, etc. etc. Il y a pas de... Ok, 5 max, on va 3 bet et go broke. Cette main... On peut pas la foller 5 endit comme ça, il peut se j'en sais rien. Who knows what can happen. But... Oh, le flop est horrible. Donc là, il faudrait que je check, par exemple perdas d'accord, sur ce board, il faudrait que je check Perdas pour protéger ma range de check. Je peux pas avoir simplement que des mains qui vont abandonner sur ce sur ce board quand je check. Donc c'est hyper important de checker aussi en premier lieu Perdas. Ça c'est encore une fois, c'est pour des, des raisons de balancing. Mais... Ok, that's pretty good. J'ai abandonné sur Roi 6 Que veut dire une range capée Ça, c'est intéressant, les gars. Une range capée, c'est tout simplement une range qui ne peut pas contenir de main forte. Euh, là, As As Dame Dame, putain, frérot, je te crois pas du tout, quoi. Je crois que je vais te call euh, Hauteur Roi. Hein. Oh la Dame jouer à lui, euh, c'est une, une range qui simplement ne peut pas contenir de, de main forte. Je vais te donner un exemple, par exemple, d'une range capée. C'est un mec raise. Il y a plein de couleurs et la big blind défend sur as roi roi, ou même encore mieux sur as as roi. La, la big blind sera un petit peu capée parce qu'elle ne pourra avoir, pas avoir perdre d'As, elle ne pourra pas avoir perdre roi, elle ne pourra pas avoir as roi, contrairement au premier joueur qui a relancé. C'est ça une range capée. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit sur le ODM 180 Max On ne raise pas quand on est short stack des sous-titres connectors, euh, quand on est short stack derrière par exemple. On va plutôt raiser des mains comme euh, Dabisoft par exemple. Salut Pierre, on a eu une discussion avec, une fois avec mes amis. Penses-tu qu'il existe une situation avec Redisiem en on étant chip leader, il pourrait trouver plus pour garder un short stack à table de Follet AA quand tu choisis Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était le... le cas. Je ne sais pas si vous avez vu cette main qui s'appelle. Ok, limp, disake off. Je ne sais pas si vous avez vu cette, euh... cette main qui a été jouée. Alors attendez, je vais juste trois bêtes ça. Qui a été jouée sur le Triton. High roller à Madrid, entre Chidwick et Matt, Mike Watson, il me semble, ou un, un autre joueur. En fait, Chidwick a paire de 10. Donc, ça fait tapis moins une dans d'un un short stack. Chidwick colle avec paire de 10. Et ça vient genre 10, 6, 6, roi 2. Mais ça check tout le long, en fait. Et Chidwick check back en position, soit en full. Et ça, en fait, pour la bonne raison qu'il voulait garder le mec à une hantée. Oh là là, c'est beau ce qui se passe. Alors comment est-ce qu'on joue ça les gars Je pense que de toute façon si... Alors là, encore une fois, on va faire preuve de, de sang froid. Si jamais Jiblowie a une dame, il va pas folder pour 12 blindes, d'accord On Est-ce qu'on est ok là-dessus Donc autant je check back et je laisse faire tapis, turn avec une main genre 8 et 9 off et de toute façon je vais call quoi. On va recheck. Alors, est-ce que je l'ai laissé arriver là où il en est Je te jure que je vais call si jamais il chauffe. Putain, je ne vois pas du tout avec une dame. Oh là là, Valet 7, ça collé là. Ah, il y a une petite arme, il a fait une petite liaison. Check. Allez, je le mets sur Roi 10 off. JB Blowy. -blow tu as Roi 10 off. Et une c'est seulement enfin, c'était quand même une mains très probable mais en vrai mais bon. Ça avait quand même plaisir celle-là, ça avait quand même plaisir. On attend toujours les ranges de la dernière saison, ouais. Franchement parce bah, que je vais faire c'est que demain je vais vous mettre les ranges, je voulais poster et on va voir ensemble si elles sont toujours bien. D'accord Est-ce qu'on fait comme ça, on se prend 10 minutes On met euh... On met, euh, tout euh, on met tout simplement le, la range que j'avais créée il y a 2-3 ans. Et on voit si c'est toujours d'actualité, si je les aime toujours, ça peut être sympa ça. Ah, je suis content parce que là, en plus, la, gagner de l'argent au poker est juste avec le poker. Ouais. Ouais, ouais, surtout, moi, euh, mes meilleures sessions, c'est online quand même. Et là, j'ai fait trois énormes années en live. Euh, mais cette année a été catastrophique sur tous les domaines. Et c'est vrai que c'est difficile parce que tu perds un peu la confiance, etc. Et euh, tout ce que j'ai fait cette année, tout ce que j'ai fait cette année. Euh... Je pense que je vais 3 bêtes et folder sur un 4-bet. Ouais. Tout ce que j'ai fait cette année en live, c'est pas bien passé. J'ai presque gagné sur aucune étape, je pense. J'ai perdu à Prague, j'ai perdu à Monaco, peu mais j'ai perdu, j'ai perdu à Vegas. Donc euh, c'était pas terrible. Et euh, voilà, hein, ce sont des choses qui arrivent, mais je pense pas avoir non plus un niveau de jeu là, absolument génial. Voilà, oh merci BP, c'est trop gentil. Oula, oula Kozak, ouf. Ok, je vais simplement check. Bonne chance Kozak et Kozak. N'oublie pas que si tu veux jamais, tu veux discuter, va plutôt dans le chat de Winamax TV. C'est le seul chat sur lequel je réponds. Et va bah, dans le chat. Euh... Ah oh là là c'est absolument catastrophique. La réalité des choses c'est que je devrais le bluff. Non 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 je peux pas bluff, je perds perdre 8 bats ces petites paires. Oh là là, paire de 10, bien joué à lui, aïe aïe aïe, j'aurais pu peut-être plus le bluffer. Le problème c'est qu'est-ce que je représente ici, c'est pas si évident. Ok mon petit blowy, on va te raise. Et cool ton chauffe, on se blinde. à hein. la mer à boîte. Il y a de lever à montrer ses bluffs Oui, oui. Souvent, oui. Euh, ça peut être très, très cool. D'ailleurs, vous le verrez dans le dernier vlog. Euh, j'ai beaucoup montré mes bluffs sur le DK6 Max. Et après, ça leur faisait péter des plombs. En fait, ils me faisaient boîte avec n'importe quoi. Et ça m'a apporté beaucoup de V. Et, euh... et pour vous dire, il y a un mec, avant, j'ai de Roi. Il m'a New York backer 60 blindes all-in avec AS10. C'était assez ouf. Remercie oh, merci le chibreur. Trop oh, sympa. Ça fait très plaisir. Salut Pierre, j'ai une question. Tu préfères quel format entre le format classique et les KO Alors, que si assez clairement, si tu es sur la frange haute de tes buy je préfère que tu joues des KO. Donc, des 180 max KO, si possible, ce serait le must, tu vois. Parce que ça te permet de réduire la, la variance sur tes plus gros buy -in. Parce que, par exemple, si tu fais un 5 euros et que tu arrives à récupérer 3 balles, par exemple. Ce qui n'est pas le cas sur un freeze out, hein, ce qui ne peut pas être le cas sur un freeze out. Bah ça t'a un peu la c'est quoi. Ok, alors que nous sommes à la prébule ici. Et quand nous sommes à la prébule, qu'est-ce qui se passe Ok On se souvient du premier challenge. Qu'est-ce qui se passe C'est que quand nous sommes à la prébule... On va mettre les tables en rouge parce que simplement il y aura des plays qui seront avec de l'ICM, etc. Et que du coup. Donc là, ce sera un tapis par exemple, plutôt qu'un 3 de call. Et que du coup. On va simplement s'attirer l'œil avec cette couleur rouge. Allez, collas Valley. Donc plus l'ICM est important, plus vous êtes proche de la bulle. Donc, par exemple, plus vous avez un gros stack, plus vous allez vouloir jouer de manière agressive. Plus vous allez, si vous avez un stack moyen, jouer de manière passive. Ou un stack, petit stack de manière passive. Si vous êtes à la bulle avec un petit stack, vous allez jouer de manière très passive. Si vous avez un gros stack, de manière très active. Là, on est encore loin. C'est quand même... Pas si euh, proche, mais bon. Ah, ce valet de carreau est super flat. Table 3. On va simplement passer cette main ouais. Prochain break, c'est toujours à 55. C'est toujours pareil. Jusqu'à... Enfin, pendant 6 minutes. Est-ce que c'est une bonne idée de limp ces petites paires Non, presque jamais. Franchement, fais-le pas. Ne le fais pas. Ok, on est squeeze pour la grosse main. Sur le deep stack, 2 de euros. Et nous... <laughs> Ouais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'on assiste beaucoup à ce genre de play ici. Valet, valet, dame. J'imagine que c'est un board qui doit être quand même pas mal checké. On le défonce quand même pas mal. Il n'y a quand même pas tant de, de valets que ça, a priori. Il peut y avoir des moins comme Roi 10, 9, 10, et combat encore. Ouh, elle est belle celle-ci, les gars. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'était hmm, 5, allez. Donc on va just call parce qu'il a quand même des flèches et des foules. Les gars. Ouf. On l'a échappé belle les gars. On l'a échappé belle. La pire rivière pour nous, heureusement, il n'a pas mis un trop gros parpaing. Salut Geoffrey. Merci Pierre pour tes vidéos. Toujours un plaisir de voir streamer. Tu as donné beaucoup l'envie de progresser au poker. Euh, si c'est un plaisir pour toi de streamer, c'est partagé, merci. Merci, bah, franchement, vous voyez, c'était ça l'erreur que, que j'ai faite avec mes vlogs, c'est que j'avais, avec Delphine, 95% de messages comme ça, et en fait, j'étais focalisé sur les 5% de messages d'insultes, et à un moment donné, je me suis dit, franchement, je on va tout arrêter, tu vois. Mais trop pas, on va continuer, on va continuer à faire vivre notre passion, tous ensemble, d'ailleurs, j'espère vous voir un max à Bratislava, parce que c'est aussi ça l'esprit qu'on essaie d'insuffler avec Wina. C'est bah, qu'on se retrouve tous ensemble, pour des lobby aussi. Qu'on plus, kiffer ensemble, bordel, tout simplement. Ou cette paire de 3 elle va souvent être jouée à tapis là. Je commence à être très short stack. Bonne main, Rishov. Non, franchement, les gars, les limps de petites perles en fait le pas, simplement raiser tout le temps et voilà. Ah, fait chier. Là, j'aurais le paire de 5, plus, je pense. Peut-être même paire de 6, plus. Ok, ouais, je vais réaliser. Si jamais je me rends compte qu'ils sont très agressifs, je vais simplement re resserrer un petit peu. Que veut dire limp équilibré Limp équilibré, ça veut dire que par exemple, si tu limperas des grosses mains et des petites paires, par exemple, et des mains comme ça. Parce que si jamais ils se rendent compte, les gens se rendent compte, que par exemple, tu ne limpes que des mains qui sont bancales avec lesquelles tu ne veux pas partir à tapis, bah, simplement la grosse blinde peut faire tapis avec n'importe quelle carte et il a gagné le coup 100% du temps, donc c'est pas possible. C'est pour ça que tu dois par exemple raise certaines, enfin tu dois aussi limp certaines d'as si jamais tu vas avoir une stratégie limp qu'on appelle équilibrée. Très important ça, ce concept d'équilibrer son jeu, alors c'est d'autant plus important qu'on joue cher, qu'on joue contre des adversaires qui se rendent compte euh, des faiblesses de notre jeu potentiel. Salut Pierre, pourquoi est-ce que tu n'es pas allé à Barcelone eh bien, parce que je faisais du streaming. Mes voisins m'ont oublié comment tu criais. Ça va, je sens je suis hyper calme, non Je crois que je dois bête. Euh, C'est 3 pour protéger ma main et envoyer un parpaing sur certaines rivières. Ok. Je crois que je dois bête. Putain. C'est quand même pas ouf, mais bon. Allez, ça passe. Yes. Putain, t'as vu les bluffs, ça passe quand même pas mal, les gars. Vous avez vu, ça quand même pas mal les... ça passe quand même pas mal les bluffs sur ces, sur ces petites limites. Hein. Oui, parce que pas de logo rouge sur ton pseudo. Oui, parce que simplement on a reset un compte, enfin, on a reset mon compte pour permettre euh... pour permettre de pas que je bénéficie en fait, des miles que j'avais, etc. Et plein, de... plein de raisons comme ça et que je sois vraiment dans les conditions réelles d'un grinder qui se met sur les petites limites, et c'est son, son premier dépôt, et c'est parti. Je me demande, les bots, là, vous voyez, il y a plein de bots qui disent, « Ouais, vous pouvez vous faire sucer gratuit sur ce site. » Mais qui clique là-dessus, sérieux Qui clique là-dessus oui, c'est bien qu'on va raiser au bouton. Une main que nous raiserons au bouton. Aurais quand même une grosse main là sur le hold 180 max que ça serait assez cool qu'on puisse avoir une main sympa à jouer là qu'on puisse un peu se dépêtrer là contre deux joueurs agressifs j'aime bien la squeeze quand même donc, Nexus, là, ça s'appelle un squeeze play. C'est-à-dire que la Temptation qui reste beaucoup de mains. Mais bon, elle continue quand même avec une rage assez tight. Et Nexus qui est au bouton. Ouh là, et le... bon, la petite furie qui s'arrive avec nous. Mais... Et Nexus qui est au bouton qui a a priori une edge capée et qui devra foller pas mal. Et donc là, le squeeze, ça veut dire être en sandwich. Comme un. être compressé, quoi. Et c'est la Temptation qui est... qui est dans ce cas-là. Ah, c'est vrai que ça, c'est ça qui est chiant. C'est la situation dont je, a... dont je vous parlais tout à l'heure. C'est les mecs qui font tapis, qui sont 150 blindes derrière et qui vous volent votre équité. Ça, c'est un peu relou. Combien de left tu, pré tu considères en pré-bulle Franchement, généralement, je dirais par exemple si tu un tournoi à 100 joueurs, 12 payés à partir de 24. Généralement, on dit que c'est quand il reste un quart du fil de left à peu près. Un tiers. Oh, merci Kizemdea. Ça fait plaisir. Salut Pierre, j'arrive souvent à rentrer dans les places payées, mais sans faire la perf qui va me permettre de passer un palier sur ma BK. Comment mieux performer à la bulle Et eh bien, ça, normalement, ces streams seront faits pour toi. Il faut, être, il faut jouer très agressivement à la bulle, généralement, quand tu as un gros tapis. Et ce qui permettra d'avoir ce tournoi-là. C'est pour ça que j'aime bien les 180 max. C'est qu'il va y avoir une vingtaine de payés. Vous êtes tout de suite, presque, à la table finale. Et vous avez tout de suite un énorme shot pour gagner. Vous avez un gros tapis à la bulle. Vous envoyez, vous envoyez. Vous arrivez avec 2-3 fois la moyenne. Et en fait, c'est presque tournoi, presque top 3 assuré. quoi. Là, mesdames et messieurs, nous allons partir à tapis sur le Dipta en bas à gauche. Pas de fleuriture, faites pas un 3 bite sized ici, blablabla. blablabla. Voilà, un setup. Allez, un petit roi à pic. Allez, pic 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 pic. Woohoo That's pretty good. Et deux paires. Euh, ok, sur As-Roi Valet 7, il aurait bête un As. Je pense qu'il a vraiment. Ouais, j'ai quand même besoin de protection ici. Waouh, j'ai craqué avec. Waouh, ça c'est. C'est sous. Et là, avec mon roi bien évidemment, j'ai un tapis évident. Et ça, c'est assez cool parce que, quand même, ça nous fait donner un petit bol d'oxygène à 20 de la bulle. Ah, il est bien ce poster de Gaël Voman. Hein Est-ce que vous voyez juste derrière Voilà. Super. Putain, j'arrive pas à faire comme ça. Et à côté, Adrien Delmas, la petite miniature d'Adrien Delmas, comme vous pouvez la voir, avec la petite moustache et tout. Coucou, coucou. Hop, petite coucougnette. Héhé. <laughs> Ok, c'est la pause. On va juste réaliser ses mains et, je... et tout ça. Et après, on va revenir pour la troisième heure. Ça passe trop vite avec vous, les gars. Ça passe trop vite avec. Euh, dame de Troyes, je vais bête. J'ai beaucoup de cartes à barrel. Allez, ça passe tranquille. Allez, à tout de suite pour de nouvelles aventures dans six minutes. Bon, de retour, ça se passe pas si mal et on a ajouté une petite fonctionnalité qui n'est pas à piquer des hannetons, la fonctionnalité bloc-note. Voilà, non, vous allez voir, ça c'est un truc qui est hyper important, qui m'a apporté beaucoup, qui permet en fait de ne pas stagner et qui permet de, de fixer ses axes de progression. On le fera pas tout de suite parce que là les tables reprennent, mais voilà, ça va être euh, ce qui fait qu'un peu la spécificité de ces streamings, c'est qu'on va pouvoir un peu suivre. Comment dire, les axes de progression au fur et à mesure. Là, le Dame 9 de pref c'est une main qu'on a envie de 3 bêtes sur lice mais qui génère très peu de V. Donc, je vais simplement la folder. Euh, je, je vais plutôt 3 bêtes des as 6 et des choses comme ça. Et je ne vais pas 3 bêtes énormément en bluff finalement. Alors, Roi cette suite, Deep, je vais, je vais call les 7. On va tranquillement compléter. C'est important aussi de bien comprendre que de Small Blind, on ne complète pas tout. Au prétexte que ce n'est pas cher, la Roi-3 off, ça serait catastrophique. De le compléter. Ouh là là, et on flappe les 9 flush draws, ça va être cool. Salut Pierre, j'ai arrêté le poker lost stakes depuis plus d'un an. J'ai refait une session il y a un mois qui s'est bien passée, mais mon problème est là qu'à la fin, la concentration n'était plus. Ça, je te dis, le bloc note, c'est génial parce que ça te permet euh, de... ça te permet en fait de fixer ces problèmes-là. Et j'ai envie de te dire que... Pourquoi... Alors là, ce qui, ce qui peut être intéressant, c'est -ce que tu l'analyses. Pourquoi est-ce que tu n'avais plus cette concentration Est-ce que c'est... Euh, le poker ne m'intéresse plus assez Ou est-ce que c'est un problème d'ordre plus général Ça, par exemple, moi, ça me le fait beaucoup, ces trucs de concentration. Par exemple, pour lire un livre compliqué, quand j'étais en prépa, j'arrivais à tenir des devoirs surveillés de mutants, j'arrivais à, à, à tenir des livres très compliqués, pas de problème. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, finalement, le cerveau, tu te rends compte que c'est un peu comme un muscle. C'est que plus tu l'entraînes, plus c'est facile. Euh, tu me disais courir 10 e bornes il y a deux ans, moi, ça me paraissait complètement fou. Maintenant, ça me paraît hyper facile. Et je me dis comment est-ce que j'arrivais à ne pas courir 10 e bornes euh, avant quoi Donc, il y a une question d'entraînement, faire des exercices pour la mémoire, aussi arriver à fixer son attention. Ça, c'est un gros travail que Steph a voulu faire sur moi. C'est vrai que c'était... Euh... Ouh, Fadi c'est vrai que c'était... C'est compliqué d'être concentré tout le temps, quoi. C'est pas si évident. T'as des, des, des moyens techniques. Par exemple, toutes les 20 minutes, tu peux mettre une alarme en te disant là, il faut que je me ressente, que je me refocus parce que souvent le problème de la concentration, c'est... ça arrive souvent quand tu lis, par exemple, le problème de la concentration, c'est tu es en train de lire, et après tu as une autre pensée, et en fait, ton, ta concentration va autre part, et tu n'y penses, et tu ne penses plus au, euh, Tu ne penses plus au, à, la, à la phrase que tu es en train de lire ou à la main que tu es en train de jouer. Euh, donc voilà, ça peut être des, des pistes intéressantes. Et ça, ça peut être aussi très intéressant de, de noter dans le petit calepin et essayer de faire des exercices. Comme tu te dirais, là je ne suis pas assez fort, je ne sais pas, sur mes abdos, je vais faire des abdos. Bah là, je suis pas assez fort sur la concentration pure et je vais faire en sorte de devenir meilleur. Et surtout, ne pas prendre ça comme un, comme un fait. Il y a trop de gens qui se disent, par exemple, moi je, je le vois dans la course à pied, j'ai trop de gens qui disent euh, je suis pas fait pour la course à pied, quoi. Alors que c'est complètement faux. Il n'y a pas de gens, il y a des gens qui sont plus ou moins doués, mais tout le monde est fait pour la course à pied, par exemple. À part si bien évidemment tu as des, des problèmes articulaires, des choses comme ça, mais voilà. Très important. Et en fait, c'est pas que le poker, j'ai envie de dire que tu sois plus concentré au poker, c'est pas très important, mais que tu sois plus concentré dans ta vie, dans ton boulot, dans ta vie de famille, de, je sais pas, pour être un meilleur père, ou je sais pas si as des enfants, ou être un meilleur euh, fils, ou être un meilleur. Dans plein de facettes de ta vie, ça peut être un skill extrêmement intéressant. Même c'est sûr que c'est un skill qui est extrêmement intéressant. Le 8, les gars, s'il vous plaît. Ah, presque, mais on est quand même pas mal. On n'est pas sur un si mauvais board. On est quand même contre UTG, donc on va faire gaffe. On va checker deux fois. Et value, si jamais c'est une petite carte, tranquille. On a même un petit 9, on peut value. Tu vois. Oh, il bête, là, on va call, tranquille. Petit 9. Allez, ça gagne contre perd de 7, s'il te plaît. 3. Ça gagne contre Asrois. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Présente-toi. Attends, mais Lolo, là, j'ai tous les chats. Est-ce que j'ai le chat de Twitch et tout, là Parce que je vois aucune question Twitch. Normalement je suis sur tous les... Je suis sur tous les chats. Non pas sur toutes les chats. <laughs> Pardon, excusez-moi. Ok. 9 et, 9 et 10. Je crois que Delphine regarde, donc euh, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Euh, les gars, ça va être l'heure. Avec Asvalet. On va pas pouvoir folder. Même si on n'est on est pas si proche de la bulle. En plus, si on était bulle moins 3, j'aurais peut-être foldé, mais là. On est trop... Là, 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 là. C'est GG, dommage, c'était pas si loin de la bulle, là. Fait chier. Fait chier. Et maintenant, nous ne lancerons plus que des turbos en plus. Donc, là, les turbos. Là, les gars. Donc, vous n'avez pas le lobby à. Mais qu'est-ce qu'on va lancer comme turbo Allez, un petit top of the pock, les gars. Hein. On est obligé, là. Non, c'est trop tard. 400-800, c'est trop tard, les gars. Quand même. J'ai pris un parpaing de l'espace. Ou alors on se lance un non turbo. 500... Oh, Vas-y, on va se lancer un non turbo 5 euros. Hein. Là, j'ai un tournoi 36 joueurs. Semi turbo, 20 000. T'as plus moins de 30 000, là, c'est pas mal. On hein. a 400, 800. C'est trop, les gars. C'est trop, les blindes. Là. Le totem à 5 euros. C'est trop cher. Ah oui, j'ai plus les non-turbo, je suis con. Ok, est-ce qu'on a un beau tournoi non-turbo 5 euros monster stack, c'est pas mal ça quand même. Ouais, vas-y, je vais jouer ça. 20 000, 20 000, C'est bon, on s'en fout là. On s'en fout, on est des malades. On est parti jusqu'à 7 heures du matin, je suis désolé. Oh, il avait deux as, petit furet. Ah bien, faut On est parti jusqu'à 9h du matin, les gars. On est parti sur un monster stack, on s'est fait une dinguerie là. 5 balles en plus. Ouf, je passe gaffe quand même, on perd déjà 25 euros. En fait le truc c'est que bon, j'ai quand même intérêt à jouer cher, à jouer cher parce que j'ai 12 sessions. Bon bah 12 sessions, si je perds 25 balles par session, ça veut dire que je fais 0 ITM. Ça vaut quand même le coup, quoi. Jouer un peu plus cher. Ok roi 18 les gars. 2,2 là, moins de 50, parfait. Vous faites pas chier encore une fois avec 2,2, 2,5. Retenez que juste quand on est au-dessus de 30 blinds, on fait plutôt 2,2 ou 2,5, etc., etc. quoi. Ok là, on va checker beaucoup. S'il fait un tout petit sizing, on pourra peut-être euh... mise Franchement j'aime bien attaquer quand même. Il n'y en a aucun qui a montré de la force, en fait. Dans ce coup-là, je peux leur faire folder au terrasse. Voilà, parfait. C'est petit Sud versus le reste du monde. Franchement, je pense que je vais le jouer tous les soirs. Est-ce que vous le jouez régulièrement, les gars Le niveau, c'est n'importe quoi, là, non Le niveau, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, vous savez ce qu'on va faire On va se mettre en mode. mais par exemple là c'est un truc de fou parce que où est-ce que j'ai triplé sur le sud versus le reste du monde comment est-ce que j'ai triplé mon tapis Dipta on partait combien 20 000 et là j'ai 85 000 ouais, ok les gars en fait il faut vraiment jouer en mode euh, en mode jeton et pas en mode big blind parce que là regardez là par exemple j'ai triplé mon tapis donc mon tapis a plus de valeur que ce que je peux croire etc là j'ai fait, fait pratiquement fois 4 mon tapis sur le Dipta coldem de euros je sais même pas comment quoi Je ne sais même pas comment. Oubliez pas aussi, j'étais un joueur super concentré. Le problème est vie de famille plus travail à l'époque. Oui, alors, du coup, non, c'est pas le problème. C'est que, en gros, tu as une, un nouveau rythme de vie. C'est que tu vas avoir des gosses, tu vas avoir travail plus prenant. Ça veut dire que tu dois jouer moins souvent, moins longtemps. Euh, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de. Y a pas d'autres trucs, ta journée elle a que 24 heures, t'as as, as pas non plus un milliard de... As pas non plus comment dire un euh, milliard de temps de focus à fond. Donc Avec le cas c'est Bah ça, 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 ça s'écrirait Twitch, non Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de questions je crois. Si. La plus que mais, mais C'est pas sur le monde oh, <laughs> c'est bon? Ouais. Bon, en fait, putain, est-ce que je joue jouer en big blind? Est-ce que je, veux pas en big blind Alors, je vais en fait? Il faut jouer en big blind parce qu'en fait, le problème c'est qu'il faut la division et c'est trop compliqué. On va jouer en big blind et de temps en temps, ça peut faire trop d'erreurs. Et de temps en temps, vous regardez par exemple toutes les toutes les fois aux pause, vous regardez combien vous avez en fait. Ça, c'est parfait. Voilà. Ça me semble être la bonne solution est ce que Evan Dura, Evan Dera est devenu un peu le vol de mort j'ai l'impression que tout le monde débute le sujet non non pas du tout euh, il est il joue encore live je pense qu'il a payé le, le prix pour sa pour sa triche euh, moi je vous le dis c'est toujours un ami à moi mais euh, et euh, voilà, j'étais je, je, je con content de voir qu'il allait quand même bien après ce qui lui était arrivé, même si il avait fait une énorme erreur qui était impardonnable. Euh, voilà quoi. C'est vrai que c'est hyper, hyper touchy comme sujet, mais j'étais surtout content qu'il. Bah ouais, qu'il qu qu aille quand même bien en tant qu'être humain, quoi. Parce que tu peux pas vouloir du, du mal à un être humain pour une euh, simple erreur de poker, même ce qu'il a fait inexcusable, et, et c'est normal qu'il soit ban, etc. Euh, mais voilà, c'est. Je crois qu'en amitié, il faut, il faut aussi rester fidèle. Il n'a pas fait quelque chose de. Non de... plus, il a pas tué quelqu'un ou quoi que ce soit, quoi. Putain, chier. Le 9. Et euh, voilà, il a fait il a fait des résultats en live et tout. J'étais content qu'il fasse une table finale sur un Omar. Donc, euh, voilà. C'est ce que je peux dire. Sur le... Donc, tu conseilles 200 d'Abéine. Oh là là, le 9. Non, le carré, c'est pas possible. Jean-Michel, résultat orienté, est de retour. Mais bon, très bon fold quand même. On est content. Salut Welfi, un gros bisou. On fait tous un pierre dans notre vie, ça j'en suis pas sûr les gars. Merci Lionel, la Présentez-vous. Bah, est-ce que j'ai un travail autre que le poker Bah mon travail autre que le poker c'est un peu bah ça, hein, les Twitch. Euh... Euh, c'est plus fa... en fait c'est plus facile pour moi que pour d'autres puisque c'est quelque chose que je fais assez naturellement qui repose sur. Oh là là le vas il est excré... incroyable. Qui repose sur certaines qualités naturelles que j'ai. Euh... En fait, je crois que tu as un truc aussi en général, c'est qu'il faut vraiment essayer prof professionnellement de faire un truc qui te plaise. Quoi. Ça me paraît être la base. Parce que sinon, en fait, c'est trop dur de le faire à temps plein comme ça et de te dire « putain, je subis ». J'ai tellement de potes qui sortent d'école de commerce, par exemple, qui subissent leur vie du lundi au vendredi et qui en plus ne gagnent pas non plus des... des 30 000 balles par mois, quoi. Parce qu'effectivement, si tu es un, je sais pas, un trader de très haut niveau, tu gagnes 30K par mois, mais tu te fais chier, tu peux dire « Bon, bah ça vaut le coup parce qu'à 50 ans, je suis à la retraite ou à 40 ans, je suis à la retraite, je te gagne tellement d'oseille. » Mais si tu fais ça pour 2-3 000 balles, euh, tu peux quand même poser la question euh, « Est-ce que ça vaut le coup ?» Putain, merci Thomas. Ça me fait très plaisir ce que tu dis. All right. Yeah, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne. C'est qu'on va donc bête et go broke sur le sud, si ce reste du monde. Oh putain, il a foldé. Le truc c'est que ce qui est bien, c'est que j'ai quand même pas mal de, de mains qui vont se des mains comme Perdas, euh, des choses comme ça, qui... Enfin qui vont se entre guillemets mais qui peuvent, qui peuvent jouer trop dur. Euh, C'était 4. Est-ce que je la joue pour la... Allez. Ils sont bloqués en 2010 sur le Sud. <laughs> ouais, c'est un peu ça. Ouais. Salut Pierre, j'ai commencé le poker il y a trois ans grâce à toi. J'ai commencé le livre, il y a, le live il y a quatre mois et déjà une victoire. Bah, bravo Sneak, je suis très fier de toi et c'est toujours incroyable de voir que il y a des gens qui commencent le poker à cause de moi. Ça, je, bah, si, j si certaines personnes ont commencé le poker à cause de moi, qu'ils arrivent à, à gagner ou au moins à ne pas perdre. Et à kiffer et avoir un hobby sympa, bah franchement, s'il n'y a qu'une seule personne dans le monde pour qui j'ai créé ça, bah, c'est déjà réussi quoi. Salut Holdem, tu as pété les as avec casking, bah ouais, ouais bah, ouais complètement. Moi bah, je j'ai aucun problème avec ça. De toute façon, après ça c'est, il faut bien se dire que c'est des entre guillemets des flips, c'est-à-dire que tu inverses les mains. En fait, peu importe qu'il y a deux as, peu importe qu'il y a trois, c'est un peu pareil. Ça c'était un truc qui m'avait bien permis de digérer un bad beat que j'avais pris. Euh... Ça devait être à 30 left ou à 40 left d'un 10K à Barcelone avec 1,7 million à la gagne. Et je perds un pot énorme. J'ai perdas un small blind contre Anton Vig qui, qui, a, qui a paire de dames au bouton. Et on a genre 60 blindes chacun 40 left. Et je perds ce pot. Il me fait quinte avec la dame, avec ses deux dames, contre ma perdas Et je me suis dit, mais Pierre, franchement, si c'était toi qui avais eu la paire de dames, t'aurais tout mis pareil. Donc. Euh... Peu importe, quoi. Peu importe. Il y a, qui a la perdasse, qui a la paire de dames. Ça, c'est important et ça permet de relativiser aussi. Hein. Certains bad beats. Ok. Donc là on est trois ouais, c'est un peu différent de heads up. Heads up contre la grosse main, j'aurais ses bêtes. Là on est trois ouais, c'est différent. En plus j'ai pas le bac d'un flash. Contre un tiers du pot je vais call. Contre plus, je vais folder simplement. Le de fou, je rêve de faire un péter. Est-ce que tu as des conseils Bah bien sûr j'en ai plein. Euh, tu as des SAT online déjà, ça dépend un peu de ta bankroll, etc. Mais tu as plein de SAT online. Puis, si un jour ça te fait vraiment trop kiffer, ben tu bosses, tu mets 5000 euros de côté et tu vas te faire ce kiff énorme. Bien évidemment, il ne faut pas que ça mette en danger financièrement ta famille ou je ne sais quoi ton équilibre. Mais euh, ça peut être. Oulala, là là, Milfenter, il me semble qu'il a pas grand chose quoi. Là, il peut. Asdam. Il n'aurait pas 3 bêtes préflop, quand même, je le bloque. Ok, le 10, c'est une carte innocensive. Je pense pas qu'il le mette au turn. Je pense qu'il a rien. Voilà, hein. ouais, Snuff Off. Ça vraiment pas terrible son play quand même là. Hein. Euh, le tracker préinstallé, préinstallé, je peux l'utiliser de temps en temps comme ça pour voir un peu, mais je préfère euh, surtout sur les petits buy euh, faire confiance à mon instinct et à mon observation, c'est important. Bonsoir Pierre, avant tout merci pour le contenu, bah, ça me fait plaisir à l'ister. Je voulais savoir si j'avais terminé les range préflop micro-limite de première, 3... ouais, sont... alors ces range pré flop micro-limite sont terminées depuis que j'ai fait Breland de 2 Oh là là, c'est l'embellie. S'il te plaît, Milf, vas-y. Vas-y, mon coco. Oh non, Milf. Bon, c'est déjà ça de prix. Hein. Je pense que je suis pas mal sur ce tournoi-là, vraiment. Vraiment hein. pas mal. Vous voyez Ok, on laisse en blinde et de temps en temps, on se fait un petit check comme ça. 105 000, on partait avec 20 000, on a déjà 5 fois le stack de départ. Donc, c'est pas mal du tout. Salut Pierre, bravo pour tes vlogs et bonne chance pour ton challenge. J'espère apprendre grâce à toi avec beaucoup de pertes pour mieux comprendre pourquoi je perds. Ouais, Maxime, c'est vraiment ce nom, c'est fait pour toi. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est la structuration de ton jeu. Mais en fait, tous les domaines, c'est pareil. Tous les domaines où tu veux performer, c'est pareil. Il faut que okay, tu partes, nul en fait. Ça, c'est un truc qui est aussi hyper important, je pense, en tant qu'être humain éduqué et tout. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand même ce truc euh, je sais pas tu vois euh... tu as quand même tendance à te dire je sais pas un mec il arrive et il est ridicule quand il commence un sport tu vois ou un gros par exemple personne qui est grosse qui commence la salle je sais pas pourquoi tu as ce réflexe humain de te dire putain il est gros et tout qu'est ce qu'il fait là tu vois alors que c'est pas du tout la bonne démarche et c'est une démarche de... c'est vraiment débile de se dire ça quoi. la bonne démarche c'est de se dire putain le mec il s'est mis à il s'est mis s'est mis à, la, à, à, à vouloir changer de vie et tout la moindre des choses c'est que je l'encourage pour qu'il ait une meilleure santé parce que ça fait l'esprit sportif c'est l'esprit humain en général quoi c'est tu dis putain mec par exemple tu il y a plein de fois où par exemple je vois des gars ils arrivent à la salle par exemple où ils courent n'importe où alors ils courent n'importe comment ils font n'importe quoi sur les exos et je vais très rarement leur dire euh, bah là je pense c'est par exemple ils font du tirage nu qu'ils le mettent c'est derrière le cou et tout et je vais très rarement leur dire, mais bah là, tu devrais plutôt faire comme ça et tout, sans te commander ou quoi, tu devrais plutôt faire comme ça. Je pense sinon, tu peux te faire mal et tout. Je pense que c'est mauvais. Il y avait un deuxième exemple, c'était à Lisbonne, un truc qui m'avait surtilté, mais j'avais rien dit en fait. C'était euh, Delphine, en fait, elle était allée à la salle du coup, euh, et du coup, il y avait un couple de Français, mais comme on est, comme on est, comme on est à Lisbonne, ils ne savent pas qu'on parle français quoi. Et là, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fout là Elle fait n'importe quoi et tout, parce qu'effectivement, elle était complètement paumée, c'est la première fois qu'elle est dans une salle de sport, elle ne savait pas trop faire d'exercice. Et j'ai trouvé ça dégueulasse parce que même encore plus si tu es un sportif chevronné, c'est que tu n'as pas du tout compris l'esprit sportif. quoi. C'est que tu es une vraie merde en fait de dire ça. Alors que le, la vraie démarche, c'est de dire, Eh, hey, je pense que tu fais mal l'exercice, je pense que tu devrais faire comme ça. quoi. Ben, c'est pareil, c'est dans, dans le poker, c'est pour ça que je fais aussi ces streamings. C'est avoir l'envie de, de structurer son jeu, avoir l'envie de progresser, avoir l'envie de ne pas faire n'importe quoi, avoir l'envie de se former techniquement. Et là, cette paire de valets, les gars, elle me flippe. Oh, non. Non Putain, c'est des gros flips à gagner ça. Fais chier, j'ai fait brûlant quand même. Juste à côté de ça, sur les 5 euros. Aïe aïe aïe. À partir de combien de BK tu joues les 5 Franchement, tu peux jouer quelques 5 à partir de 100 balles. Et dès que tu redescends à 400, tu redescends sur les 1 et 2. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de gap entre les 1 et 2. Et les 5, donc tu peux à partir de, on va dire, 500 balles, 450, tu joues un petit peu les... Tu joues un petit peu les... Les 5 euros et dès que tu redescends 400, tu redescends sur les 1 et les 2 quoi. Ça me paraît être une bonne une bonne philosophie. Salut Pia, est-ce que le cachet que tu vas prendre auprès de Winamax en faisant ce challenge est plus onéreux que celui du dernier challenge que tu avais fait il y a un ou deux ans euh, Franchement, je te cache pas que ben, j'avais eu un, un, un cachet la, la, il y a deux ans, mais qui était pas, qui était pas, je sais pas, c'était pas du tout énorme. Mais surtout, c'était simplement euh, les boss de Winamax qui m'avaient fait franchement t t as fait un mois parce que j'avais rien demandé, tu vois, zéro sous vite fait, avais fait un mois. Franchement, on va te filer un bonus. Et euh, cette année, euh, je suis pas du tout, je suis pas du tout euh, rémunéré. Oh, non, on va prendre, quand même. Je ne suis pas du tout rémunéré pour ce challenge. Euh, il était prévu dans mon contrat quand je l'ai re-signé il y a deux ans, en fait, simplement. Et pour vous dire, par exemple, les vlogs aussi, je suis pas du tout rémunéré par vlog. C'est Delphine qui gagne euh, de l'argent sur le vlog, mais moi, je les faisais gratuitement. Quoi. Voilà. Oula, Vic Lafrite, oula, je t'arrête tout de suite. Salut Pierre, j'ai monté euh, 11 000 euros en 7 mois en partant de 100 euros. J'aimerais me lancer avec Non, non, non. Surtout pas, parce que en fait déjà, euh, tu dis j'ai 11 000 de BR, de BR c'est ce qui me permettra de vivre un an. Mais non, cette BR, en as besoin pour euh, cette BR, en as besoin. Là, je, vais en mettre, je pense. Cette BR, en as besoin pour, euh, pour jouer au poker et pas pour et pas pour vivre en fait. Donc, euh, donc là non, pas du tout. Il faut au moins avoir je pense beaucoup plus d'argent pour être pro. À part si es un petit jeune qui veut tenter l'aventure la et qui a un matelas de sécurité derrière qui peut reprendre les études etc. Là, je te dirais pourquoi pas, essaye. » mais euh, il mais faut vraiment que ces conditions prérequises Non c'est vrai on dirait que j'ai des pouces je sais. Salut merci brochette ça fait trop plaisir. Roi Dame le Roi de cœur on va seulement check back on n'a pas du tout envie de se, check -ray, de se faire check -ray sur ce board. Autrement à la Shonen value. Mais tu vois c'est ça je comprends pas c'est que le mec se connecte au stream il va venir dire ah oh, euh, arrête on dirait que t'as des poux tu vois c'est un peu tiltant quoi. C'est un petit peu tiltant, c'est est-ce que tu te fais putain genre j ai, j ai, je pourrais être à Barcelone à jouer le PT ou en vacances avec mes potes et pourquoi en fait tu viens me faire chier sur les streaming, tu vois ça n'a aucun sens, si tu veux pas regarder, regarde pas. Ok, 4-10-4-9-9, une marque qu'on va folder probablement parce qu'on bloque Valet-Dame, on bloque pas mal de, de Roi de cœur on bloque aussi pas mal de commissions de bluff. Euh, salut Pierre, question sur une méca management, peut-on inclure des tournois qualificatifs Oui, mais il faut savoir les jouer, et c'est vrai que c'est très compliqué à jouer les tournois satellites, donc moi si j'étais toi, je, je focuserais simplement sur les... les tournois comme ça. Ok, là j'ai perdu 10, 13 land deep, ce qui fait quand même 27 000 jetons en soi. Je simplement raise cette main. Je ne sais pas si c'est très bien joué, je pense que je dois open shove peut-être quand même, mais cette paire de 10 elle est pas mal, j'ai bien envie qu'ils défendent des mains comme cinq six suité des trucs comme ça quoi oh, un encore j'ai 7 blindes à mettre, Rivière. J'ai beaucoup de droits dans mon range qui vont check back. Je vais simplement passer avec le 10 de pique ici. Oh là là, terrible aussi, ce… J'avais peut-être dû open shop simplement. là. me demande si je pas laissé réaliser les pour rien. Euh, je vais quand même call avec mon brelan, mais pas content du tout quand même. Aïe, aïe, aïe. c'est vraiment un run out horrible. Il pourrait bluffer quand même des mains genre ouais il, pourrait... il fait tout petit je vais être obligé de call mais pas content quand même il a souvent une main genre paire de six, paire de neuf avec un pic des choses comme ça mais bon il peut avoir des bluffs quand même As 10 classe de pic aïe aïe pas le meilleur 5 minutes là pas ouais, il est très bon à note <laughs> Euh, j'ai trouvé qu'avec As, tu avais l'air de plus engager ton tournoi sur une main avec cette volonté de bracelet ou rien. Et que tu avais les meilleurs résultats en 2000... Ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai eu. Franchement, j'étais assez. Euh... En fait, j'étais. Ces trucs de vlog, c'était nouveau pour moi. Et c'est vrai que le fait d'être tout le temps. Avoir la... Oh là là, je ne vais pas se folder, je pense, là, quand même. Face dame avec des positions aussi light. Ouais. C'est vrai que j'avais quand même. Euh... J'ai pas coller, valet de et ça va me faire mal. C'est vrai que c'était quand même nouveau l'exposition. Et en fait, il faut que j'apprenne simplement à me foutre du regard des autres. Là, je vais call. Et jamais, si jamais je chopais quelque chose, j'y allais. Voilà, du coup, c'est parfait. Et c'est vrai que c'était nouveau. En plus, c'était nouveau de travailler avec Delphine. Donc, tu avais quand même l'envie de particulièrement bien faire. Donc, si tu avais des critiques négatives envers elle ou moi, c'est vrai que ça fait deux fois plus mal, quoi. Mais voilà droit Set off. On ben va coller si on flop quelque chose, on va y aller. N'est pas le cas. Comment et quand as-tu rencontré le film Je l'ai rencontré, euh, franchement, en boîte de nuit. Et euh, euh, figurez-vous que. Je l'ai rencontré en chopant sa meilleure copine. Et elle, elle était en couple depuis euh, depuis euh, des années à l'époque. Et, euh, et donc, c'était pas du tout au départ une target. Mais après, vous savez, la vie fait que. Et parfois, vous tombez amoureux et voilà quoi. Ok, on va partir à boîte avec cette paire de dames. Enfin, on va trop bête. Ah, ce ensuite est très important de pas partir à tapis avec cette main, de simplement la réaliser. Oh là là, le full house de l'espace. Allez, Briakos, fais la connerie avec ta paire de 6. Fais la connerie, bébé. Oh là là, putain, il s'est bougé qu'il n'y rien là l'ai mis trop du de, de board avec AS3, table 4. On va s'en rechecker. Hein. on va essayer de leur faire rentrer une petite ventrale ou un truc. Hein. On va avec combien sur ce tournoi 100 000, donc là on est... Tiens, stack de départ. Ok, Asdam, une situation qui est pas mal, puisqu'on pourra revenir au stack de départ si jamais... On est payé. Allez les gars, faut s'accrocher. Salut, fou, c'est quoi le plus haut à atteindre Le plus haut niveau, au resto au plus haut. Franchement, je vais pas te mentir, les deux sont assez durs. Je crois que là, je dois bet et call all in. Ça va être la fin sur le sud versus le reste du monde, je crois. Et je dois partir à tapis avec cette, cette paire de valets. Allez, aïe aïe aïe. Ça, c'est pas bon du tout. Putain, on gagne pas les coups là. Ok, on va rajouter un tournoi. Qu'est-ce qu'on va rajouter En fait, je préfère limite faire un, un enregistrement tardif sur un, non, sur un Monster Stack 2 euros. Après là, j'ai un Big Bang. À quelle heure ça se termine ça 2h40, franchement. Putain, ouais, mais c'est à 5 euros, c'est trop dur, ça. On va faire plutôt des turbos à 2 euros, là. C'est la fin de la vitesse normale. Qu'est-ce qu'on a en turbo à 2 euros, là On a le kill the fish. Alors, 15 minutes l'after foot. Sinon, le kill the fish, c'est pas les blindes, là 2 euros on peut quand même un peu jouer quoi on, on a quand même 250 bains allez 300 600 allez 30 blindes c'est pas si mal ouais mais c'est un chaos je vais pas faire un chaos avec 30 blindes donc on va attendre 14 minutes on va rester à Foot et on va faire un peu plus de questions Salut Pierre, j'ai commencé une carrière en tant qu'ingénieur, mais je déteste ce que je fais. Tu penses que je peux tenter une carrière de poker Alors, pour que tu sois, pour tenter une carrière de poker, il faut que tu aies des prérequis qui sont énormes. C'est-à-dire que tu sois sûr d'être joueur très gagnant, sous les plus hautes limites, que tu gagnes beaucoup d'argent, etc. Parce que c'est quand même une voie qui est quand même très très particulière. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de garder ton boulot et de faire augmenter la part de poker au fur et à mesure pour voir si tu as les reins assez solides, etc. Et si jamais c'est le cas, quand tu as à peu près 20, 30, 40, 50 000 euros, te lancer, pourquoi pas mais pas avant, c'est un gamble trop risqué. essayez peut-être de voir essayer peut-être de voir une autre voie qui peut-être plus proche de l'ingénierie où tu serais plus, euh, plus heureux ou peut-être que c'est simplement la boîte dans laquelle tu es pas vrai. ce qui est sûr, c'est que si tu dis je déteste ce que je fais, c'est qu'il faut que à un moment tu changes de boulot quoi. À part si tu es un gosse et que si tu es dépendant de ton salaire pour le coup parce que c'est en fait c'est le meilleur moyen de péter un pont en fait que c'est ce truc et je peux pas imaginer que des gens en fait souffrent du lundi au vendredi pour un boulot quoi. C'est quoi j'imagine imaginer que là je déteste streamer, mais vraiment que je déteste jouer au poker, que je déteste streamer, mais tous les soirs je viendrai avec la peur au ventre, ça serait atroce, je pourrais pas animer ça, ça serait impossible. Impossible. Pourquoi tu n'essaie pas de faire abstraction que tu de, de ce que tu ne contrôles pas comme au poker les haters il y en aura toujours Bah justement c'est ça le problème c'est que tu dis si jamais j'essaie de plaire à tout le monde peut-être que je vais y arriver, tu vois ce que je veux dire. Le Briaco c'est vraiment moi. Bon. Pas de cash game à part un peu à Vegas pour moi. J'ai pas les bombards. Salut Pierre, euh, toujours, enrichissant, toujours enrichissant ce challenge. Penses-tu que tu pourras aborder dans la partie technique les ranges de Rossil Bien sûr, et le but c'est vraiment. Voilà, j'ai trop oublié de bluff par contre. Euh, et là, le... ils n'ont pas trop de valets hein, dans leur range. Oh là là, tapis alors que j'ai l'as de cœur, c'est quand même fort de café. Bon. Là par exemple, je pense qu'ils ne devraient pas trop avoir un jeu de tapis à part s'il y en comme Roi Valet de cœur spécifiquement. Euh... Oui, bien sûr. Et le but, c'est comme je t'ai dit, comme je vous ai dit, c'est que d'avoir 12 streams, c'est qu'on va pouvoir apporter absolument toutes les situations, short stack à la bulle, gros stack à la bulle, stack moyen à la bulle, stack moyen en TF. Enfin, j'espère qu'on pourra voir stack moyen en TF, gros stack en TF, petit stack en TF. Sur les 180 max, normalement, on devrait avoir vraiment, vraiment de grain à moudre et vraiment avoir un peu toutes les situations possibles. Et c'est pour ça que c'est hyper, hyper, hyper important d'avoir de, de, ces 12 streaming de suite, en fait. C'est que ça permet de d'avoir une aventure qui permet de voir toutes les situations et, euh, et, euh, et c'est vrai que voilà il y aura les replays sur YouTube donc chaque soir vous allez pouvoir un peu prendre un peu des oh, terrible ça on va checker là on n'a plus du tout davantage de range on va simplement réaliser notre cutture Oh que c'est beau cette couleur, quelle est belle cette couleur. Ils devraient pas avoir trop de foule. moi bon, ils peuvent avoir des... En fait, je veux dire qu'ils ne peuvent pas avoir trop de foule, genre 2 et 4 par exemple. Ça me paraît assez impossible. Ils peuvent avoir des quintes par contre. Ils peuvent avoir des mains comme A5. Ok là les gars, on va faire tapis bien évidemment. pour se faire payer par un 5 notamment. Bon là il est tout le temps devant, ça c'est assez cool. La première on paye à 4 la tentation. Est-ce qu'il recollera le 4 à la rivière Ça c'est la question, ça serait intéressant à voir. Oui oh, il a 40 Ouais c'est bon, ça va être payé ça. Et à suite on va y aller sur ce monster stack. Allez, attention à l'orthographe, la tentation. Attention à l'orthographe quand même, s'il te plaît. Allez, c'est mieux. Salut la patate douce, ça fait plaisir de te voir aussi. N'oubliez pas que je suis sur tous les chats, Twitch, minimum TV, tout. Et pas de pété pour moi. Alors, le asking full flopé, tu avais 20 bébés, tu as dit très important de just open, peux-tu expliquer pourquoi c'est que ici c'est très important d'avoir As-Roi Suite dans sa range d open, D'une part, car tu régénères en fait des profits simplement parce que les joueurs derrière vont coller plein de mains dominées. C'est-à-dire que s'ils ont les cœurs, ils vont être forcément dominés. S'ils ont un As, ils vont être forcément dominés. S'ils ont un Roi, ils vont être forcément dominés. Et Donc ça te permet de prendre énormément, énormément de jetons quand tu fais top pair ou quand tu fais flush draw. Donc ça, c'est hyper important. Je te donne un exemple. Là, on avait 20 blindes. Si tu fais tapiter 20 blindes, la grosse main, elle va folder roi 10, la grosse main, elle va folder à suite, etc. Alors que si tu minerais elle va call toutes ces mains qui sont dominées. En plus, c'est une main qui joue hyper bien multiway. L'autre truc, c'est que quand tu as 20 blindes, tu n'as pas envie de faire tapis avec tes mains hyper fortes. D'accord? Et simplement raise tes mains un peu bancales. Donc ça permet aussi de d'équilibrer tes ranges de raise. Je ne sais pas si j'ai été très clair, vous me le dites. Mais voilà, je crois que. Moi je crois que c'était clair en fait. Donc voilà, pour ces deux raisons-là. C'est important d'avoir as-3 suité dans sa range de raise ici, 20 blind deep, mais même quand tu es plus short. C'est le même raisonnement exact que poussé à l'extrême avec Perdas. Tiens, on, va, on va quand même avoir un, une petite taille sur la. En bas à gauche, parce que elle va commencer à être importante. Elle va commencer à être importante, puisque on va pas être loin de la bulle. Ça fait chier d'avoir perdu ce flip avec paire de vallée contre la suite là de trèfle. Là, je me vois vraiment pas foller ça et là. As 2, 3, 4, 5. Ok, il a quand même très peu de paires. Il co sur ce board. Hein. Je veux dire, sur 4, 5, 2, 5, il va pas défendre énormément de deux. Il va pas défendre énormément de On oh ben va être assez petit ici. Pour, le faire full, pour lui faire call. Un truc comme un, un 5, par exemple. Je pense qu'il a souvent R également. Ouais, ouais, ouais. ouais. Passe, Valais dame L'afterfoot. Peux-tu nous donner un petit cours de C-bet en même temps que tu joues J'ai du mal à savoir quand il faut C-bet ou non. Alors, ça, c'est un travail technique qu'il faut faire. En fait, tu veux C-bet extrêmement souvent quand tu as un avantage en équité. C'est-à-dire que, par exemple, tu raises UTG 9 à table, la grosse blinde défend sur les boards As-O et Roi-O, tu vas le défoncer en termes d'équité. Et donc là, tu veux C-bet ce qu'on appelle range, c'est-à-dire toutes tes mains, tellement tu as un avantage en équité. L'équité, c'est tes chances de gagner le coup. Et du coup. Euh, par contre, lorsque les équités sont bien réparties, c'est-à-dire que lorsque on est à deux ou trois joueurs et que chacun a à peu près les mêmes chances de gagner le pot, là, on va vouloir beaucoup checker. Les trois joueurs vont vouloir beaucoup checker. Et ça, ça peut être assez intuitif. Tu raises en early la big blind défense, ça vient des cartes hautes. Tu peux avoir quand même une assez bonne idée que ça favorise ton éventail de mains plutôt que le sien, et ça veut dire que tu dois bet très souvent. Merci Docs Xcard. C'est euh, euh, incroyable ces petits commentaires. Merci beaucoup. Salut Pierre, c'est la première fois que je vais jouer les séries. Un conseil pour les aborder à B15, soit fort, parce que la variance, elle va taper fort. Quoi. Si tu vas jouer des fields à 20, des fois avec 20 000 joueurs, 30 000 joueurs, si tu fais les, les, les tournois flight. Euh, Joue-le comme un kiff et joue-le pas comme un truc où tu te dis je vais forcément gagner de l'argent parce que tu vas avoir beaucoup de variants. Si tu veux forcément gagner de l'argent, c'est plutôt ce, ce type de tournoi qu'il faut jouer. Les 180 max et tout, les deep stack et compagnie. Quoi. Ça ne te tente pas de faire plus de vidéos stream avec des parties théoriques après ce challenge euh, Franchement, why not Franchement, why not Mais euh, je, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, essayer de faire au moins une petite partie de 10 minutes euh, sur. Euh, euh, comment bien aborder son grind de manière structurée au tout début. il y a beaucoup de questions, hein, c'est incroyable. Salut Pierre, un tu investi dans la crypto Non, pas du tout malheureusement. Merci David Santamaria. Maria. Et eh bien écoute, on est en plein dans le deuxième là les gars. Est-ce que cette paire de 10, elle ne nous permettrait pas de doubler par hasard C'est très sympa de doubler là. On n'a pas eu une très bonne demi-heure. Oh blind blinde la moins 25, blinde deep, ce serait le bon nivel qui fasse tapis, Il a souvent un merdique ou souvent souvent une main qui qu domine vraiment quand tu fais tapis là. Salut à tous, salut Pierre. Euh, J'ai déjà entendu dire que c'était un de mes tournois préférés, que c'était un de tes tournois préférés. Penses-tu faire une session à journée et intégrer le digestif Alors... Si j'étais complètement libre de mes mouvements et qu'il n'y avait pas les impératifs de streaming, bien évidemment, que je jouerais plutôt les après-midi, voire mêmes les matins. Mais là, avec les impératifs de streaming, je ne peux pas faire n'importe quoi. La Winamax TV, malheureusement, n'est pas forcément mienne. Euh, donc, euh, non, on va jouer toujours les, tous les soirs à la même heure. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut, au fur et à mesure, construire la session de manière plus. Vous allez voir que la session, elle va évoluer au fur et à mesure selon les tournois. Là, par exemple, déjà, j'ai un enseignement c'est le Sud versus le reste du monde. 2 euros, KO, niveau très faible. Je vais jouer tous les soirs, directement. Il va, être, il va être absolument génial. C'est un tournoi de fou, ce tournoi. C'est la folie. Non, je ne joue pas sur GG Poker. Comment tu vas, Pierre bah, Écoute, franchement, ça va. J'avais vraiment besoin de vacances. et J'étais vraiment content d'en avoir un petit peu. Euh, J'étais vraiment cramé avec euh, après Vegas. Euh, à tel point, par exemple, qu'on a, on a pris des vacances. On n'a même pas sorti le dernier vlog pour l'instant, mais il va sortir bientôt. Et il va être fou, fou. Ce sera le Vegas fou, fou, fou. fou. Et, euh, et euh, voilà, Je, ça, ça, ça fait du bien de voir un peu les copains, de, de rentrer chez soi, de, de revoir l'Europe, parce que les Riquins, c'est vraiment des malades mentaux, de fous. Et voilà. Salut Pierre, pourquoi ne joues-tu pas à Barcelone bah Parce que j'ai ce challenge. Et que franchement, ça me manque... Bah, Barcelone est cool, mais j'étais content de faire un... The challenge là voilà et je me rattraperai, ouais, je me rattraperai sur les gros buy-in plus tard, il y aura le 25K au PCA, il y aura le PCA, il y aura le PT Londres, il y aura le PT Prague, etc. Puis ça fait du bien de voir un peu Lolo ou et tout. Hein C'est le pire des satellites en début de session pour des 5-10 euros que tu veux en faire. Non, malheureusement, je vais les jouer directement, je pense. Je vais faire des petites entorses au background management en jouant des 5 euros parce que j'ai que 12 sessions contre 16 la dernière fois. Donc euh, voilà. On va, on va bien voir comment ça se goupille. Là, vous voyez que j'ai lancé quand même pas mal de tournois. J'ai perdu que 25 euros. Donc, ça même si je brique tout et que je fais 25 sessions comme ça, ça me broquerait pas. Donc là, j'en ai que 16. Donc, je peux quand même envoyer quelques 5 euros. Je sais qu'il y a des risques de variance, des risques tout simplement de perdre sur ce challenge parce que j'ai n'ai pas assez de volume. En fait, je fais que quatre tables à chaque fois. c'est n'est pas assez. quoi Mais, euh, mais euh, quand même, voilà 12 sessions avec huit tournois à chaque fois, ça fera quand même un petit nombre. Un nombre quand même un peu conséquent. Et normalement, on devrait voir un peu toutes les situations au fur et à mesure. Et puis, petit coup de pouce. Et puis, on devrait avoir quelques belles TF quand même, j'espère. Allez, les gars, tous, tous l'afterfoot là. Ça coûte 2 balles. C'est un turbo. On va s'envoyer là. Ça va être sympa. Non, non, cette série sera bien évidemment du disponible sur, sur YouTube. Salut Godren, merci beaucoup. Alors là, on va enlever le truc de l'afterfoot parce que simplement c'est rouge. Donc ça pourrait, si jamais j'ai une tabouche presque qui hein, sur les sessions prochaines, ça pourrait m'induire en erreur. Merci Godren, ça fait tellement plaisir. Allez, ça serait bien là. Hein. Ça serait bien qu'on puisse avoir un petit double up sur sur ce tournoi où à des fois dans le double up avoir un petit euh, prendre un, aspirer un petit short track ça serait assez sympa on prend les blindes c'est déjà ça hein. salut Pierre, au challenge j'ai envie tu prenais beaucoup de notes sur les joueurs Si, j'en ai pris plein j'en ai pris vraiment pas mal Et on va coller tapis bien sûr, hein, mais euh, là je vois pas comment faire autrement. J'espère pas prendre tapis parce que là je le truc c'est que c'est vraiment une carte qui me favorise quoi. j'espère vraiment pas me prendre boîte, ça serait catastrophique. Mais là il devrait folder à ce roi à ce dame maintenant. Allez parfait. Ça c'est cool, très bon coup. Euh, non, tout sera streamé. En fait, j'avais longuement débattu, est-ce que ce serait bien de, de streamer ou pas Oh là là, lui c'est catastrophique, ça je pense. Euh, est-ce que ce serait bien, de, de, par exemple, que je fasse des sessions quand je suis tout seul Mais déjà, le truc, c'est que là, j'ai 12 sessions en 15 jours, donc j'ai que 3 jours off, donc ce sera tout streamé. Ce que je regrette un peu, c'est que je ne peux pas faire 6 tables. Et ça aurait quand même un peu aidé en termes de volume de pouvoir faire 6 tables, comme la dernière fois, j'avais des tables sur le côté. Mais bon, c'est comme ça. Bah, me pronostique pour le ballon d'or, ben Benzema. Hein. À quand le retour de la Top Sharp pour gagner un contrat Bah, bien sûr. Pierre, ton retour sur l'émeute qu'il y a eu lors de la fin de WSOP lorsque les gens ont pensé à un attentat m'avait glacé le sang. Est-ce que c'est pour ça que nous n'avons jamais vu la fin des super vlogs de Delphine euh, Non, non, pas du tout. C'est euh, en cours. C'est juste qu'en fait on était en vacances et, euh, et euh, du coup on était... On a voulu prendre des vacances parce qu'on n'en pouvait plus quoi. Et du coup là le vlog va sortir et ce sera le meilleur de la série pour moi parce qu'il y a un énorme deep run sur le un des plus gros buy-in. et il y a en plus ce truc de tireur où on voit les... Enfin, du coup on ne filmait pas pendant l'incident. Le, pendant le, Mais euh, on voit juste après, en fait, où je suis avec Alex, qui on était enfermé dans les cuisines. On a... on est... il, y a... il y a du sang un peu partout. Très chelou, très chelou, très chelou comme épisode. Et donc, il y aura de ça, mais on... Delphine est dessus et ça va sortir bientôt. Où je joue au poker depuis plus de 10 ans maintenant 2010 Ouais, pas de, pas de tracker. Ok à ce 10 là, on va pas faire grand chose. Envisager de bet tout petit et chauffe sur un roi ou un valet, mais bon. Ça, ça c'est un board qui touche bien le range là, le queen high. Ça envoie du pâté sur l'after foot. hein. Tu penses quoi du pari à 700k qui est tombé sur le tennis bon, C'est stylé, hein Qu'est-ce que tu te dis est Le mec là et... C'est magnifique quoi, mais Ok Marcelo, il en fout partout. C'est magnifique. J'aimerais que ça m'arrive un jour, mais... Pourquoi pas Alors, 59, 26. Donc quand on sera 52, on va le passer en table rouge. Sur le diffta de 2-0. Salut Hornblue, allez Joe, une dans l'after aussi. Putain, je suis contre des fous furieux mon gars. Je me demande si je dois pas call ça si le tripper à tapis. Ah, il se fait trop bête. Intéressant de voir ça. On a des très short stack comme ça, ça c'est intéressant comme spot. Ou oh, le 9. Ça aurait été incroyable. Dame 7 de carreau, on va y aller. Ou oh, ça c'est bien parce que ça c'est le tournoi on est deep les gars. La paire de rois, c'est le tournoi. on est deep. Putain, ça se vraiment bien doublé. J'en rêve. J'en rêve. Marabot, paire de valets, il y a tout. Faut que ça tienne. Oh oui, tapis. Allez. Oh là là. Non, pas comme ça. Allez-y, Allez-y, et ça, en fait, c'est hyper important parce qu'au moment où on va arriver à la bulle, c'est important d'avoir un stack dominant. Donc tous ces petits pots, ils vont, ils vont avoir, ils, en fait ils vont coûter pas mal d'argent si vous les perdez. Mais si c'est que 6-7 blindes, ça peut faire la différence. Donc ça va faire un delta de 12 blindes, euh, même 14 blindes qu'il y a dans le pot. Ça peut faire la différence entre avoir un stack dominant et la bulle. Et comme on a dit, quand c'est début la à 26, c'est hyper important. Ça vaut beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de, de, de pouvoir attaquer à la bulle. Là où bien évidemment monter 3 avrètes sur le sud versus sur le reste du monde quand c'est itm à 300, c'est moins moins important bien sûr. Ok si c'est deux si c'est pas petit je vais call si c'est pas gros je vais fold. Il fait tout petit bordel. Mmh, sick. ou oh, le 6 table 1 ça c'est une bonne nouvelle pour moi ça répartit les stacks à ma droite et ça les empêche de trop réaliser donc c'est vraiment pas assez bonne nouvelle ok là on a un cas un peu d'école table 1 c'est un cas où on n'a pas envie que en fait la grosse blinde défende parce qu'elle est short stack je pense que en fait sur un petit bain on peut faire simplement deux blindes on s'en fout parce que de toute façon, il va trop folder sur, la... sur un raise. Soit ils... je pense qu'ils ne vont pas défendre sur les petits blinds Donc en fait, on peut faire deux blindes simplement. Mais sur des high stakes, c'est un... sympa de faire, faire 3.5x par exemple. Ok les gars, perdas. <laughs> Allez. Savade, envoie la boîte. Non, Savade. Non, Savade. Ça Savade ça pas. Ça va de ça va de pas putain ça va de ça va de pas vas-y que c'est ici encore ok ouais. allez pour trois blindes on prend hein, quand même Salut Pierre, est-ce que tu pariais toujours un peu sur le tennis Ouais, toujours un petit peu euh, D'ailleurs, j'ai bien gagné récemment sur Cincy. mais euh, là je fais une pause parce que je voulais préparer mon challenge et voilà. Il faut pas tirer. C'est quoi l'expression déjà Tirer plusieurs buffs à la fois C'est quoi l'expression déjà Chasser plusieurs renards à la fois Bon bref, vous avez compris. Il faut pas. Non, chasser plusieurs lèvres. chasser plusieurs lièvres à la fois. putain, c'est quoi l'expression il ne faut pas courir plusieurs lèvres à la fois, non Ouais, il ne faut pas courir plusieurs lèvres à la fois. Putain, je vais plus parler français. Ouais, ouais, il ne faut pas courir plusieurs lèvres à la fois. Là, on fait le challenge poker, on le fait, on le fait bien. Je pense qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de taf. Et, euh, et voilà. Vois-tu un coach mental ou pas du tout ben, Le coach mental, c'est plutôt en fait la vie déjà. Parce que j'avais, j'ai travaillé avec Pierre Gauthier quand j'étais jeune, en fait. Et ça n'avait aucun effet. Parce que simplement, en fait simplement mes objectifs étaient pas clairs quoi et le truc c'est qu'une fois que tes objectifs sont clairs tu t'as plus trop besoin d'un co coach mental donc par exemple moi mes objectifs quand j'étais jeune c'était plutôt d'aller rencontrer des meufs en boîte euh... c'est un peu le truc c'est un peu quand t'es jeune tu cherches surtout en fait à un peu un peu à baiser tu vois c'est un peu le truc euh, qui drive ta vie j'ai l'impression peut-être c'était que moi j'en sais rien t'as juste envie d'aller en boîte de serrer des meufs et de kiffer ta vie avec tes potes et rigoler quoi donc c'est un peu une vie très instinctive finalement Ok. Ça c'est pas mal sur le monster stack d'avoir un hein, la top paire. Père de 8. Allez, c'est la pause. Alors que finalement, plus tu vieillis, plus tu... a d'autres objectifs qui en fait... Oh là là, le 9, il mérite le 9 pour le slow roll. <laughs> Bon allez, à tout de suite. C'était une très bonne heure. À toutes. Allez, c'est reparti pour la troisième heure avec une table notamment qui est intéressante. On va tout de suite la mettre en rouge. Ça, c'est un truc qui est intéressant, par exemple, que personne, que très peu de gens font. C'est lorsque vous avez une table qui est proche de l'ITM, mettez-la en rouge. C'est hyper important. Ça vous permet de vous, d'un seul coup d'œil, surtout quand vous en avez beaucoup. Ou oh, merde, j'ai fait. Le truc assez, j'ai fait une dinguerie assez folle. C'est qu'on a voulu faire un test 8 tables. Oh oh, j'ai fermé la mauvaise table, je crois. Oh là là, j'ai fait une dinguerie, je sais plus. Aïe 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 aïe. Il faudra que je rouvre tout. J'ai fermé une table parce qu'on voulait faire un test avec 6 tables. faut que je recherche mes tables. Aïe aïe aïe, ça c'est terrible pour le voleur. Ok, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. 6. Je recherche ma dernière table. C'est terrible ce, que je... ce qui s'est passé. 7. Le Big Bang. Le Big Bang. Est-ce que c'est le Big Bang, les gars Aidez-moi Aidez-moi J'ai pas joué le Big Bang. Kill se Fish. J'avais une quatrième table, je avais que trois. Ok. J'avoue que je sais plus. Aidez-moi. Est-ce que j'avais quatre tables ou trois tables Parce qu'on a, on a un peu traficoté avec Lolo. Putain, comment est-ce que je fais ça Ok, celui-là, il n'y a pas.

Ok, je n'ai que 3 je pense. Donc, on va relancer une. Au oh, calme. J'avais que 3 tables et y a putain, je sais plus. C'est terrible ça. Tapis Valé 10 ici. Presque en dernier en plus. 13 plus. Waouh. Très important table 1 de prendre une note là. Les affiches de euros, c'est pas mal. Ça ça vient de commencer en plus. 100-200, ouais, parti. Putain, mais ça m'en va... ouf. Ah, c'est bon. C'est bon, les gars. On est reparti sur quatre tables. On est bien. Excusez-moi, je savais plus. J'ai trois ou quatre tables. Vous allez pouvoir m'aider en plus. Pourquoi américaniser Ça, c'est une... une question intéressante. Pourquoi américaniser les noms oh, Franchement, c'est venu comme ça, comme un... en fait, du coup, on était en train de créer le challenge. Et c'était vraiment, euh, vraiment comme ça, euh, pour, pour faire un petit clin d'œil, c'était l'époque de Trump et tout, et c'était vraiment pas du tout pour, pour, pour encenser la culture américaine que je trouve au Verity de fou. Et puis ça faisait un visuel sympa, je trouvais. Hein Allez, TF du guérilla, allez mon gars, allez, faites, et franchement, faites, faites part de vos TF et tout, raillez-vous entre vous, c'est un, un peu ça aussi le, le but. 17, c'est un fold ici. Pas de festival, Barcelone, Pierre, tu t'es broqué à Vegas, c'est ouais. Malheureusement, ah non, je ne me suis pas broke, mais j'avais envie de renouer avec vous et de vous faire partager un petit challenge. Enfin, c'est enfin, une aventure commune, ça m'avait manqué, ça. C'était ça qui était très dur à Vegas aussi, c'était de faire des, des vlogs et d'avoir zéro, zéro deep run, quoi. C'est-à-dire, tous les jours, j'y vais, je bust au premier flip. Tous les jours, j'y vais, je me fais fumer. Ça, c'était vraiment pas évident. Vraiment pas évident. Ok, 8 et 5, le trèfle les gars, plus vous êtes short stack, plus vous voulez défendre votre grosse blinde, surtout quand vous êtes heads up est-ce que vous allez, avoir assez, vous allez à ce qu'on appelle réaliser votre équité. C'est-à-dire que là, si je flop une paire, moi j'y vais là typiquement. All-in. Pas à pas tortiller du cul pour chier droit. On y va all-in. Si tu veux me payer avec roi d'âme, j'ai à toi J'ai de l'équité et tout. Aucun problème, quoi. Alors ça se le rôle beaucoup sur ces limites, je crois. Il va me paire d'as ou quoi Voilà, parfait. Et là, vous avez pris quasiment la moitié de votre tapis. Easy, quoi. Ok, on a un... Vous voyez quand même comme il y a des différences de run, c'est que là sur le... la première table... Ouais, je vais pas dire ça parce que j'aime Jinx avec ma paire de valets, mais on a eu beaucoup plus de premium sur, sur la première table que sur les trois autres réunis. Quoi. Ok, on va être à tapis avec cette paire de valets quoi qu'il arrive là. Ok. Dame 7 non, mais ça c'est hyper important parce que c'est des coups à 7 blindes certes, mais qui font grave une différence à la bulle quoi. C'est des coups qui permettent de passer à 40 blindes et du coup de couvrir, de couvrir Fischer par exemple à la bulle. Là on le couvrira pas là maintenant. C'est assez chiant quoi. Aïe 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 Putain on va devoir repartir à tapis et casse d'âme là. Ok, je vais vous livrer un des secrets du hold'em là. C'est qu'ici on a un play qui, a priori, est de faire tapis. On a un play aussi qui est très très intéressant, surtout à l'approche de la bulle comme ça. C'est de call. On va bien évidemment aussi couvrir ses arrières en collant des mains très fortes, d'accord Et on va pouvoir fold ensuite sur un fold de Fisher qui, a priori, si jamais il devait faire tapis, aurait une range quand même extrêmement forte. Mais non, mais pas deux fois, putain! Tilt, quoi! C'est ah, vraiment chier pour le coup. Bon, on a quand même busté quelqu'un sur le... le kill the fish et on a foutu un peu de partout. Ok, next, ici. Putain, 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 putain. Ok, là, on a un avec Roi 10 parce qu'on ne bloque pas en fait les calls possibles. On ne bloque pas des top pairs, on ne bloque pas des deux pairs, on ne bloque pas toutes ces mains-là. Quand on a quinte ici, alors que si on avait une main comme par exemple Dame Valet, on pourrait pas overbet parce qu'effectivement, on, on, on bloque la calling range adverse, qui okay, est parfait là. Le plan s'est déroulé à peu près sans accro. Alors on va call quand même. Et là j'ai rien au turn, donc je vais simplement réaliser. Allez, ça passe, les gars. Très bon début d'heure. Il y a juste ces deux coups là qui nous ont fait passer short stack à la prébule. Ça, c'est chiant, putain. Mais j'aime mon état d'esprit pour le coup. J'aime mon état d'esprit. Le fait d'être affecté, de perdre des pots sur un deux balles, ça veut dire qu'on est dedans, on est focus, les mecs. On est ensemble, on est focus. Et ça, c'est hyper important. Ah oui, t'as sauté de tonton avant la pause. Ouais. Nickel, merci, les gars. Ah, J'ai assisté là. Ah, J'ai foldé. C'est qui the Fich, ils sont beaux les mecs. Regardez ça. Salut Bwen Let's go guys Et oublie pas, je suis présent sur tous les chats, Twitch, YouTube, Winamax TV. Posez-moi des questions. Je suis là pour ça. Vraiment. Ça me fait ultra plaisir. Et en plus, on a des petits deep -deep run là. En espérant qu'en haut à gauche, sur ce deep stack holdem, ça se... ça se concrétise. Ça serait sympa, là. Au moins, faire un petit item pour la confiance, quelque chose. C'est ouais, sympa. Oh, Kedabsang, salut. Ok, 9, 9 9, 5, 6, 8, et On va y aller. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire mal au bouton et qu'on peut faire mal. Euh, un petit perrier, s'il te plaît. Alors, oulala, oh là là, Loïc, qu'est-ce que tu m'apportes Viens voir, Loïc. Regardez-moi ce qu'il m'apporte. Mais là, c'est foutu. Oh, Dégage-moi ça. La volvic Citron, c'est foutu. Et là, regarde, tu vois, tu m'as porté la Volvix Citron instantanément. J'ai bossé d'un tournoi. Lolo, tu me dois 5 euros, s'il te plaît, putain. <laughs> ok. Un petit tournoi. Un balle. sinon un balle sur vous, ce serait sympa aussi. Hein. <laughs> ah, parfait, là. On a un, un bal turbo. Ça, c'est top. Allez. Le bal turbo, ça, c'est cool. Comme je vous dis, là, comme c'est, entre guillemets, des super turbos, les aides sont très peu conséquents. On n'a pas envie de flinguer sans non plus sa rôle à jouer des 5 balles là-dessus. Donc, on va jouer que des 1 et des 2. Pas de TF, mais une cinquième place sur 300 et 4 joueurs sur une dingue de 1 euro, 15 et quelques de qui Plaisir. Bah oui. Que pense une streameuse qui commence par amour et qui se termine par rente Mais qui est-ce Qui est amourante Hello, comment as-tu commencé à jouer Tu préconises le live ou l'online online Franchement, 100% le online parce que c'est là où tu vas faire tes gammes, c'est là où tu vas pouvoir faire du volume et surtout le problème du live, c'est que c'est tout de suite très cher. Tous les tournois, c'est 200 balles, 300 balles. Donc si t'as pas 2000, 3000, 5000 de rôle, T'es foutu. Mais c'est qui, Amourante euh, Je suis deg de ne pas savoir qui c'est en soi. Allez, allez, s'il vous plaît, les gars. 40 sur 26, on a 14 de l'argent. On va serrer les fesses, comme Jaja. Il y a combien 80 balles à la gagne 88 euros. Putain, ça serait si beau début de challenge. Un si beau début de challenge d'accrocher là. T'as l'after, c'est la foire aussi. J'étais fixé une certaine somme à attendre à la fin des 15 jours. Non, assez clairement non. Mais euh, si jamais, jamais. Donc, sur des petits bains, en fait, tu vas jamais. Waouh! Tu ne vas jamais gagner des sommes astronomiques, hein, puisqu'en plus, j'ai décidé de ne pas jouer les gros fields à part le Sud versus le reste du monde. Mais si j'arrive déjà à faire, on va dire, 50% ma roll, donc 750, ça serait déjà absolument énorme. quoi, absolument énorme. Et même si j'arrive à gagner, on va dire, 100 ou 200 balles sur 15 jours, euh, en n'ayant pas un run extraordinaire, je trouve que ce sera déjà sympa. Que ce sera déjà sympa, parce qu'en en fait, tu te dis, ah c'est exactement ça que je veux montrer, parce que j'ai quand même quelques handicaps de volume, et quelques handicaps de je dois dire mes stratégies, ce qui peut être absolument catastrophique sur une table finale. Là, par exemple, je vais streamer avec seulement 5 minutes de délai, je vais dire, bah là, je vais jouer serré, je vais dire, là, je vais jouer agressif, etc. Et en termes de V, c'est la catastrophe absolue, parce qu'il suffit qu'il y ait un mec qui suive le stream et il te défonce la gueule. Quoi. Donc, euh, donc euh, si j'arrive déjà à gagner un petit peu, ça serait déjà ça serait déjà très cool. Quoi. Ok, là, les gars, ça va être chéro. Excellent roi de trèfle. Pour faire folder un 3, un 5, une paire de 6, une paire de 7, des choses comme ça. Voilà, parfait. Un plan rondement mené. Et là, cette paire d'As, est-ce qu'elle ne est, serait pas aussi rondement menée Ok. On a la suite de piques. La dame 9, ça aurait été un open s'ils avaient tous un peu plus, mais là... J'ai pas envie qu'il check back trop. Donc je vais faire petit au turn. Comme je le ferai avec pas mal de bluffs aussi. J'ai une main genre 10 valets de carreaux par exemple. Et Rivière par contre ça va être la boîte les mecs. Il a l'air quand même très intéressé par le coup. Et cette paire d'as là ce serait bien de la rentabiliser là. Ok il doit avoir une main genre. Un roi. 10 offres et juste comme ça. Salut PLS Comment ça va Allez, As-Roi. Parfait Bon, comme prévu, ça fold pas beaucoup quand même. Là, bon, il avait quand même une main un très forte. Il bloque pas certains bluffs comme 10 valets suité, donc je... un call assez normal chez lui. Allez, les gars. Sur l'after, c'est hyper important de gagner ce coup. Sur l'after, c'est parce que ça, c'est des K.O., donc ça nous rembourse quasiment notre buy-in et ça nous permettrait d'avoir un gros, gros stack là. Ça serait sympa. Allez, les gars. Dame-10 de Valet. Let's go Super ça les mecs Et là je vais mettre une blinde avec mon hauteur roi. Seulement folder par payer par hauteur dame, hauteur vallée, des choses comme ça. Parfait okay, hauteur euh, dame. C'est hyper important de ne pas manquer ces values bêtes les gars. Hyper, hyper important. Salut Rougi59, bon, ça fait plaisir écoute. Ok alors là les gars on en voit un parpaing on s'en fout hein. ok je vais check cette paire de dames oh là là moi je crois que j'ai folé tout de suite sur et là très deep je vais 3 bêtes cette main ok un petit rush là ça c'est assez cool un value bête notre notre paire de Rois, plus ce tirage flush. on a une tonne de value là. Oh là, là on a une telle tonne de value que voilà c'est trop Paire de 10 si c'est bête sur les bords péré on est quand même on a quand même trois bêtes on est collé trois fois quoi c'est quand même du génie quoi très bon spot de fort bet pour lui hein. on pourra rien faire si jamais et là vous voyez que contre UTG je vais la tourner en bluff sur Roi-Dame Table 3 alors que contre Cut off j'aurais simplement collé. La couleur est plus forte que le full dans un, dans un jeu qui s'appelle le short deck mais pas en... Pas en holdem. Euh, full deck. Ok là maintenant j'ai double Gutshot. Et j'étais payé, j'étais devant ou pas sur le... J'ai pas vu sur le reste du monde. Ok, sauf, parfait. Non, encore une fois, trois bêtes potes, c'est un check. Hein. Lui, il peut pas trop avoir de full, a priori. Paire de dames, il aurait lancé. Son seul full, c'est peut-être perdre de 10, et encore, il aurait certainement fort bête parfois. Moi, ça en arriverait à 8. Là c'est un peu foutu. On a un tout petit peu de de value. des mains contre trace valet, des mains qu'on prend un flush draw. Alors, justement. Ouh parfait. Il y avait full. Le problème de Wina, c'est que les fils sont gigantesques et faire une TF relève un peu l'exploit. C'est là où c'est hyper important les gars de faire les 180 max. Hyper important, c'est ce que je vous dis depuis le début. C'est hyper important de faire ces tournants-là parce que effectivement. Bah... T'as 10 fois moins de joueurs que sur les autres sur les autres fields, quoi. C'est son métier, l'audiovisuel, tu Delphine, alors là, pas du tout, elle est, euh... là, faut que je pote, là, elle, est, euh... elle était euh... docteur en biotechnologie, et euh... après, voilà, on s'est dit, franchement, euh... il manque tellement de contenu de qualité sur le poker, on trouvait, et elle, elle adorait faire des vidéos, des trucs comme ça, l'esthétique un peu. Et on s'est dit, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on s'est dit, putain, il n'y a vraiment aucun vlog qui est fait qui soit cool, il y a vraiment, je sais pas, des vlogs sur le WPO, des trucs comme ça, il y, y en a très peu, quoi. On va quand même défendre ça, on va Aïe 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 aïe. On va semi-bluffer. Allez, ça passe les gars, let's go. Oui, perdasse Oh, c'est la folie. Et donc on s'est dit, y a franchement, on va proposer à Winar et au début c'était hyper dur. Au début, c'était hyper dur parce qu'on arrivait un peu avec notre projet où on savait pas filmer, on savait rien, on ne savait même pas quel matériel avoir. On est arrivé vers Winar, on leur a fait franchement on a ce, ce projet là. Je vais mettre une blinde là, je crois. C'est pour qu'il fasse un truc genre. Qu'il continue avec un truc genre 9 et 4 off, par exemple. Quand il a check, il avait tellement rien. Et on est arrivé avec notre projet. Euh... Et au début, clairement, on aurait fait. Euh... Et on se disait, bon, bah on, va, on va en proposer. Et puis là, les gens ont dit non. Euh, au début, ils ont fait non, non, euh, c'est trop compliqué. quoi Et après, du coup, on a fait un premier vlog sur notre chaîne YouTube qui avait bien fonctionné, mais qui était fait à ah, ah, complètement de manière amateur. Quoi. On avait fait quand même, je sais pas, 35 000 vues, un truc comme ça, pendant le confinement. Et après, du coup, Wina a fait, ah bon, bah, là, c'est. Il a fait quand même du bon boulot. Et là, on a commencé à travailler pour eux. Quoi. Et après, c'était le début de tous les vlogs. Au début c'était un peu à l'arrache et maintenant c'est quand même beaucoup mieux fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était pas mal. C'était vraiment j'étais fier de ces vlogs là quoi. Après oui il y a eu ce, ce coup du, du neuf là qui a fait oh merde j'ai limpé qui a quand même entaché un peu et j'en suis c'était un peu naze de ma part quoi mais bon ça c'est du passé. Il faut que j'apprenne un deal avec les haters, et puis c'est tout. Et puis franchement, les gens étaient super contents. J'étais super content du travail qu'on a fait ensemble, et, et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres, notamment des destinations fun. Je sais pas si ça vous pourrait vous intéresser, mais des trucs sur les WPO Dublin, où en fait vous pourriez être dans le vlog. C'est ça qui est sympa. Si tu vas jouer le WPO, t'es dans le vlog. C'est ça, qui... ça qui est cool, quoi. Là, bet range, ici. Avec cette main-là, on va check le turn. La rivière. Et le truc, c'est qu'il peut trop avoir des mains, genre 10 vallées, genre. On oh, va faire de 4. Why not Et voilà. Alors, une question très intéressante, Soufigno. Pierre, ne penses-tu pas que ton mauvais Vegas ne provient pas en partie du fait que tu vis, performes sur d'autres choses en ce moment, sport, vlog, lifestyle euh, C'est en partie possible. Maintenant, je pense qu'il y a aussi, en fait, une énorme part de, de chance au poker, quoi, et que bah là, j'ai vraiment clairement un run qui était... Euh... Dégueulasse quoi. Vraiment dégueulasse. Et euh, c'était vraiment difficile euh, putain. Ouais, il peut trop tourner truc en bluff là, je pense. Avec un cœur bien joué à lui. Euh, très des petits pots, hein, mais il peut avoir, je sais pas, s'il peut avoir 6-7 de pique par exemple. C'est quand même des mains qui est censé bluffer ici. Et ouais, peut-être. Euh, notamment le fait que les vlogs, par exemple, prennent énormément de temps et d'énergie et que on aurait peut-être pas dû s'organiser comme ça, mais. C'était tellement aussi mon highlight de la semaine de faire ces vlogs. qui kiffé tellement. Quoi. Parce que c'était notre projet commun avec Delphine. C'était c'était un des trucs qui était presque aussi jamais fait. quoi De faire des vlogs aussi, euh, entre guillemets, danse Sur tout, toutes les sept semaines. C'était parfois difficile. Parfois, on avait envie de pleurer et tout. Tellement c'était dur. Parce que tu dois faire les voix. Tu t'arrêtes pas de buster. Tu te fais insulter. Tu dois faire les voix le soir. Mais c'était vraiment hyper 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 cool quoi. Et j'aimerais bien en refaire tous les ans d'ailleurs. Salut Pierre, je vois que tu minerais As-As préfab. Non, je fais toujours le. le... Je minerais aussi des bluffs. Hein. Ça, tu pourras le voir au nom du stream. C'est pas du tout que As-As. En fait, oui, bien sûr que des fois, tu vois, ça c'est intéressant si c'est un biais cognitif. Euh, Al Capone 3D. Salut Pierre, je vois que tu minerais As As pré-flop. Ici, les gens te connaissent et se méfient, mais pas peur de te faire exploser avec des cols de l'espace en limite. Bien sûr que parfois, tu vas te faire craquer ta paire d'As par Merguez. Mais pense à toutes les fois où le mec a fait top paire et que tu lui as tout pris. Je dois réaliser ça. Hein. Et que tu lui as tout pris. Je range ici. Et que en fait tu trouvais juste ça normal en fait, tu t'es dit ah bah ouais c'est normal, genre j'étais devant avec ma paire d'as, il m'a commis avec ta paire et tu l'oublies en fait ce coup là alors que le coup tu te fais casser tes as, tu le, tu le laisses dans ta mémoire, tu te fais attention, je me fais souvent péter les as. Donc important de combattre ces biais cognitifs. Oh 3 4 4 c'est pas du tout un flop pour moi. Beaucoup checker ici. Pas ma trident ouais c'est top. Euh, qui gagnait le f Bah Joko s'il peut jouer. Sinon, euh, pourquoi pas un mec comme euh, Kyrgios. Hein je n'ai pas les codes pour cette main. là. Bien joué à lui. Et te tu comptes que tu ramènes des joueurs des limites plus hautes sur les 2-5 euros parce qu'ils veulent jouer contre toi Franchement, je ne sais pas du tout. Dites-moi, de ce... vous qui jouez les C-Field, est-ce qu'ils sont plus gros que d'habitude ou pas du tout J'avoue que j'en ai aucune, aucune, aucune idée. Ok, ce serait bien de prendre un coup sur ce holdem en euro là. Puis ça fait vraiment n'importe quoi sur ces tournois. donc… Euh... C'est marrant, le kills j'ai vraiment l'impression de jouer le battle royale. Parce que c'est à peu près le même je parce que. Salut Balta, merci beaucoup, merci beaucoup pour ton message, ça me fait trop plaisir. Trident, c'est pas mal, mais encore une fois, c'est des, des, des tournois qui, gèrent, qui génèrent extrêmement peu de V parce que c'est des super turbos. C'est hyper bien pour travailler son jeu. Mais dans une optique de monter des bankrolls avec une bankroll un peu ric-rac pour jouer les euros surtout comme on a cette année, c'est pas du tout l'optique. Pas du tout l'optique. L'optique, c'est plutôt d'arriver et de jouer c'est de jouer les tournois 180 max pas turbo quoi. Regardez la première les deux premières heures quand on était à l'aise sur les tables comme elles étaient bien. C'était assez sympa à jouer quoi. Non, pas de Barcelone. Pas de Barcelone parce que malheureusement... Bon putain, plutôt heureusement en fait je fais ce, ces streams et je kiffe. Euh... Ok, une question intéressante. Ok, la taille des fils sur les 180 max est idéal mais tu vas te rendre compte que tous les règles, les buy aussi. Alors qu'est-ce qui est mieux Franchement les gars, les règles de, de, de 2 euros... Normalement, on devrait quand même leur mettre la misère. Hein. Normalement, on devrait quand même la, leur mettre la misère. Donc, ça, je, je n'ai pas très, extrêmement peur non plus. Mon hein. leur flush pour une big blind. dans ma call. Ça va être un as. Une carte qui peut être trompeuse. <laughs> une ligne de ravie assez. Euh... <laughs> c'est des lignes. L'afterfoot, euh... il est beau aussi, mais c'est des lignes assez. Euh... C'est ce grenu, quoi. Là, les gars, on va faire tapis avec une trace 3 parce qu'on peut prendre un bounty. Donc, ne tortillez pas du cul pour chez droit, les gars. On met tout. Et on ne s'emmerde pas. Ok les gars, peut-être le premier item, et là on va commencer à ce qu'on appelle stall. Comme vous pouvez voir le, sur la table 1, le, le, le nombre de joueurs descend extrêmement vite. C'est-à-dire que les gens n'ont rien à péter de la bulle, et là on peut créer un edge. C'est-à-dire que nous on va en avoir quelque chose à foutre. Euh, là si ça va être un tapis avec le, le bounty. Et du coup on va les laisser s'entretuer. Franchement on n'est pas mécontent qu'il colle, on ouais, va parfait dans en plus. Et on prend un troisième bounty, là c'est cool, on a remboursé le wine presque. Et il a eu la au front, ouais. Salut Napox, bah, j'ai déjà expliqué pourquoi j'avais pas dit la, la bonne main sur le vlog, c'est assez intéressant en fait comme phénomène. c'est En gros, j'arrivais dans un moment où c'était extrêmement difficile pour moi, je n'avais aucune confiance en moi, aucune confiance en mon jeu parce que je perdais tous les jours. Et c'est vrai que en fait les vlogs ont généré énormément de vues et énormément de commentaires. Il y avait ce truc qui était bizarre, c'est que sur les 200 commentaires, il y en avait 190 qui étaient hyper, hyper gratifiants et 10 qui étaient horribles en disant t'es qu'une merde. T'arrêtes pas de shooter tournoi, euh, ta meuf est dégueulasse et tout, et que ça me rongeait le cerveau de l'espace. Et que du coup, sur ce vlog-là, je me suis dit, putain, si jamais je dis que j'ai Fort Bad Bluff, je, je vais leur trop leur donner du grain à moudre, tu vois. Et ça m'a fait peur, en fait. Et du coup, je me suis dit, autant, autant dire ça que t'as as, as -Roi, comme ça, ça va faire zéro vague. Franchement, je, je, je vous dis, ça ne change pas du tout l'histoire du vlog. C'est-à-dire que ce vlog-là, j'ai pas du tout caché que j'ai pris toutes les mauvaises décisions sur le main et que c'était une journée horrible. Je prends que des mauvaises décisions. Après, je me prends un setup. Je compte full, c'était fini. C'était pas du tout pour, pour passer outre ça, quoi. Mais c'était pour euh, euh, ouais, éviter de me prendre trop de commentaires négatifs. Et franchement, c'était pas du tout la bonne solution. C'était même un peu nul de ma part. Et, euh, et, euh, et je m'en excuse. Et, euh, et voilà, franchement, c'était pas du tout pour, pour vouloir tricher ou quoi que ce soit. C'était simplement parce que j'étais pas bien, j'étais épuisé et tout. C'est vrai que c'est très dur quand tu fais, en fait, quand, tu, quand tu, bosses, tu, bosses, tu bosses, tu bosses, tu perds, tu perds, tu perds, et en plus, tu prends des mecs qui disent tout ce que tu fais est nul, ça te ronge le cerveau, mais c'est horrible quoi. Et donc voilà, franchement, j'en suis 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 pas fier du tout, mais voilà c'est fait, c'est fait, ça n'arrivera plus. Et, euh, et euh, voilà, c'était l'explication pour, pour ce truc, et, et voilà, et par contre, je suis trop content parce que le dernier vlog est vraiment ouf, et j'espère vraiment que vous le kifferez parce que c'est. Un truc de malade tout ce qui s'y passe quoi. Ok là, bête. 65% du pot avec une full-house. Simplement foule de notre dame. Mais c'était un Vegas, j'ai jamais vécu ça, quoi. J'ai jamais vécu ça de toute ma vie, quoi. C'était... Euh... Mais en fait, là où je suis pas content, si vous voulez, c'est que... Franchement, dire, j'avais ASROI alors que tu avais, avais, avais une merguez, c'est arrivé à tout le monde, il n'y a pas mort et tout, mais c'est que. Moi, j'entreprends entre, la démarche de faire les vlogs. Et donc, du coup, en fait, il faut juste que tu dises la vérité avec tes faiblesses il faut pas que tu essaies de te faire passer pour un uh, surhumain. En fait, les gens s'en foutent et je pense que. La proximité que j'ai avec vous, c'est parce que vous voyez aussi les faiblesses et vous voyez aussi le moment de doute et tout. Et donc voilà, ça n'arrivera plus. Et ça, ce sont des choses qui arrivent. Et puis, euh, j'espère que vous ne maintiendrez pas rigueur. Et j'ai vraiment hâte que le dernier sorte parce que là, ça envoie du steak. Mais, vous imaginez même pas ce qui se passe dedans. Il y, a quand même une, il y a quand même un moment où on a cru mourir. On a cru mourir. C'est quand même un truc de malade, vite. Tu vois là, par exemple, Joanne depuis que tu fais les choses avec ta Delphine, là, tu ne gagnes plus rien et tu régresses. Elle t'influence très mal. Il faut que tu te ressaisisses comme avant. Mais si vous savez à quel point ces trucs, c'est... En fait, c'est ce qu'il y a de... Presque de pire, quoi. Parce que... Parce que... Ça te fait mal dans ta chair, quoi. J'imagine que ça doit être pareil quand, par exemple, on... Il y a quelqu'un qui critique tes gosses, par exemple. Ça doit être horrible. Tu vois, tu vois, tu vois ton... Je sais pas, ça peut arriver, j'imagine que par exemple, tu es ton gosse qui soit bully à l'école, tu vois. Ça doit être horrible à vivre en fait, j'imagine. Mais voilà, c'est typiquement le genre, euh, Yoann Leschamp, c'est typiquement le genre de commentaire qui pour moi est pas du tout productif, tu vois, genre, euh, Depuis que tu fais les choses avec ta Delphine là, avec ta Delphine, là tu ne gagnes plus rien, tu regrettes, cette t'influence très mal. Quand j'étais avec Delphine, j'ai fait euh, euh, deuxième du 3 million event pour 300 000 euros et j'ai fait deuxième et quatrième de WSOP pour 200K. Enfin, quel, est quel, est quel est ce commentaire en fait c'est juste euh, random quoi. En plus, euh, tu sais, j'ai tellement eu de points positifs que j'ai essayé de partager avec vous, genre se mettre au sport, faire du poids, avoir une meilleure santé, arrêter la clope, patati patata. C'est assez, tu sais, ça fait mal au cœur. Parce que là, le truc, tu vois, c'est pas, exactement ça. C'est, 1 million de commentaires positifs et celui-là il va me rester dans la tête tu vois je sais pas pourquoi mais euh, voilà maintenant il faut plus que ça m'arrive fort sur les appuis et let's go vous êtes tous géniaux ok là on a 4 et 5 on s'est demandé checker cette tasse qui est pas une bonne carte pour nous hein. il en a plein plein dans son range ok là on va défendre c'est pas non plus la panacée mais on a quand même un qui est beaucoup trop fort pour pouvoir folder. Père, là, on va pas tout de suite la fold hein, quand même. On va pas de big. OK, le valet au turn, ça c'est une super carte, je vais trois barrelline. Allez, roi ça passe. Important de bet assez cher, je pense sur ces boards, parce que s'ils ont un trèfle, ils vont coller n'importe quel montant donc on veut le mettre hors cote. Très important. Là, il bet tout petit, je vais quand même call pour euh, carte du pot. J'aurai toujours un slack qui me permettra de, de passer la bulle si jamais je suis besoin. Et là, ma j'ai très bien protégé, Je l'ai très forte hein, ici. Et là, quand il bête, je vais passer simplement. Ok, là, très important que je stall. Le stalling, on appelle ça. Ok, je vais limper. On va essayer de faire Brelan. Oh, le Brelan. Ça, c'est beau sur l'after. Ça, c'est beau sur l'after, les gars. Alors, la question là, c'est est-ce que je bête ou est-ce que je check Est-ce qu'ils font pas n'importe quoi quand je check quand même, ces mecs Bon, bah là, il n'y aura pas besoin de toute façon. Bon, bien évidemment, là, on just call les gars. Hein. Oh, il est beau cet as. Il va jamais. Il va continuer à bluffer sur cet as. S'il a un roi, il va jamais me croire. Là, je vais simplement limper As2 parce que je pense que les gens, ils ne vont pas du tout essayer ISO à la bulle. Peut-être mettre, na t même pas vu que c'était la bulle Ouais c'est ça, en fait les gens. Vous allez pouvoir jouer quand même pas mal de hein. à la pré-bulle et tout, limper des trucs parce que. En fait, les gens n'ont pas du tout de, de conscience qu'à la bulle, ils vont devoir mettre une pression énorme. Là par exemple, Angel, il doit faire tapis et les gars, table 1. C'est hyper important, il doit faire tapis et Ah, pardon, je vais limper ça. La boîte. Ah, et ça overlimp et tout. C'est cool, hein, franchement. Ça la cool. Dame 10, on va pas pouvoir trop faire tapis. Là, je vais check call plutôt la rivière. Avec mon 8 et 2. Il peut avoir des mains comme Valet 10, Dame 10 et compagnie. Ouais. Ok. Putain, vous êtes trop gentil. Franchement, ça m'émeut grave en plus de voir que vous me défendez tous. Mais c'est vrai qu'en fait quand tu es attaqué dans ta chair, c'est assez horrible quoi. Il faut juste être fort et puis et puis si. Allez, hier, on va partir à boîte. Hein. Je vois pas comment faire autrement, il a un il a un huge bounty. Il enfin, y, y, y en a deux de la de Oh merde, il a payé, putain! Allez, las, oui, las, ça serait énorme. Allez, tiens, 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 yes, euh, là, hyper important. Prendre tout son timer et on va partir à tapis quand même avec Aspora. Il en prend un bal 12 en plus, ça, c'est cool, ça, les mecs. Allez, ça, ça fait du rain Franchement, merci beaucoup pour vos commentaires, c'est énorme en fait, c tout, le, c tout le soutien, c'est un truc de fou. Donc là, un autre truc aussi, on prend tout son timer, les gars, ok. Ensuite, on part à tapis moins une blinde. Ça permettra de reavoir toute une. Euh, ce S10, il faut pas partir à tapis, bien évidemment, s'il y a pas de bounty, les gars. Là, il avait quatre fois le truc, il avait pris quatre fois le bounty de, de départ, donc c'est hyper important. Allez, ça gagne là. On va la passer cette bulle, les gars. Un joueur absent en plus. On va s'ébêtir petit. Avec 3. Oh là, on va la riser quand même. Allez, ça passe, les gars. Let's go. On va prendre une petite note. Donc, bête Là, les gars, now we're talking, right? Allez, allez. Ok, donc là, toujours stolé, 2 hein, de l'argent. Ça va bientôt être les mains par main. On va payer ça. Et putain, on a 10 fois le stack de départ sur ce tournoi, les mecs. C'est quand même stylé. C'est quand même stylé. On a bien chaté pour. Oh non, pas comme ça, Zinedine. Oh! catastrophique Bon là on part qu'avec bon, des canons hein, Et d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va faire plutôt 8 blindes Comme ça, ça fait vraiment tapis tapis, on pourra peut-être limite folder quoi Ça fait tapis 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 vous voyez, je veux dire On va reprendre tous nos timers quel par pourri depuis Everest, tu vois tu vois je suis de retour c'est 50 centimes c'est bon. Ah non, c'est pas bon, merde. Bon, si m'a pas Snapcall, c'est que c'est bon. Alors on va prendre notre temps les gars. C'est ouais. Tu parlais de biais cognitifs tout à l'heure, c'est la même chose avec les coms dégueulasses certaines personnes. Mais ouais, c'est exactement ça. En fait, ouais, j'arrivais à modéliser ça en me disant putain, imagine, tu dis bonjour avec un grand sourire à 200 personnes dans la journée. Elle un petit As là Et... Oh Roi-5 off, il a colle. qu'est-ce que c'est que ça Je ne m'attendais pas à ça. 10. Putain, il fait chier pourquoi il a call Roi-5. Bon, on a l'occasion de prendre un bounty, pourquoi pas. Ouais, tu dis bonjour à 200 personnes avec un sourire dans la journée, et t'en as... 198 qui te dirait bonjour avec un sourire et deux qui te disent va te faire enculer sale fils de pute, bah malheureusement généralement tu vas quand même euh, assez souvent euh, tu vas quand même assez souvent retenir les deux qui tu vas rentrer chez toi, tu vas dire putain. Il y en a deux qui m'ont dit va te faire enculer sale fils de pute alors j'aurais dit bonjour, tu vois. Thomas doré, intéressante ta question. Tu lui dirais quoi au vieux de fou il y a quelques années, par exemple, celui dans le film One Time de Tapis Volant, Tu euh, dirais beaucoup de choses. Parce que ce serait mentir. Oula, putain, il fait vraiment pas cher, je peux pas folder. Ce serait vraiment, serait vraiment mentir de dire que, par exemple, je n'ai pas de regrets sur certaines choses. Franchement, déjà, ça serait. Dépense moins d'argent inutilement. Genre, dans les boîtes, dans les trucs comme ça, ça sert à rien. Il y avait des soirées où, je, franchement, c'est énorme, je mettais 2, 3, quatre 000 balles, tu vois genre euh, ça n'a pas de sens quoi et, euh... et après je dirais franchement continue le sport n'arrête jamais le sport parce que c'est des trucs en fait où euh, comme tu es dans des périodes aussi où toi as envie un peu d'aller en boîte pour séduire les filles et tout ah ça y est on est à la bulle du premier tournoi let's go les gars ben le problème c'est que si tu dégrades physiquement du coup tu... ton ROI avec les meufs chute en flèche alors que si tu sors une fois par semaine, le reste du temps tu cours en an, t'es jeune et tout, t'as un peu de pouvoir d'achat, on va pas se mentir, tu, tu crush tout quoi. Tu crushes tout. Ah, j'ai quand même envie de Ricefold, hein. Ça même à la pure bulle, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas trop compte de ce qu'ils font. Ouais, lui, ça il s'est rendu compte. <laughs> je crois qu'il a vu le stream et du coup il a su. bien ouais, joué à toi, je te le laisse. Là, un des exemples là, je pense, où par exemple, si le mec voit le stream, je suis niqué, quoi. Parce que par exemple là il a vu que je faisais tapis avec mes premiums et il voit que je réalisais. Oh merci quoi, vous êtes trop gentil. Bon là contre Cédric Mou... contre Marco Mouli, il est trop riche, il a trop ce le carbone, du coup il en fout partout là. Link aussi. Parce qu'il y a un bounty à prendre, donc on a une main qui est décente. Je dois partir avec ta pile là avec roi mais pas dead monnaie Une moins trois bêtes alors là en fait quand on est col blind, on n'est pas forcément derrière quoi hein, sur ce genre de bain c'est pas eu dead money je pense que je sais pas si j'aurais trop call quand même ouais wow, mais qu'est-ce que c'est que ces tournois wow. de cœur. snap ok les gars Ok les gars, sur les 1 balles. Bah là j'avais, franchement, j'avais l'équité nécessaire. Hein, C'était parfait. Hein. C'était parfait. Là, je trouve personne avec ma paire de trolls, simplement la folder. Base 28ème du stack avec Queen Queen. Allez, c'est bien les gars. On s'encourage se, on aussi. C'est un chan pour s'encourager les mecs. Hein. J'espère qu'on va accrocher le premier ITM, les mecs. On est short stack, mais tout peut arriver. quoi. Allez, on prend un bounty en plus sur le sud versus le reste. Euh, sur l'afterfoot, pardon. Et ça c'est cool. 131 000 jetons, on est pas mal. On va essayer d'accrocher un deuxième item sur un deux balles, ce serait quand même assez intéressant encore. L'un de retour à 1,5. Là on n'est pas bien. J'ai overlimpé paire deux, j'ai pas eu brûlant, C'est une fois sur 8, mec. Hein. Yoann Le Champ, Yoann, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça, ça Ça pompe sévère, putain, pourquoi tu te dis pas en fait euh, En fait, euh, genre, ouais, pourquoi je dis ça en fait Même si je le pense, tu peux le dire autrement Oh, Romain Lebas, je viens de l'expliquer quand même. Oh, suffit là. Expliquer quatre fois déjà. <laughs> Mais en plus, il y aura une petite vidéo en plus dans le job prochain pour ceux qui l'ont raté. Merci Shinji. Tu penses jouer avec quelques PLO non parce que c'est trop compliqué sur la stratégie et tout. Je vais faire que tu hold'em et on va se concentrer là-dessus. Je vais pas faire de... pas faire non plus de, tu sais, de... de satellite et tout. Voyez, tranquille. J'ai l'impression de ne pas avoir le même logiciel que toi. J'ai pas les mêmes fonds d'écran et options que dont tu as parlé euh, au début de la vidéo. Bah non, regarde. Tu fais comme ça. En fait, tu as les petites icônes là te permettent en fait de, de changer par exemple euh, en rouge etc. Et surtout si tu veux pas euh, par exemple un kills the fish, le fond kills the fish, tu vas là, table 4, kills the fish, qu'ils kills the fish, non. Et hop là. Cette clause, je vais folder Ils sont un peu trop excités pour faire les fous là. Ah, les gars par contre, la bulle, est-ce qu'elle peut péter Parce que là, je vais arriver très short stack, quoi. Ça manque, les tornades, depuis que je suis passé en spin, et sensations de et puis ce qui est bien, c'est que sur ces 180 max, t'as assez vite des sensations, quoi. Et puis, euh... en fait, ce qui est fou, c'est quand t'as une manquante de 500, même si tu gagnes 40, 50 euros, c'est énorme, quoi. C'est des... des gros swings, et... Et voilà, et en fait, c'est, je pense, la limite où tu commences à parler un peu vrai-sous. C'est-à-dire que si ça devient une passion où tu gagnes, sur les 5, 10, 20 euros, tu peux commencer à te faire des petits 500 balles par mois, 2, 300, 400 balles par mois, si tu joues un peu sympa. Et c'est vrai que ça change, ça change tout, quoi. Ça change tout. Alors que sur les 50 centimes, 1 euro, quand je faisais avec 100 balles, c'est vrai que c'était plus compliqué. Donc, moi, ce que je préconiserais, en fait, c'est limite, c'est aller travailler chez McDo pendant un mois, tu mets 500 balles de côté, si jamais t'as... Ok, donc là il peut être vraiment drawing dead. C'est une main quand même que je dois check raise. Small. Ici il peut avoir vraiment des mains. Oh là là, j'ai tout le board ici. J'ai tout le board. Mes yeux, dames, nous partons à tapis. Il a plein de dames en plus. Eh ben dis donc. Ça me croit pas hein, sur ses limites. Hein. Oh, C'est vraiment chiant, je crois que je dois y aller, non oh, Il est dernier ou pas oh, Il n'est pas dernier, putain, je dois folder. Relativement, il temps quand même. Là, vraiment, n'hésitez pas à, à, à iso-raise vos outils de connecteurs un peu comme ça, parce qu'en fait, ça permet de ce qu'on appelle clear de l'equity, c'est-à-dire que ça vous permet. De faire folder des mains comme valet 4 de trèfle en grosse blinde. Des mains comme, je sais pas, valet 9 off en, en grosse blinde. Donc c'est hyper important. Ça vous permet. Et donc là on va check call bien évidemment ce dame 5 contre un fou. Il a malheureusement il a le roi, mais contre ce mec-là, je pense pas qu'on puisse folder du tout. Ça me paraît. Un 13 e du pote, on va quand même call. Je vais prendre ça comme un check avec mon 7 et 9. Ouh, slowplay Ok, marque Marco Mouli, c'est un excité du cerveau. On va lui mettre une petite pastille d'excité. Hmm, là, je pense que je dois partir à tapis. Parce qu'en fait, je peux prendre un bounty pour... Oh, chier, cette As-Valet une faire hostile et Frollo qui va être obligé de call toutes les mains, donc en fait ça me fait un quart du buy presque. Et là vous voyez très important, faut de le à se ici. Hein. Et là par contre, As4 contre un limp, je crois que je vais être obligé d'y aller avec toute la dead money et tout. En plus, il peut limper des mains, genre dame 10 fin de merguez qui okay, est contre Itou, un peu sick. Oh folle. Allez, il faut s'accrocher les gars. La dead money, c'est en fait l'argent qui est déjà investi dans le pot. Par exemple, les blindes et les emptés sont de la dead money. Donc là, par exemple, il y a 2,22 Big Blind. Dans le pot, c'est l'argent qui est déjà mis dans le pot, la dead money. Par exemple, à partir du moment où tu as raise pré-flop, ton raise devient de la dead money. C'est de l'argent qui ne t'appartient plus. Ça ne veut pas sauter ma parole, ouais c'est clair. Ok, Roi-Dame. On va y aller. <laughs> Toi, héroïne négatif, c'était plus sauf. On va call simplement, bien sûr. Il peut avoir des mains genre Roi-8 off ici, tonton. Et là, on va y aller contre n'importe quoi. On a trop d'équité, en fait. Euh, on n'est que drawing dead contre As-Dame. Il peut avoir des de draws en face. Il peut avoir plein de mains. Donc... Contre va 10, même contre on 10, on a l'équité nécessaire, donc... Ok, tonton. On t'attend au tournant. Tonton, on t'attend au tournant. Voilà, off. Il est presque dans dead. Là, c'est vraiment des lignes catastrophiques. Hein. Il ne se rend pas compte que quand je colle ici dans trois joueurs, euh, j'ai tout le temps crush. J'ai plein de slopers, etc. C'est là où le, toute levée tout le vient. Hein. C'est que là, ils ont presque 0%, quoi, dans des pots qui sont énormes. Et ils, ils mettent très, très cher. Donc, quand on est à gens Capé, comme ça, c'est vraiment du bonheur. quoi. Du bonheur. Voilà, stalagmite, c'est exactement pour toi que ce que ce stream est fait, c'est-à-dire que tu as déjà des bases de poker, tu comprends par exemple le jargon, etc. Même si je voudrais pas trop utiliser trop en utiliser sur ces streams et te faire passer ce petit cap pour être entre even et euh, et gagnant quoi, hyper important. Ok. Sur le sud versus le reste du monde, on va partir souvent à pied là les gars. J'arrive plus à me motiver à aller courir, c'est déprimant, donne-moi tes conseils. Franchement j'ai eu ce même problème que toi. Des fois j'ai plus envie simplement, et ben dans ces cas-là, je vais pas courir. Et euh, je fais d'autres trucs, je fais euh, de la salle, ou je vais nager, ou des fois, je ne fais pas de sport, simplement. Il y a des périodes où j'ai pas envie de faire du sport, quoi. Et donc, bah là, par exemple, j'ai pris une semaine, je n'ai pas, pas faire grand-chose, je faisais la fête, je me suis mis des caisses monumentales avec les potes, j'ai fini à me gerber dessus dans la douche. C'était cool, quoi. C'était cool, mais ça arrive une fois de temps en temps, ça arrive une fois tous les deux mois, ou euh, euh, des trucs comme ça, quoi. Et, voilà. et c'est l'équilibre, quoi. Et franchement, j'aimais pas la période où je me mettais 4 caisses par semaine parce qu'en fait, ça me, ça te ronge. en fait mieux me se mettre une boîte... Ou oh, oh. Allez, un des sur 8 s'il vous plaît. 10 ou 8 Non Mais combien de temps ça va durer cette bulle Ça, enfin, je vais pas réussir à faire la bulle quand même. Oh Dame 2, il a fait tapis. Waouh, qu'est-ce que c'est les mecs Qu'est-ce que c'est que ça Aïe ah, aïe aïe, Marco Mouli, il fait tapis toutes les mains. Euh, salut Pierre, en live, tu as bien joué d'autres variantes où tu restes uniquement sur le DEM euh, Tu as fait d'autres variantes Bah Si tu as vu dans le vlog 2, j'ai fait genre un bon deep run sur un KPLO. Franchement, c'était un jeu cool. C'était un jeu que je maîtrise pas du tout, mais que j'ai essayé, comment dire, de. J'ai essayé de naviguer. OK, donc là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va mine race parce que j'ai envie que Mouli Marco me fasse tapis avec Any2, en fait. Alors que si je fais tapis, il ne va peut-être pas coller avec 8-3. Alors que là, je sens qu'il va me faire tapis avec R, quoi. N'importe quel As, ça, c'est sûr. N'importe quel, il peut avoir Valet-6 off, des trucs comme ça. Donc, euh, j'ai vraiment envie de, de l'induce ici pour passer avec, un, passer avec un plus gros tapis. C'est quoi ça Merci Delphine. Ah, je vais arriver à faire la bulle, hein. Ça fait chier. Ouh. Je crois que je dois partir à boîte là pour faire folder des trucs. Je suis dernier. Je je sais pas quoi faire. Oh wow, cool. Waouh Incroyable ce coup. Alors là mon gars je le crois pas du tout sur un 7. Il faut pas me prendre pour un imbécile non plus quoi. Ah oh, dame valley off, ok. Ça c'est bien parce que ça va peut-être me permettre de passer la bulle les mecs. Euh, ici un as. Putain, c'est pas la meilleure des cartes, c'est pas la moins bonne. Je vais call et call leur rivière. Il peut avoir tellement... Il peut avoir 4 et 5, mais c'est à peu près tout. Je pense pas qu'il donc non plus. 10, de 3. Ah, suite. Franchement, il a peut-être un 10. Je vais faire tapis pour value. Je pense qu'un As, il aurait fait tapis lui-même. Enfin, je check. Ok, 5, 6 de trèfle. Ces lignes n'ont pas de sens. Ok. Salut Pierre. Hier soir, j'ai gagné un kill the fish. 2 euros 750 joueurs. J'ai pris 200 euros avec les bounties. Hyper content de mon petit niveau. Bah, franchement, Arnaud, bravo à toi. Et. Euh... Ah, ça fait chier. J'ai un As. Je dois encore folder. Là, là c'est un cours important sur la bulle, par exemple, les gars. Vous avez vu ce que je à là, la bulle, pour assurer l'ITM Ça, c'est important. De voir le short stack à la bulle, là, ça, ça fait une, déjà une situation intéressante. Il a pris trois blindes et là, le problème, les boîtes. On doit y aller avec n'importe quel as. Oh, aïe, 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 aïe. c'est drawing dead. Allez, à tout de suite. On a encore. Une blinde sur ce tournoi. On va vendre chèrement notre peau. Attendez, j'ai un grand troll ici. Ouais, je vais Allez, à tout de suite. Ok les gars, un petit face cam pour, euh, pour les mais only fans. Euh, ouais, ça reprend. J'ai une question intéressante pendant le break c'était pourquoi est-ce que j'ai foldé As Jack 6 bébé deep euh, au bouton C'est que en fait, on a la pure bulle. Il y a des mecs plus shorts que moi et, et on a vu tout à l'heure que par exemple, il y a un mec qui achève 5 blindes. Il s'est fait call par 10 et 8 off, donc j'ai très peu de fold equity. Et en fait, passer de 6 à 8 blindes à ce moment du tournoi, je n'ai rien à branler. Ce que je veux, c'est faire ITM d'abord et ensuite prendre des risques. Euh, si j'avais plus de fold equity, comme un stack comme 10 blindes, là ça aurait été un peu différent par exemple. Euh, donc voilà, vous voyez un peu ça, des, ça c'est des plays qui sont hyper importants euh, à, à maîtriser et que voilà, ce coup là avec Asbalay, il faut simplement passer et se faire faire la bulle, ça augmente drastiquement, drastiquement votre ROI. Et on est ITM Woohoo Premier ITM du séjour, j'ai envie de vous dire, là une blinde avec un roi ça va être bon. Hein. Le problème c'est que comme il y a des antés... Et que pas Big Nanté, on perd une hantée à chaque fois. Donc, il faut que je. Miatel. Sur ce le 1 euro. Allez, un petit roi, un petit 6, un petit 5. ouais, 100%, monsieur. Et ça, ça vaut des sous parce que c'est un tiers de la vraie, mine de rien. C'est quelque chose, ce tournoi, quand même. Et là, avec avait Là, maintenant qu'on est item, bien sûr, les gars, ça va être différent. Là, bien sûr, qu'on pousse. Le premier race venu. Enfin, pas le premier as venu. Le premier as suité venu. Si j'avais eu as de off, j'aurais foldé. Hein. Et là, là c'est un min 3 bêtes, On va simplement call. C'est bien. On a drôle bouton. Ça, c'est assez cool. Oh, je pense qu'il a paire de roi, le, na hein. le petit nan femme. Je oh, pense qu qu'il a paire de roi, le petit nan femme. Qu'est-ce qu'il m'a min 3 bêtes? Check sur as valet valet Valet-3-3. 3 Pas call à la rivière. Interesting. Allez, rappelez-vous, hein, je suis sur tous les chats, les gars. Vraiment, faites-vous plaisir. Là, je vais simplement emboîter. Hein. Sur le kiss the fish, c'était un truc où je m'emmerdais trop en fait avant. Ouh, il a limpé strong. Il avait limpé strong. Ok, allez. On gagne un petit peu quoi de Marco Mouli, Mouli, Mouli OK, Rico qui vient de revenir. C'est pas de nouvelles. OK, Dame-10, on va partir, là, à boîte. Au moins 10 blindes. Putain, j'ai 3 blindes et 5-6 off. Bordel. Je crois que je dois y aller. Hein. Oula, je suis payé, là. Ça peut être la fin directement. Ça pourrait être la fin. De ce tournoi. Ouais, je ne pas trop le code. Allez, une s'il vous plaît, les gars. Un valet aussi. Non, c'est dommage, c'est dommage. Mais c'est un premier item. Et c'est déjà pas mal. Bon. c'est fait cueillir directement. Et on va s'enregistrer sur un petit kill the fish, fin Deep ou quoi C'est un chaos Non, c'est impossible, ça. Ok. Allez, Roi 9 contre Valet 7. Ça sera important de tenir. Mais, allez, ça c'est bien. Les gars, on est pas mal avec trois tables. Je vais regarder s'il n'y a pas un petit 5 euros. Dans 11 minutes, 3 dans un... 11 minutes 2 euros et je ne bosse plus demain. Je vais juste faire des turbos en fait là. Parce qu'on n'a plus le temps là les gars, c'est déjà minuit. On peut plus lancer des autres choses que turbo là. J'ai un trident 1 euro. Les gars, il y a vraiment plus grand-chose à jouer. On va rester sur trois tables. Parce que je suis cagoulé avec ce qu'ils fish. Allez. ça sera de table au pire. Et on se fera une petite session bien tranquillou. Allez, là, Snap, ça va être infoldable, messieurs, dames. Oh, bien évidemment relancer all-in avec notre As-9. Là, c'est un très bon spot. Allez, pas de 7, s'il vous plaît. Allez, let's go, on double. Et ça, c'est bonne nouvelle, ça. En plus, on floppe la top paire. On aura 8-5 deep. Je crois qu'on doit y aller aussi. C'est hein. la fois. Ça y est, après, c'est la moitié de notre tapis. Allez, Je vais être un peu tight. Allez, on va réaliser ce roi valet. Et on va partir à tapis au turn sur le quiz de fiches de Ce Ça serait bien de prendre son bounty là. La suite de cœur. Oui Ça tient. Et là, Dame 8, suite. Et alors qu'on couvre tout le monde. On va partir à boîte, surtout qu'il a la small blind qui est commit jusqu'au bout des ongles. Bonne nouvelle, ça, que Mouli passe, parce que, mine de rien, on a quand même… Allez, ça serait bien de prendre son bounty, là. Et commit avec n'importe quoi. 7. 7 Ouais Tain, Il se passe bien, cet after-foot, les gars. Il se passe bien, cet after-foot 5, ah, je vais folder. My cap salut Pierre, merci pour tout ce que tu fais. Euh, tu es un animateur sympa et un mec très généreux. Bah franchement, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup vos messages. Et puis je suis trop content surtout parce que vous savez, j'avais trop peur les gars. J'avais trop peur qu'il n'y ait personne parce que je me suis dit, qu'est-ce que tu allais t'embarquer à faire un stream en août Les gens sont en train de boire du rosé. Qu'est-ce que tu vas leur proposer un stream de poker Et je me suis dit, tu cagoulé tout seul, mec, tu vas être, vous allez être à 300. Tu vois ce que je veux dire La c'est est de folder, hein. c'est trop dominé ça, les gars. Ça c'est des erreurs que je faisais avant. Je, je collais trop ici. Ce serait bien que tout le monde fold pour que je puisse coller mon As-9 tranquille. Je crois, que, de toute façon, ouais, je crois que je suis commit avec mon As-9 quand même. C'est trop fort pour ici. Et il peut y avoir des mains que oh, je... Roi-10, ça se va. Allez, 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 allez. allez, Oh, ça, ça split. Ok, ça, c'est une super nouvelle, ça, les gars. Ça, c'est une super nouvelle, ça, les gars. Putain, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. Hein. 15e sur 21. On est revenu du loin. Hein. Ok, 4, 4 de 10. Marco Mouli qui a checké. Marco Mouli, c'est un marrant quand même mais dans des décisions assez sympa. Je vais checker cool la rivière, je pense. Putain, il peut avoir quoi Il peut avoir une dame. Ok, ça gagne en 10 là. Allez Allez les gars, allez Salut Pierre le programme vas-tu m'empêcher de dormir Putain, j'aimerais tellement t'empêcher de dormir pendant un mois. Et là, je crois que je dois y aller avec as 9 Putain, fais chier, c'est pas si loin de l'argent, mais. Là, cette blinde, il peut faire tapis avec un peu tout et n'importe quoi. On va pas pouvoir folder. Et là, il faut vraiment doubler. Je pense qu'il peut avoir des mains comme roi dame il peut avoir des mains comme petite paire, il peut avoir des mains comme Validis Suite, là, pour cette blinde. Oh non, putain, de valets derrière. Allez, lasse, las, lasse, je prends tout. Las, las, las. Je crois que j'ai bust. Putain, comment c'est possible de valet derrière Putain, on était bien devant. L'autre. Allez, on va passer en deux tables. Alors là, si Lolo m'a bien compris, je le me mets en face cam. Regarde Lolo comme tu vas être fier de moi. Je mets en deux tables et je mets deux tables. Oh, c'est pas du tout le truc escompté. Lolo, ça va pas du tout le deux tables là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça Bah voilà, je suis un champion de fou. Oh, top turn mais moi aussi je t'aime. Je vous aime tous. En fait, ce qui m'arrange, c'est que, en fait, là, je grandis en même temps que vous tous, du coup. Et j'ai l'impression qu'on est, comme beaucoup, en fait, au même stade de nos vies, on a à peu près 30 ans. Tu rencontres une meuf, tu, tu dis, on va avoir des gamins, tout ça, tu vois, c'est assez... là assez... on oui, là ta boîte là, les gars. C'est assez grisant ça. Allez, allez. Ouais Oui Et ça, ça ça, pour la Bangkok c'est important parce que c'est des KO à deux balles à chaque fois. Ça c'est cool les mecs. Et du coup on grandit un peu ensemble et ça c'est... Je, ouais, je trouve ça assez sympa. Ok là très important de raiser les, les, les rois merdiques comme ça, les as merdiques et on fold sur un chove. Là c'est le sport des catastrophiques pour moi. Ça Beaucoup ça rentre, on va simplement abandonner ici. Ok, Pierre, j'ai une question. C'est une question de Victor Lalo. J'ai 50 left pour la daronne, 16 places des tickets, 125. J'ai 18 bb. J'open Asking au cut-off, jam du bouton 11 bb et jam du de de bouton 21 bb. Là, je pense que c'est très important que tu open jam en fait, avec l'ICM. Tu n'as pas envie qu'ils te jam des paires, des A6, des, 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 des mains comme Valet-10 Suité et tout. Donc, hyper important que tu, que tu fasses ça. Un bet fold avec mon Roi 3 Suité, c'est un peu atroce, mais bon. Et si je vous dise, on a plein de value contre 3 dames, dames et tout. Oh là là. Peu atroce ce chauve là. Putain, tout chauve Qu'est-ce qui me chauve la gueule Donc il y en a 20 de l'argent. Je crois que je vais être obligé de coller les deux. Lui, je suis obligé de le call. Il a un trop gros bounty quoi. Parce que son bounty est trois fois plus gros que l'ITM presque. Donc oui, open shove son asking. D'ailleurs, on a vu ce spot tout à l'heure quand on est à la bulle. On open shove euh, ses grosses mains. Euh... À part si tu penses que tu as un exploit, c'est-à-dire que tu te dis. Ok, là j'ai pas de. C'est-à-dire que tu te dis, par exemple, je pense pas qu'ils se rendent compte que c'est la bulle qui va me mettre de la pression, etc. etc. Et sinon, t'open-shot tes grossement, en fait. Là ton A3, t'aurais dû simplement faire tapis. Euh... Tapis, et la seule main que tu pouvais raise, c'était A3 suité à la limite. Deux As, etc. Et messieurs, dames, nous allons commencer à faire une technique bien connue des nos services, le stalling. Et ça veut dire quoi le stalling Ça veut dire. Tiens, okay, on va commencer. Est-ce que j'ai envie de partir à boîte avec ma main là Ouais, quand même, parce qu'il peut avoir tellement de mains, genre euh, Roi dame de Carreau et tout, que je crush. Il a un bon bounty qui est plus que l'ITM aussi, donc euh, on y va, hein. Oh là là, de boiter la gueule, mon gars, on a trop 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 d'écoutilles, quoi. Oh, les deux over le… le truc, c'est que j'ai A-side, donc je bats certainement. je me le trois Dames, des trucs comme ça, je peux peut-être faire un petit sizing, je sais pas. À voir, c'était tellement intéressant, plus intéressant que euh, ce qu'on peut croire. Comment est-ce que Thomas Bugeaud… Comment est-ce que j'ai été contacté la première fois par Winamax C'est… Franchement, c'est une... un truc intéressant. Euh, c'était il y a long, très longtemps. Alors vous, vous pouvez le voir parce que j'avais fini une 8, 8 ou ou e du 6 Mix, une année où il y avait Ludovic Laqué, c'était David Ikitaï, etc. qui étaient allés loin, Guignol. Et il y avait Steph qui avait rail la, la, la table sur laquelle je jouais parce que j'étais en sandwich entre Laqué et Kitaï et on s'envoyait des parpins. J'étais un trop jeune joueur, quoi. Et euh, j'avais buzz du tournoi. Après, Davidi m'avait recall un truc de fou comme d'hab. Il m'avait niqué mon tournoi. Bravo à lui. Bravo en enculé, va. Non, il m'avait bien nu, quoi. J'étais un peu un puceau. Il m'avait bien, il m'avait dépucelé du live. C'était un de mes premiers deep run en live, quoi, avec le sur un tournoi Wina. Et euh, Steph, Steph était venu me voir après, mais euh, et il m'avait dit euh, franchement, un jour tu seras un grand joueur. Et bref, après, le temps passe et un an pas, je fais la Maison du Bluff, euh, je me maque un peu avec Poker Stars à l'époque parce que bon, bah, les... c'était eux qui m'avaient contacté pour la Maison du Bluff, etc. Juste, j'avais reçu un coup de fil bizarre de Michel Abécassis qui m'a fait Franchement, te rapproche pas trop de PS et tout, euh, j'ai pas trop compris. Et après, donc je fais la Maison du Bluff, je bust et le temps passe, six mois passent et un jour, je reçois un message de Steph sur Facebook. Qui me disait genre bonjour est-ce qu'on peut parler qu'est-ce qui se passe non oh, c'est bon c'est bon c'est bon <laughs> il a eu peur lolo disait bonjour est-ce que on peut parler ensemble et ou oh, il a beaucoup d'as dans son range là c'est assez très mauvais pour moi contrairement à ce qu'on peut penser okay, là par contre je vais devoir bluffer si tu me calls GG à toi si tu me calls ouais, tu vois il a beaucoup d'as suite c'est quatre flat Et il me dit, salut Pierre, est-ce qu'on peut se contacter de manière confidentielle Est-ce que as un, un, un Skype ou quoi J'avais filé mon Skype du coup. Et il m'avait dit, voilà, on a intéressé... Euh... Je me souviens que c'était pas, pas tout de suite. Euh... Ah oui, bulle du afterfoot les mecs, il faut que je le mette en rouge. Merci les gars. Putain, voilà, ça on se... Vous voyez les gars Comme on se. Comme on se tire tous les tous vers le haut. Là, par exemple, en CX, il aurait dû open presque any tout. Hein. Ok. On plus qu'un avant la bulle. Oh là là. Je vais stall tout mon truc et je vais raise call, hein, je crois. C'est presque impossible que je fasse la bulle, là, je crois. Je crois que je dois open shove, en fait. Non, en fait, il faut que je raise et je call all in, parce que ce sera jamais moi qui vais faire la bulle avec autant de joueurs, en fait. Donc en fait, limite, j'ai envie de raise et de call le all-in parce qu'ils vont me faire tapis avec n'importe quelle carte normalement. Et je vais faire l'ITM et en plus, je. Attendez, mais merde, c'est 95. Non, la bulle est à 95, ok. Alors, je vais simplement open shove là. Le coup. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible le cut-off Asda, mais c'est pas bon. Ok. Oh le flip énorme. Oh non Horrible pas dommage, là c'était un flip qui m'aurait. Ok, bon, c'est bon, j'étais déjà item en fait. Putain, pourquoi ça m'a pas mis en verre Fais chier. Bah, du coup, j'aurais race call sur la bon, je suis content parce qu'on a quand même pris 8 balles. Et on va se concentrer sur notre dernière table au calme. bien je ne veux pas euh, être méchant en disant ça, mais je ne pense pas que tu sois le meilleur techniquement du team. Ça, c'est évident il y a au moins deux qui sont plus forts que moi qui sont au moins Adrien Joao. J'aimerais savoir comment est-ce que tu as fait pour monter ta rôle, devenir pro Bah c'était sur internet quoi franchement euh... Euh, comme franchement ouais c'était euh, sur internet et euh, j'ai monté ma rôle comme ça avec à euh... l'époque c'était poker stratégique qui donnait 50 balles et je l'ai monté comme ça ma, ma role salut Pierre, rien à voir avec le poker, mais j'ai 18 ans, je vais rentrer en prépa. ECG l'année pro, et vu que tu, je sais que tu es aussi passé par la case prépa, est-ce que tu aurais des conseils Ouais, c'est d'être bien organisé. C'est un peu comme ce que les conseils que je donne maintenant. Euh, bien organisé, avoir des objectifs clairs, être euh, passionné aussi par certaines matières parce que c'est gros points forts après euh, qui te permettent de décoller dans certains trucs et de ne pas avoir de points faibles. C'est important. Moi, j'avais des points faibles sur certaines matières et c'était ultra chiant. Ouais, fait chier, j'étais déjà ITM. Bon, ça n'a pas changé grand chose de dire au lit de coup. Je pense que j'aurais raise, il aurait chauffe, perdre de 10, j'aurais call. Donc, euh... au contraire, plutôt une bonne nouvelle puisque du coup j'ai chopé comme un peu plus de. Non, merci. Et là, on doit quand même avoir un stack pas mal. Hein. On a quand même 6 fois le stack de départ. Franchement, on a monté des bons stacks ce soir. C'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. Et c'est vraiment le... le genre de format que je, vais... je pense que je vais bien kiffer le jeu pendant 12 sessions. là. Allez 8, c'est vraiment border. Hein. Vraiment border. Allez, est-ce qu'il n'y a pas un petit trident quand même qu'on passe à deux tables Holdem 180 max, 2-0. Enfin, 41 minutes, oh, non, non. Je vais faire le trident. Hein. À deux balles. Ouais, on va tenter. Hein. Why not Et on repasse en deux tables du coup. Tac. Ça va, ça va faire n'importe quoi sur ce tournoi, ça va être irréel. Donc ça, faut faire gare parce que deux balles, c'est quand même la frange haute sur les tridents. C'est des tournois où ça peut bust extrêmement rapidement, il y a beaucoup, beaucoup de variance. Donc euh, la prochaine fois, je pense que je ferai plutôt des 1 balles tridents. Mais là, je crois que j'en ai pas même pas. Donc voilà, on a, on a, la session, on l'a poussée jusqu'au bout. Salut Pierre, est-ce que tu as pris en compte que tu étais devenu un personnage public depuis que tu as apparu sur une carte du trial pour suite C'est que mes parents ne me croyaient pas euh, Non, c'était plus depuis que. Ok, bah les 9. Enfin, c'était vraiment depuis plus que je voyais sur le nombre de vues sur YouTube, etc. Ça, c'est vrai que c'était assez. assez dingue, quoi. Assez dingue, mais euh, c'est vrai que c'est difficile de. C'est difficile parfois de s'adapter au... à un peu, entre guillemets, euh, la notoriété sur les réseaux sociaux. Parce qu'en live, les gens sont trop cool, quoi. En live, les gens sont trop cool. Il n'y a pas, j'ai jamais eu, euh, par je sais pas, des mecs un peu bourrés qui viennent te faire un peu, qui te disent 50 fois la même main, ça arrive, quoi. Mais sinon, j'ai jamais eu une mauvaise expérience en live d'un mec qui m'a saoulé. Alors que c'est sur Twitter et tout, il y en a plus qui saoulent, quoi. Ok les gars, à se valet de cœur. as, as -off. on va raise call. Là, on va bête en pure value. Notre as trois, il a très peu de deux, il a quelques dames bien sûr, mais ça va être noyé dans énormément de mains. Là, on va raise cette as valet pour value. Mais non, t'es déjà. Oui, oui, je sais, j'ai vu les gars maintenant après 5 minutes. Euh, là, on va... on va check en fait sur ce board. On va voir ce qu'il en est. Franchement, j'ai envie de call limite hein, pour laisser plein de mains dominées. J'ai envie de call pour laisser plein de mains dominées ici. Voilà, c'est parfait ça. S'il peut me chauffer un valet dame ou un truc comme ça, c'est parfait. quoi. Allez, là, c'est un pot qui vaut des sous. Putain, le roi Allez. Ils un bruit une dead non Let's go En plus, c'est sur un 2 balles, ça. C'est parfait, ça. 170 000 jetons, les gars. Ça, c'est assez cool. Ouais, mais c'était juste le foldé. Enfin, ça génère pas assez de fou. Combien il y a gagné sur ces kills of fish Ça doit être huge, je pense. Hein. Il y a vraiment beaucoup de joueurs. Il euh, y aura 90 balles, ouais. C'est pas mal, quand même, sur un 2 euros. On va pas se mentir ok là nous avons fait quinte, tout simplement ouais, ça serait bien de value bet là on a bien value bet gras Ok, ça colasse roi. Il avait limpé strong. Ça, c'est intéressant de voir qu'il avait limpé cette main-là. C'est pas si fréquent. Je crois que j'ai un limp shove avec 9-10 de carreau. Je sais une main qui joue hyper bien post-flop. Oula, oh tonton, il était incroyable son donk shove, là sur... Ok, là. Je crois que j'ai pas le choix que de chauffer avec ce SP. Non, je crois que je dois mettre raise. Hein. Je ne laisse pas assez. Non, la là. Salut PR virtuel. Comment ça va Allez. Donc, on est. Ouh, pas mal ça, les gars. Pas mal. C'est pas mal du tout. Raise. Reva, les dames. Salut Pierre. Pourquoi tu passé de 100 euros à 500 euros de BR pour ce défi non, c'était vraiment pour avoir en fait une palette des possibles un peu plus grande. Dans le sens où les 1€, les 50 centimes, c'est vraiment compliqué. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et en plus, on avait déjà vu tous les tournois. Oula, là, je vais call ça. Oh non, deux paires valides Incroyable. Il ne pouvait pas avoir das sur les fêtes préflables, donc j'ai un call évident. Il y a trop de draws possibles. Et du coup, voilà, simplement avoir des nouveaux tournois aussi, je pense que c'est un peu une grille plus représentative de ce que vous jouez tout Simplement, si je m'abuse pas, c'est que en fait il y a beaucoup plus de gens quand même qui jouent les euh, 5 euros 10 euros que ceux qui jouent les 50 centimes de manière sérieuse, on va dire. Et puis voilà, ça permettait de voir un peu tout ce, tout ce panel quoi. Je si pas plutôt l'open shop celle-là. C'est tous les soirs le, le planning, Pierrot. Euh, où est-ce que je. Je sais pas, il faut que je demande à Lolo. Où est-ce qu'on peut trouver le planning challenge Là, c'est du lundi à vendredi, en tout cas. Pas de pitié. On voit mal ma table. Merde. Non, c'est bon. Hein. Ensuite, c'est moite. Et Dame 3, ça peut être un candidat intéressant à call ou pas bon. Je vais simplement passer ma main là. Je vais simplement passer ma main avec Dame 3 parce que, certes, c'est. Un truc qui bloque pas ses bluffs, une main qui bloque pas ses bluffs, mais j'ai quand même pas mal d'as dans mon range déjà pour me défendre des neufs, donc euh, pas l'intérêt en fait. Dans la rue, les gens me reconnaissent très peu, je me... à part dans. Ouais, là, c'est un call. Là. Allez, split s'il vous plaît. Ça m'a l'air pas mal parti quand même. Ok. ici. Allez, 29 de cœur contre un serrement. Je suis pas mal du tout là. Oh là là, non, la turn est désastreuse. Ouh, il a quinte. En plus, je lui prends son petit bountard. <laughs> ça, c'est cool. Voilà, c'est boîte ça. Ça aussi, ça va être une boîte si jamais c'est foldé. Non, celui-là. Merci pour ce stream, j'ai chip à MTT à un euro. Bien joué, Semper. Bah, C'est ce que je me souhaite en fait, tout simplement. Là, je vais c-bet cher avec mon 8 et 9 et give up ensuite. Ça va overfall pas mal, je pense qu'il va falloir des d'euros, hauteur roi. Il va falloir des pleins d'auteurs des hauteur 10 et tout sur ce gros sizing. Ça va être assez cool. Je pense que ça génère pas mal de sous. En live, t'es le meilleur. Tu m'as souhaité de bust à Dublin pour que ton pote soit TM. Au final, j'ai win. Mais eu l'occasion de te revoir pour fêter ça à MDR. <laughs> bah tu vois, c'est cool hein C'est un fold. Ok, paire de 8, ça va être un limp. Et cololine. Je crois que je dois pote ça. Cololine, s'il a n'importe quelle paire au good shot il doit y aller de toute façon. Ok, allez, allez, ça tient. On prend un autre bounty, ça c'est cool. On n'est pas si mal. Il est parti pour faire demi, encore une heure de Là, je crois que je chauffe, C'est ça que c'est de pique avec un bounty, c'est pas mal. Oh, il a bien trapé, bien joué à lui. Allez, un 5 7 Allez, one time. Oui! Il enfin, faut pas one time, pardon. Même s'il avait que 9 blindes, c'était bien joué à lui. Et là, avec les bountards, je crois que je dois aller à tapis. Hein. C'est la foire ici. Il hein. y a tout. J'attendais que ça, ton challenge. J'ai commencé en regardant le premier et maintenant j'ai gagné les 5-10 euros. Bien joué à off. Ça fait ultra plaisir. Ça, donc bête. Allez, je te montre un as, parce que je suis sympa. Ou 8 et 10 call, ouais. Il le mérite celui-là, j'ai trop châté avant en fait. Il le mérite celui-ci parce que j'ai trop châté avant. Je le call du coup avec la grande le get shot. Euh, là j'ai un 4, du coup j'ai plus besoin de bluffer, j'aurais bluffé sinon. Ah, mais je l'imagine pas sur grand chose. Peut-être qu'il y a un truc, tu penses Je dis check le turn et là il pote. Ouais, bah, je vais lui donner le bénéfice du doute sur, euh, sur les gros bêtes. Ils ont quand même assez souvent. Check. Il n'a pas réfléchi value bête, incroyable. Mais non, qui t'inquiète pas, tu l'as pas raté le challenge. Il reste encore 12 sessions. Il reste encore 12 sessions. Donc, tu n'as raté qu'un tout petit, un douzième. J'ai fait les mêmes tournois que Pierre. Je suis ITM sur le monster stack 5 euros. Let's go, Rafale Ou Rafalez, je ne sais pas. Bon, ça, on va quand même coller ça. Oh, je dois plutôt folder quand même sur un 2.5x. As2, c'est pas une main que je réaliserai tout le temps. Mais sur des tournois plus faciles, je vais quand même abuser un peu de mon bouton. Et au pire, des conseils pour débuter en tournoi Bah franchement, mets-toi cette session depuis le début. Suis les sessions et normalement, ça devrait bien se passer. Là, on a quelques dips, on a prenants 8 sur 120 et on est 59 sur 160. Tu auras 58 payés sur ces tournois. Donc, ça, c'est cool. Franchement, on a monté des stacks. Ne, ne penses-tu pas que comme tu en as monstrueux au postflop tu pourrais limiter la variance en essayant de jouer plus postflop Ouais je pense complètement. Le truc c'est que pas sur un tournoi où c'est 8 deep avec des chaos en fait. Là t'as vraiment vraiment euh, trop de, de raisons d'aller simplement jouer les coups à fond et d'essayer de, de choper le KO. What the fuck Je m'attendais pas à ça du tout. Il va me boiter vraiment toutes les mains je pense. La roi le roi, il va en foutre de partout, je pense. Il va en foutre de partout, je pense. Il va falloir voir comment jouer ça. Ok, 2.18. On va call. Et si on fait une top pair, on y va. Hein. À part si elle lui paye aussi. Salut Pierre, tu pourrais nous donner ton avis sur les Mystery Bounty. Aurait-il une strat spéciale pour les jouer Moi, mon master... si j'avais un, un, un conseil, c'est de gamble des hein, 1 pour avoir un gros stack. Et après, essayer de faire en sorte que ça se passe bien. quoi. Oh, le bien, on va recall. On peut vraiment avoir des autres lives. Oh là là, c'est super ce qui s'est passé. Je pense qu'il a rien. Je pense que je préfère. voilà. Waouh Il avait brûlant de 10. Waouh Putain, quand il bête tout petit. Waouh Il a défendu 4 et 5. Là, je vais raise pour value. Waouh, putain, j'ai un rythme complètement off. Je pensais vraiment qu'il avait R. Ok, les gars, là, je pense qu'il va. de mutants. Ouah oh ah les gars, on a 100 blindes sur le. Je crois que là, je dois partir à boîte, en fait. Parce que Roi 8, lui, il a 12 blindes, mais il a 5 balles de bounty. Donc, c'est huge. J'ai bien envie. En plus, il peut me coller une tout aussi, les tilter un peu. Je ne vois pas, RESFOL. Ok, call dame 9, why not? Je mérite de le perdre franchement. Oh là là, c'est beau ça les gars. On, a cent... On avait 100 blindes sur le Buntar. C'est un truc de malade. Ok. J'attends quand même ce qu'il me fasse tapis souvent là. Il faut que. Je vois ce que je peux faire. Ok, il me fait tapis sur les bords size, ce qui est assez curieux. Je me demande ce qu'il peut avoir. Là, je ne vais pas pouvoir folder cette main-là. Il a 5 balles de bounty. Ce qui est huge. Il ne faut surtout pas qu'il se casse de table en fait. Pareil, on va chauffer simplement. Oh, Dame 6. On oh, remarque why not. Oh les gars, vous pouvez me changer de pas de table. Ok, on va simplement l'exciter. Les... <laughs> aïe aïe aïe. Ah, C'est pas grave, on mérite celui-là. On a quand même bien run. Quand même bien run. Juste ne me changez pas de table, s'il vous plaît. Je vais devoir folder, malheureusement, comme on est trois. way Heads up, j'aurais call, bien évidemment, mais là, trop compliqué. De rien, ça, ça me ferait vraiment plaisir de faire ce stream pour vous. c'est Franchement, c'est ultra plaisant. J'adore, en fait. J'adore, en fait. Je crois que je dois race call. Il est vraiment fou, en fait. Il y a tellement de gros bounties. Où est-ce que je m'en priverai euh, Et Pierre, tu joues les 5 avec quoi comme BR euh, Alors, je l'ai expliqué plein mal de fois, tu verras sur le replay sur YouTube. Euh, je jouais les 5 non turbo en priorité quand j'ai 500 de BR et les 2, les 1, et après les 2 et les 1 turbo aussi. Donc, euh, voilà, tu sais à peu près tout. C'est En fait, plus tu récrack sur ton nombre de bains, c'est-à-dire que tu t'approches des 100 bains et moins moins tu vas vouloir ajouter de variance et plus tu vas jouer des petits fields donc par exemple le mieux ça serait par exemple les 5 euros du matin non turbo quoi ça t'es royal quoi ça t'es royal parce que ouais je vais bluffer quand même je vais quand même bluffer parce que s'il s'il n'a rien ça va simplement l'exciter ça va il va simplement folder et j'ai rien donc là les gars on va coller bien sûr, il est trop excité pour pouvoir faire autre chose. Et on collera bien évidemment si donc Jones à tapis également. Allez ça c'est fait, il a cela aussi, ça c'est parfait. Tous les jours de la semaine et à 20h hein, je crois. Hein. Tous les jours de la semaine à 20h il me semble. Euh, ce soir je ne je bois pas du tout de Volvic Citron. De... Bah, Lolo m'en a apporté une, j'ai busté instantanément d'ailleurs. Merci Lolo. Euh, putain, j'ai foldé quand même 5 et 3 off. Donc ce soir, j'ai franchement, j'ai fait euh, à l'ancienne quoi. J'ai fait petite badoura au calme et ça marche bien. Hein. Avec le backdoor space, je vais simplement check. Aïe, aïe. Allez 8 off. Oh putain de small blind. Qu'est-ce que j'ai branlé là Ça m'a fait un petit peu peur. J ai, j ai... Ma bas on est. On a fait les frais. Oh, putain, 5 blindes. En fait j'ai peur si jamais je le bosse de changer de table, d'avoir de... la table cassée. Donc... Putain, il est en train de me refaire une remontada lui. Bon, et ça, c'est auto-bête une blinde. Je pense qu'il va tout livrer d'un coup, par contre. A priori, le petit... Allez, 12 sur 97, 8 sur 143. Putain, là, il y a des pots qui vont commencer à être huge, les gars. A noter que quand je suis sans blindie, je fais 9 blindes, 10 blindes. Mais quand on commence à être à 50 blindes, on va plutôt faire 3,5, 4 fois, le, 4 fois le, le montant du 3 -bet. Ouais, Pour 3 blindes de plus, là par contre, les gars. Allez, un 5,6, moins 8. Oh Call Queen Eye, ok. Ah, la vallée est vraiment pas bon parce que énormément de sevluff contiennent des vallées malheureusement. Je soupçonne d'avoir une main, genre de une petite paire ici ou un truc comme ça, c'est très probable. Ah Roi putain. Et la paire de Roi juste derrière. Un peu border, son call preflop, je pense. Ok là, une bonne main à bluffée. Là, vu qu'on est plus profond du tout. Mmh. Ouh, ce Roi, il a peau dure. Hein. Et maintenant il nous couvre. Maintenant il nous couvre. Et maintenant il nous couvre. Ce qui va être très chiant du coup. Il a eu la peau dure. Et du coup, maintenant on va devoir jouer tight contre lui et tight contre l'autre aussi. Allez. Mmh. On a quand même gagné un. Le plus important, puisque maintenant on a 60 blindes. On va pouvoir coller le tapis contre lui. Ça, c'est parfait. Je pense qu'il va faire tapis un peu avec n'importe quoi. Ok, à 5, très bien. Ça va être un chop. On a protégé notre big land. On a pris la small band de dead money. Pourquoi pas Quand on a aussi petits tapis, c'est important. Roi 3, un tapis évident. N'importe quel roi ici, en plus avec son gros tapis, avec son gros multi. Ouh, ça m'étonnerait. Ouh, 3 Je prends bien le 3. 3. Aïe, aïe, aïe. Nice hand, buddy. Nice hand. Check. On va snap call. Hein. C'est ouais, bien joué. Bon, il me fait une blinde dans cette à la rivière. Merci de nous laisser la vie. Facile, Elle là on va raise un peu. Il défend pas beaucoup ces grosses bandes, ça c'est intéressant ça quand même. Hmm. Oh, 17 off. Il s'est chauffé. <laughs> Il s'est chauffé avec son 10 et 7, ça race. Euh, là je crois que je vais coller foldé sur un shove. Ça me paraît être vraiment pas mal. Oh merde, il avait 3-42, putain, j'ai même pas vu. Oh là là, catastrophique ce que j'ai fait. C'est parfait. On a pris la bonne décision On a, a peut-être du riche quand même. Ouh, à se valer contre deux As, <laughs> c'est incroyable, 3-9 deep. Heads On est content de, de le prendre que contre ce, ce joueur-là. La paire des 8, elle peut être sympa là. Il rapporter gros. Si jamais il y a genre une paire de deux là, il va devoir faire tapis. Salut Pierre, toujours un plaisir de voir tes streams et toujours aussi drôle sur Story. Oh bah écoutez, ça me fait trop plaisir les gars, merci beaucoup à vous. C'est fait tapis là, on va devoir commis, bordel. C'est un peu le problème, quoi. Mais bon, il a ciblé, on s'en fout, on a 60. Pourquoi pas voulez pas que je suis là pour, pour toutes vos questions, hein, surtout les gars. N'hésitez vraiment pas à défendre un As. On a un petit coup de mou sur ce qu'ils affichent de euros par contre. Hein. Ouais, j'ai commencé avec 500 euros exactement. Et là, on va essayer de… Il va beaucoup folder quand même sur ce board. Allez, fais-moi tapis, ça serait cool. Oh il hésite, il hésite. Il a hésité. il a vraiment R je pense. Je vais checker parce que je pense qu'il a vraiment une main de merde, genre une gutshot, shot, genre 8 et 9. Je vais checker quoi, je le vois vraiment sur rien. J'espère qu'il a pas 8 et 9. putain. Je vais lui laisser l'opportunité de faire. Putain, il a un roi, il a bête le turn avec un roi, putain. Chier. J'aurais pu tout lui prendre. Les paires de valets, putain, on est vraiment bien l'outil là sur ce tournoi. Allez, envoie tout, mon petit. Envoie tout mon petit. Allez, perdas de l'autre côté en plus. Ici, si nous tenons. Ça se passe bien ce petit trident là. Putain, ils envoient des parpinades, mon gars, de l'espace. Ah, dommage, la perdasse. Ici, cette suite qui qui prend aussi. Oh, là, la paire de 7 derrière. Allez, envoie. 3-3. Allez, les gars, allez! Il y a Combien la gagne d'un trident 2 euros Il y a quand même 85 balles plus les bounty, c'est irréel. Et j'ai envie de dire que là, les joueurs ils vont tendance un peu à avoir trop forlé leur grosse blinde. Plus il y a une hantée, donc je pense que j'ai quand même pas mal de. trait à raise plutôt que de développer des ranges trop de limp. On va voir. On va voir comment ça se développe. K9 18 et un raise. Et là, on va passer en mode rouge, les gars. Ça va être bientôt la prévue. on en aura bien connu des rouges là, ce soir, c'est assez cool. Pas de PLO, hein, ce soir. Non, c'est pas mon lit derrière. Ok, là, avec les... c'est bête petit, là, avec les backdoors. En fait, qu'il y a peu chance, c'est avec les stack size. On peut... Là, je vais devoir shove. Hein. On remarque, quest ce que je dois faire. Check. Oh là, là 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 on lui a rentré la backdoor. Parce que le problème, c'est que si je bête énorme j'ai l'impression que j'ai jamais qui peut me coller n'importe quel paire s'il est vraiment s'il est assez intelligent il y a tout comment ravaler va là un petit non pas de stream de l'après malheureusement il faut que je stream le soir parce que l'après y aura je pense qu'il n'y aurait pas assez de monde tout simplement il y a aussi euh... Imaginez un jour, je fais à 12h, un jour à 14h, un jour à 20h, c'est trop compliqué. Non, tous les soirs à 20h, boum, 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 on envoie, boum, 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 boum. Sachant que la plupart du temps, ça sera Stream Gang et du coup, je pas la Winamax TV, quoi. Rolanda, moi, c'est comme ça que je vis ma vie, les mecs. C'est comme ça que je vis ma vie. Faites pas chier. Donc là, je crois que je suis censé quand même. a assez une tonne. Hein. Je suis censé minraise une tonne sur son c bête il est polar. Il peut craquer complet en plus, lui. Check le turn. Shove la river tout simplement. Shove hein. la river tout simplement. Allez, call, high side. parfait ça. Je crois qu'on a un gros tapis les mecs. Hein. C'est la bulle, c'était la bulle en plus, non Je l'ai même pas vu passer, je, je vous le cache pas. C'est pas si mal, hein. 490 balles, on va se faire l'item en plus. Ce serait vraiment bien d'accrocher un item à gauche aussi, les gars. Allez, 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 allez Quelle est la probabilité de toucher un As au flop avec une main comme as pré-flop all-in bah, Par exemple, si tu as un, un As2 contre euh, paire de Roi, tu as 30% de chance de gagner. Sur les 5 cartes du board. Il me semble que la, la probabilité de toucher un As, il me semble, sur un board, c'est une chance sur 6, il me semble. Parce que on a une chance sur trois de faire top pair avec as 3 donc on va avoir une chance sur 6 de, enfin de faire top pair avec un de faire top pair avec un 2 Logique, <laughs> ok les gars. On est TM, on est cheap leader également, et ça, ça fait du bien. Et surtout, on a 491 euros de banque il me semble. Quoi qu'il arrive. On ne perdra pas beaucoup ce soir au minimum, mais là on a quand même, on peut quand même avoir des ambitions qui sont, un peu, qui sont un peu autres, quoi les gars. Il faut rester bien concentré là, les gars. Ça commence à coûter cher. Là, on va commencer à ralentir le rythme de jeu. Et bien évidemment. On va commencer à raise un peu nos merguez pour mettre un peu de pression là, les gars. Voilà, ça, ça gagne. Ça, c'est pas mal. Paire de 2, on va le partir à tapis avec cette main. Je pense qu'il y a assez peu de trappes. Et là encore on gagne là les gars on se maintient vraiment bien et là sur ce, cette carte on va bête petit allez ça permet de s'il si fait tapis pour 11 se on va y aller avec 3-10. Hein. et là on va simplement réaliser maintenant qu'il est un peu plus short on va simplement faire 3x pour value pure si chauffe on doit te coller en théorie et là c'est pour un tapis moi oh, je, je vais libre, je pense pas qu'il mise assez, si jamais je vois qu'il m'envoie la, la boîte, je vais simplement commencer à folder ces merguez là. Non non, c'est pas 30% du temps en bordel ça. Y a. Allez les gars, plus c'est un gros bounty. Je suis un peu loose. on Fait tomber à 0% malheureusement. C'est de bonne guerre, on a plein, plein rush sur ce tournoi. Voilà, pareil, hein. 3 x, 3 x. Allez, on prend, on prend les mecs, on prend. Ouais, les présents, c'est des beaux tournois, ouais. C'est des tournois sympas. Faut que je fasse gaffe sur ce qu'ils affichent de zéro, allez les gars. On en voit tous les gars, allez. On est ensemble! On est ensemble! C'est l'occasion de commencer aussi à se pencher sur un peu le bloc notes Qu'est-ce que vous pensez? D'ailleurs, on va travailler ensemble un petit peu, les gars. Qu'est-ce que vous pensez qui a été bien fait? Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être mieux fait? Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être amélioré? Ça, ça peut être sympa. Ce qui peut être amélioré, c'est de gagner avec ce Valet 3, par exemple. Possible! Donc là, on joue contre en hein, chez les deux, hein, presque. Hein. Check. Oh, il avait dit ces deux. Pas de raison de trop s'exciter. Là pour 5 blindes, je pense qu'un valet, ça va être bon. On va passer simplement ça. Salut Pierre, ah, voilà un petit moment que je joue online bankroll. Me permet d'aller faire mon premier cash game en live, mais je n'ose pas prendre le pack. Comment tu vas appréhender ton premier live Ouais, c'est compliqué les gars, franchement. Euh... Franchement, si c'est un trop gros saut en termes d'argent, de... t'es pas trop le con. Parce que si tu joues des euros et tu vas jouer un 100 balles. Franchement c'est compliqué. C'est compliqué donc. Euh... Quelle arme bluff. Tranquilo. Ouh, si c'est deux. Il avait deux paires. Il est 6 c'est deux boutons. Je crois que j'ai pas envie de me faire richot là. là. Je vais simplement... Salut Emric, Caron. Oh là là, instantanément puni par ce cheval 3. Mais là je suis obligé parce que j'ai fait une première riche avec mon bounty, donc je vais jouer mon équité tout simplement. Un petit 2, un petit as. Oh le 2, magnifique. Putain, yes. Ça, ça vaut de l'argent, les gars. Ça, ça vaut de l'argent, les gars. Okay, là, je suis obligé de bluffer avec mon 6-7. Je ne pas foller les genre Rotterdam, tout simplement. <laughs> Bien payé à lui. Il ne peut pas foller de paire ici. Ça me mon un bon joueur déjà. Il a bien, très bien joué la main. Il me semble que Valet 3 suité, je peux la raise aussi deep, points. C'est vraiment une main pétée. Lui, lui, il me faut le tout. Ok, là. Avec la ICM. Ici, Osteras qui peut, qui peut battre ce joueur. Là, j'ai double gutshot. Il me semble un 2 ou un 6 me donnera la meilleure main. On y va, on va call. Mais là, le 2 à la rivière, ça c'est beau ça, ce run. C'est beau ce run ce soir, les mecs. Il va me retourner. Qu'est-ce que. 5 et 6 Non J'ai jinxé J'ai jinxé Moi, j'arrive pas à y croire que je me sois jinxé comme ça. Oh wow. Fuck on a quand même profitable sur ce sur ce... Bon c'est pas grave, 64 left. Oh, sick Sick, si tu peux pas avoir valé 9 comme tout le monde. Allez, on va passer en une table, les gars. Et quelle table Franchement, j'aime pas me priver d'à chaque fois le. Une table, boum. Boum. Et boum. Ouais voilà. je vais essayer d'appliquer de la pression quand même parce qu'il a un stack qui est plus petit, que... qui est plus... plus petit que le mien. Allez, 6 sur 40 les gars, on est tous ensemble. Pierre, est-ce que Delphine a gagné un event live Non. Non, non, jamais. Enfin, là, elle joue presque pas en fait. On a fait juste deux fois un dollars ensemble. Et combien est-ce que de banquerolles est-ce qu'on a maintenant, les gars 491. Allez, il faudrait qu'on accroche au moins 10 euros. Ça serait la 9 neuvième place les mecs. nous sommes sixième. Bah là encore, hein, les gars. Est-ce qu'on s'en préverait Une blinde à chaque fois, c'est incroyable ça. Rice pour value pure. mais on c'est bête. On deny l'equity ça s'appelle. Là par exemple si a une main comme 910, on est content qu'il fold. Euh, en fait, là, je, quand je... Batte mat, pourquoi tu as mis en rouge le kill the fish euh, Tu n'es pas ITM C'est parce que c'est à l'approche de l'ITM que je vais mettre ce genre de... Ok là, ça va être cher. Simplement parce que en gros, je vais faire fold le King Eye. Et que si jamais je touche ma flush, si jamais il call, ça veut dire qu'il aura un as et que si je touche ma flush, je peux pouvoir valuer encore plus gros. Exactement, ça c'est super important de comprendre ça. Tu vois, quand la bulle approche, tu mets un autre code couleur comme ça parce que ta stratégie va fondamentalement changer en fait. C'est hyper important de changer les codes couleurs. le temps, ça, mais on est obligé de folder le temps parce qu'on a une bonne main, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Reset de blinde dans colle n'importe quelle carte suité, bien évidemment. Et là, si j'avais eu comme 6-7 suité, j'aurais simplement raise, mais pas ce coup-ci. Ok, pas bon ça. Il a montré qu'il pouvait limp des mains genre 6 et 3 sous, donc... Euh, je vois pas pourquoi est-ce que je me priverais de call mon, mon Notre-Dame qui peut être vraiment bonne ici. J'espère qu'il a pas roi par contre. Il peut avoir vraiment 8 et 9 off ici. Hein. Il a un as ou rien. Je crois que je vais faire un dinguerie à Hero Call. Parce il peut vraiment... Il a montré qu'il limpait 6 et 3 tout à l'heure. J'imagine qu'ici, il a soit un As, soit un 2, soit un rien. Let's go! Et c'est là on fait la différence, les gars. C'est là on fait la différence. On se bat pour les pots. Allez, on est tous ensemble. Dernière heure. On est 5 sur 32. On y va. A tout de suite. Allez les gars, c'est reparti pour un tour et nous allons tout de suite partir à tapis avec ce roi dame Aïe aïe aïe. Oh non, c'est terrible ça. Putain, pas directement. Putain. 3 ended. Et là, ça change quand même pas mal à donne. Checker. On va commencer à miser notre main. ça c'est vraiment l'illustration aussi de la grosse variance qu'il peut avoir. Je me prends un raise, il peut avoir plein de mains genre 4 et 5 ici, des trucs comme ça. Carte qui change rien La seule main qui fait sens ici c'est 2 et 3 off et 10 et 3 off. J'ai l'impression que je bloque avec 10 et 8. Je pense qu'il peut avoir 4 et 6, 4 et 5. Dame 4, oh là. Et c'est ce qu'on appelle chauffer. Allez les gars, on est tous ensemble. Ouh, et là j'ai une grosse grosse main, je pour un check. Pas trop envie de faire raise ici. Ah ça c'est une très bonne carte pour moi. Par contre là j'ai quand même tendance à avoir tendance à raise ici. Il va bah, falloir des mains genre validis. Et ça gagne les mecs. On a pris nos balls. On a pris nos balls les gars. 15 blindes, il fait tapis. Et lui, il a vraiment été passif. Normalement, je devrais call contre un bon joueur, mais contre un joueur qui est aussi passif, je vais simplement folder. va okay, pas quand même. Ok, check. Il va folder tellement, putain, bordel. Et là, retour roi, là, normalement. Ah. dommage. Allez, 8 et 9. Il a le qu'on foldera si jamais il y a de l'action. Check. Attire du pot. Si call, là, c'est une très bonne nouvelle. Il a souvent un 7 ou un 3. On va avoir value quand même assez grassement. Allez, colle 7. Cole 7 okay, Parfait, 4 et 6. Yes, les gars, on est de retour à 42 blindes. C'est pris un setup, mais après on a refait tout notre retard à force du poignet. Ça, c'est assez cool. Donc là, surtout, c'est pas un tapis, c'est pas un 3 bêtes, c'est un call, les mecs. Sans souci. Hum. Intéressant ce coup. Je pourrais peut-être faire un truc, mais. On pays ça quand même. Un pour VALUE là. Hum. Là, le joueur en grosse blinde il est trop passif je fais simplement raise et... ou s'est s'est énervé là ouais walfi la classe on hein. peut pas avoir das ici allez on prend un petit bounty à 250 euros c'est c'est vraiment ça de prix parce que sur 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 des banquerolles comme ça c'est ça fait la différence aussi euh, on va raise un peu plus cher, là, du coup. Ça peut abandonner, je pense. Bien joué à lui. Les raise de mon On n'en parle plus. Les gars, on a les dates. Allez, raisez-moi ligne, qu'on n'en parle plus, mon gars. Qu'est-ce qui se passe? Ok, parfait. Il doit y avoir un truc, je repère de 8 ici. Allez colle moi la paire de 8 mon gars. Colle moi la paire de 8. T'as 10 balles de bounty Si colle là, c'est bien évidemment... ça change complètement notre tournoi. Si colle. Mec. Je peux avoir 6 et 7. Il peut éviter à me coller peut-être euh, notre race. Non. C'est déjà ça. Ok, comme il me réchauffe, je vais pas non plus faire le foufou. J'ai pas eu donné beaucoup de dead monnaie. Ok là bien sûr, maintenant, on ira. Avec à cette suite. voilà là là, qu'est-ce qu'on touche Chut Putain, s'il si a 5 et 6, je tilt. Je suis désolé d'avoir fait ça. Si t'as 5 et 6, je me suis jinxé tout seul. My god. Je crois que je la pote ça. Il a des rois dans son range, hein. Oh, je me suis encore jinx. C'est irréel que je me suis jinxé. C'était sûr, c'est deux fois de suite. Oh, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. À chaque fois, je dis Oh, incroyable le run. Et parce que j'ai 7 et 8 sur 7, 8, 4. La 5 et 6, c'est deux fois de suite. Putain, je suis désolé, les mecs. Je le mérite. Je le mérite tellement, putain. Allez, si tu fais tapis là, c'est pas mal. Oh, j'ai encore jinxé. Non, les gars. Putain, en plus, c'était 9,33€ de bounty. Chier. Je me suis jinxé deux fois. Ça m'a niqué mon tournoi, c'est irréel, putain. Oh là là, le scandale. Là, je dois call et all-in. All ok, check. Un scandale ce que j'ai fait. Okay, là, il est souvent un 5. Et check-call, bien sûr, il a plein de bluffs. Il est souvent un 5, quand même, ici. Dame 5 sous... Putain, fait chier cette as aussi, là. Incroyable ce qui s'est passé. Salut Pierre, c'est toi qui m'as fait aimer le poker en confinement avec les deux dans la tête d'un pro. Depuis moi et mon pote, on a monté 10k de on est devenu passionné. Merci à toi, on kiffe ton jeu. Bah, merci, ça fait très plaisir. 1700 viewers après une heure du mat, mais quel succès, Pierrot, c'est vous Eh bah, bien, les gars, merci à vous. Hein. Vous êtes fous, Moi, j'y suis pour rien, c'est grâce à vous. Hein. Merci beaucoup, merci, 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 merci beaucoup. Ok, les gars, ça va être un tapis. Pas grand chose à faire d'autre. Et ça gagne. Là il faudra un petit double up, ça serait vraiment sympa. Je demande si je peux parer. Là c'est un board où je peux pareil, j'ai pas d'as presque. Putain, est-ce que j'ai des as. Je peux avoir des as 2, as 3, as 4, as 5, c'est 6 off je peux avoir des deux paires aussi, je vais s'en mon bête petit. Je fais snap. Pas la meilleure des rivières. Il peut avoir flush draw par contre. Souvent il a un valet quand même. Oh paire de trois, nice Putain. Emmerich, euh, t'envoies du bois. Là, je crois que je dois open show là. Pour 20 blindes. Allez les gars. Allez 23 blindes, on est presque de retour. Average après ces petits coups hein, un petit peu, euh, un petit peu horrible. 9-3, je vais quand même la passer celle-là. Pourquoi tu fais ta Pierre avec ton King Queen Tu n'as que deux fois son stack open fold, plutôt ou non Ou c'est la structure qui laisse Bah non, Là, c'est open au bouton. 20 blind deep avec roi dame Non non open fold surtout pas les gars quand même. On va se respecter un petit peu. Un minimum, on va raison garder. On va pas commencer à open fold ou alors à folder roi d'âme de Big Blind. Ok, Valé des sous, pas mal à raise, ça. Il défend pas beaucoup ça blinde. Ouais ah, ça je vais limper ça. J'ai vraiment R. D'un côté, je peux, c'est bête quand même, pas mal. Ouais, ils ont des gutshots et tout, c'est chaud. Parce qu'il il a quand même défendu Small Band, il doit avoir quand même avoir des trucs. Je vais check et bluff la rivière, peut-être. Comme si j'avais une dame, je vais jouer en fait. Le problème, c'est que j'ai peur que ça m'y recolle un peu trop des paires ici. J'ai l'ultra bottom de mon range. Mais moi, je vais faire moi-même, je vais faire folder des 4 à 5 eye Allez. Bon, parfait, il avait Dame-3. il aurait call. Bon, c'est un peu résultant d'un mais. Merci Florian, énorme challenge. Merci à toi, Pierre. Franchement, merci. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je vais bête en bluff. Et folder si jamais il me raise. Avec ma simple gutshot. Parce que là, il a vraiment pas grand chose. Je vais miser très cher. Je vais bluffer la rivière au Wow Waouh, putain, c'est horrible. Il peut pas avoir ça Je crois que je vais prendre mes balls et je vais aller tapis parce que je crois qu'il a rien en fait. Je crois vraiment qu'il a rien en fait. ça il aurait fait tapis lui-même préflap. Ouais, je vais aller avec les balls. Oh, il a ce 4 de trèfle. Non! Ah putain, ça fait chier. Comment il m'a pas fait tapis pré -flop avec ça? Putain, est-ce que c'est un spio Putain, j'ai vraiment R. Et si lui, il a valet dame et que je le fais folder, ça serait incroyable, quoi. Putain. Maybe. 16 left. Allez, passe. Allez, un rond, un 6. On est reparti comme en 40. Aïe, 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 16ème, j'y suis allé avec mes balls, et euh, peut-être que c'était un, un spew, mais je suis quand même content d'avoir, d'être allé avec mon read, et tant pis si jamais c'était pas le bon truc, il aurait peut je pensais qu'il allait check call avec un as à la rivière, franchement bien joué à lui, il m'a bien eu, c'était en tout cas une super session, c'était marrant avec tous les jinx et tout, et j'ai adoré la passer en votre compagnie, je vais travailler sur mon petit bloc notes moi, bah bon, d'ailleurs on va, on va tout de suite le faire en fait, euh, Bloc notes, tac. Et on va voir les points positifs de la première session et les points négatifs, par exemple. Les points positifs, déjà, c'était bonne énergie et bonne intensité dans le grind. Dans l'animation, le grind, je pense que c'était vraiment sympa. Et on perd 2 euros ce soir, bon, c'est pas très grave. Euh, capacité à lancer des tables jusqu'au bout. Et bien jouer solide. Les 4/5e de la session. Parce que là, c'est très cette dernière main. Questionne est-ce que c'est. J'ai quand même le rien. Et si je peux me faire faute des rois valets ou des trucs comme ça. Dernière main spiu. Euh, point négatif c'est. J'ai joué trop vite, par exemple. Je joue trop vite en règle générale. Virgule. En plus, ton temps. Surtout. Surtout. Lorsque tu dis prennes. Hum, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre euh, comme point après à améliorer On peut mettre. Ok, dernière mince, Piu. Donc, en, avec, en plus général. T'es tu tenu. Ah, ta stratégie. Alors là, c'est c'est des questions ouvertes. Parce que si ça se trouve, c'était le bon play. Et si ça se trouve, il est plein de bluffs. Si ça se trouve, c'était le bon play. Et si ça se trouve, comment dire, sur ce genre de turbo, c'est aussi comme ça qu'on monte des jetons, Et finalement, si on était sur sac aussi, c'est parce qu'on avait perdu avant deux énormes coups avec un euh, paire de rois contre AS2. Et le coup avec 7 et 8 contre ça cassé sur 4, 7, 8. Donc, il ne faut pas non plus trop se blâmer. mais se poser la question, peut-être une la stratégie, dernière main spio, y avait-il mieux à faire On va faire. donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la main XAT4, par exemple. Jouer trop vite, ça, ça va être facilement réglé, par exemple. Point à améliorer directement. Ah, les points positifs aussi, bonne préparation physique et mentale. Donc ça, ça veut dire quoi physique et mentale Ça veut dire que par exemple, j'étais allé courir une petite demi-heure seulement, mais je m'y étais tenu, j'ai mangé hyper sain. Et, euh, et euh, demain, du coup, ça les points positifs, je vais essayer de les reproduire demain. Et les points négatifs, je vais essayer de les améliorer. Je vais faire un mince pio, entre parenthèses, vérifier cette main. Alors, comment est-ce que je vais faire pour la vérifier On va tout de suite la regarder. OK. Je vais l'enregistrer avec mon téléphone pour ensuite la restituer. OK. PolimP4 et 7. ok nickel donc la main a été sauvegardée c'est parfait et on garde ce bloc note point à améliorer un peu plus Le sport après voilà dites moi un peu sur les points améliorés ce qui l'animation c'était vraiment bien joue moins vite on maintient l'animation de dernière heure. Peut-être <laughs> plus d'interaction avec le chat. Et voilà, ça me paraît pas mal. Dites-moi, on va réfléchir un peu sur ces points et dites-moi ce que vous en pensez. Quant à moi, je vais simplement aller me coucher et demain reprendre. Demain course, petite muscu, on mange bien, on dort bien surtout et on repart comme en 14 ou en 40 ou je ne sais quelle guerre après la guerre avec vous. Merci 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 beaucoup. C'était incroyable. Merde, il faut que je mette ce facecam en fait. Merci merci beaucoup à vous. C'était incroyable et, euh, et euh, voilà, pensez à bloc notes on se dit rendez-vous demain 20h, c'est ça Lolo ça. Demain 20h et merci euh, à vous tous pour euh... Euh, pour votre présence et c'était incroyable vous étiez extrêmement nombreux, je suis très touché et, euh, et merci beaucoup et à demain, ciao ciao